uh Pessoas égoupées? Ah, qu'est-ce que tu as fait? Non, non, non! and out Ouais 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 les frérots de Snap. Alors les frérots de Snap Ouais les frérots de Snap Ça va ou quoi Ah oui j'avoue il y a ça. Man. Merci à tous les frérots de Snap! Let's go! Oh là 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 là. Non, mais... Ah oui, Sam, encore un stream exceptionnel! Hein, oh oui, toujours, Sam, hein. c'est trop! Qu'est-ce oh, qu'il est, oh qu là est là fort! Là ah. Mais qu'est-ce qu'il C'est le est... stream à cause de lui! Hein. Mais oui, genre, il est trop le, le sketch, quand il est en sketch comme ça, là! Euh... Oh là là, j'en pouvais plus quand il a voulu faire commande F et qu'il a baissé ses lunettes comme un petit vieux! Euh... J'en pouvais plus de Attends, il y, y a mon coloc là! Attends, ah, attends, y a ah oui, mon pardon, coloc. attends, attends, ah oui, oui, moi aussi, moi aussi, il y a mon coloc, hein. Tu fais la vaisselle là En fait, hein. Tu fais la lessive À un moment donné perra. À un moment donné, hein À un moment donné, <laughs> tu vas la faire <laughs> ta lessive À un moment donné <laughs> Oh là 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 À un moment donné Oh, et sa tier <laughs> Moi, ce que j'aime trop, c'est qu'il a fait la tier liste officielle comme tous les autres en disant ça, c'est les copains, ça, c'est les copains des copains, ça, c'est les pas copains. <laughs> Et finalement, il a été bien immonde avec tout le monde, beau. <laughs> Mais après, il peut se permettre. Il y avait, hey, il y avait toutes les chaînes certifiées qui étaient là et qui parlaient. Ouais. C'est là, que je me dis, waouh ouais, Wissam, c'est incroyable. Hein. Wissam, il est trop hein. fort. Wissam, il est inarrêtable les gens. C'est le meilleur en mode, de me tout. la lire bœuf. Ah oui, c'est ça. <laughs> tout le monde veut ça. la rampe dans sa team. Alors il y a juste un, un à moment Mianou. où je trouve, ils ont pu parler C'est quand il a parlé d'os politique. Là, j'ai vu beaucoup de comptes certifiés disparaître. Oh bah, la théorie du complot en mode Ah, on veut pas critiquer. Oh, ta théorie du complot. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui font crari. Qui font crari et ça suce euh, tous les gens qui insultent de White Fame le reste du temps. Hein, mais bon. Oui, 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 oui. Mais bon, ça, on est habitué. Le daron rebeu. Ah non, mais ça, non, le mais moment où il chose. a baissé ses lunettes là, mais moi je. Merci. C'est trop ça tu satures. Attends, tu crois que je l'attends Attends, je vais régler. Attends, est-ce que ça sature un peu moins là Là, t'en penses quoi là Est-ce que euh, ça te convient mon micro Si je fais tout le stream comme ça, espèce de petit fils. Allo Merci pour le train de la. Ah oui, j'avais monté la sensibilité. Il y a cette beaucoup de gens qui ont fait des dons. Merci Anastasia, Promtep. Encore, oh, toujours hein, depuis 15 mois, Anastasia, dans nos cœurs, bien sûr. Xantel, The Shazam, Néloueli, Merci Anastasia. Sconas, Petit Louis, Dunkman. Et puis euh, les autres, Pierre Claude et les autres que je, je Merci, OknazD. que je, je bouge ma souris pour euh, voir ce que j'ai oublié après. Hein. Donc tant pis pour vous. Merci, OknazD. Merci, Marie Ride, etc. Merci, Joac. Alors, les frérots de Snap, Merci ça va gens. ou quoi Alors, les, les frérots de bah, Snap, ça dit quoi on, peut, on regarde juste le début sur Paris de la ah ouais. de canard, plus, tout à En plus, tu sais que Cassandre est tellement énervé qu'il m'a envoyé des plans Google Maps. Il m'a envoyé six liens Google Maps. Avec des trucs en mode, il serait allé dans une rue plus loin, il aurait eu le bonus science-fiction oui, mais... ah, C'est là où, tu... ah, où habitait un turbo-homme politique. Le bon marché, rien que ça. Les vrais bourges habitent, c'est là. Et on peut voir à côté des grandes portes, des portes plus petites qui mettent directement aux chambres de bonne. Et tu vas plus loin, t'es aux Invalides, tu réchètes le champ de Mars, etc. Il ne en connaît fait, pas le Paris. Là, Vous avez le canard Alors, comprenez... avec Samir et Cassandre, en fait. Ah oui, en fait, c'est ça. C'est Comprenez que Cassandre, quand vous commencez à parler de la bourgeoisie, et que vous en parlez mal, ça l'énerve parce que lui, il sait à quel point vous ne vous rendez pas compte de la bourgeoisie. Vous allez à Saint-Germain, dans les deux rues non, les de Saint-Germain. On va en parle après. Il n'y a pas, la pas de vidéo, tout le monde n'a pas le contexte. On va en parler, après. On, on va en en parler, parler après. après. on va en parler après. Vous avez vu, Mister V vous follow sur TikTok. Attends, c'est quoi cette info là Attends quoi <laughs> Attends quoi Attends quoi <laughs> Mais tout à cette info, le gars, il dit Attends, attends, c'est quoi cette genre info Genre, c'est le bail national, euh, C'est ce que... en couverture de, du monde quoi de libération, du Figaro. Genre. Mais genre, attends, mais attends, Toby, mais je tu checks sais pas toi, nos followers. Je vais sur TikTok dès maintenant. Comment on fait pour savoir oui. ça Mais dis-moi comment Il y a une dinguerie Tu balances une bombe comme ça C'est insupportable C'est une dinguerie C'est dinguerie de dire ça comme ça et de s'en battre les couilles, après Si la preuve, les émotions. 29k followers. mais c'est hyper chiant. C'est hyper chiant. Putain, c'est vrai. Mais comment vous savez hey, Comment Evie, Mr. V, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Quoi C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai de vous. Mr. V, il nous follow Oui, je t'ai juré, gros, j'ai juré. Il, est, il va dans la Le liste des follows. Le frérot de Snap Le frérot <laughs> de Snap Le frérot de Snap sur TikTok. Oh, oh, oh. C'est un peu Mister oh, V, est oh, ce que oh, je Oh, oh. C'est Grim -coujou, ouais. C'est incroyable. Je sais pas si tu Bienvenue veux stopper ça, mais t'as la bougeotte d'Ani. Alors, ban. Hop. Je vais ban les gens maintenant qui m'insultent. En fait, je comprends pourquoi tu fais ça, ça détend. Ça y est, c'est bon. Alors, stopper Toby ne fait pas de TikTok sur ça. Ah, ouais, non, Toby, non, vas-y, vraiment. S'il te plaît, nous affichons Toby, Toby, ta gueule. Hein, C'est la vanne en stream. <laughs> Il va être l'arbitre, euh... ils vont dire. Oh, l'humeur, les gars. Oh, En ah, plus, comprenez, attendez, comprenez, on s'est levé très tôt ce matin à 14h. Première chose, moi, je me suis réveillé, j'avais trop le seum. Le premier message que j'ai envoyé à Dani de la journée, c'était Ah Voilà, tellement j'ai souffert. C'est vous dire. Mais tu sais que Donc, gros, moi, c'est le, le premier message que j'ai envoyé vocal ce matin à quelqu'un. Attends, je, je attends j'écoute. Moi, je crois il est safe. Écoute mon je premier, premier message vocal du matin. Ah. Mais gros, mais on est pas avec gros C'est un truc que je t'ai envoyé. T'étais moi, je t'ai envoyé le même message sur Discord. C'est le premier message que je t'ai envoyé. Attends, je regarde ah. ce que tu m'as envoyé. Regarde, gros, ce matin, c'est le premier truc que je t'ai dit. Tu m'as dit quoi J'arrive. <laughs> ah, après je t'ai dit, oublie pas demain. Et t'as fait, ah Et après je tu m'as dit, ah oui <laughs> Voilà. Et après je t'ai dit, les tweets sur l'homme pâle, ça me fume, il découvre alors que c'est dans ses paroles. Voilà ce que je t'ai dit. <rire> <rire> on est des monstres dès le matin. Non mais attendez déjà, on se incroyable. lève à 13h30 du mouf. matin. Qui fait ça euh, de se lever aussitôt, déjà. Ah ouais, 10 h 30 du matin, c'est une torture. Il a gens, aucun de frérot vrai. de qui se lève à cette heure-là, Ah oui, 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 de fou, <laughs> de fou. Et ensuite, ensuite attendez. Et ensuite, attendez, on se lève pour une interview de à gauche, s'il vous plaît. Ah, les gens, c'est une dinguerie. Les gens, c'est une dinguerie. On a été interviewé par un... Toby, t'as le même avis que Dan Toby ne fait pas de TikTok avec le début du live. C'est pas une blague. Bref. Oui, oui, oui. Euh, mais du coup, interview à gauche. Quand même, bah, ouais. vous vous rendez compte, les gens Merci les Mathieu. D'ailleurs, les seuls... Si vous voulez qu'on qu mate des extraits inédits, pas du tout, il n'y a pas d'extraits inédit. Ah, du ça coup, on, on a fait en a parlé. les gauchistes ce matin. là. Moi, je me ouais. suis réveillé, il y avait Raz qui était là. Non, mais je vous assure, avant, j'étais vraiment de gauche. Maintenant, je suis moi, mais je vous assure. Pendant 3h30, il s'est justifié. C'est <laughs> vrai que ça a été la discussion, Merci, il Waxley. était là. Euh, oui, vous avez jamais été d'extrême gauche. Je lui ai dit, mais nique ta mère, bien sûr, j'étais d'extrême gauche. Ça va, respecte-moi aussi. Après, ça moi, j'ai rien dit à ce moment-là, bizarrement. Ah oui, oui, oui. toi, tu jamais été d'extrême gauche, mais moi, si, c'est bon, ça va, j'ai la culture. Hein. On fait une interview avec un bon son. Alors attendez, les gens. Alors, oui, attends, 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 ouais, on va. Il on va a réussi. Le train de live d'abord. Et après, on va vous train de live. Les gens, on lui a on dit, vous... on a fait que lui dire, on l'a amené dans notre Discord pour qu'on profite du boost. Parce que là, écoutez, Raz parle. Oui, c'est euh, l'audio de Raz. Comment ça va Ah, j'ai parlé comme ça. C'est un si, audio de même. Discord. Mélenchon, il est vraiment révolutionnaire. Voilà. Donc là, là, la compression de Discord, on a la meilleure possible parce que notre serveur de Discord, il est boosted. Pour qu'on oui. ait un son exceptionnel oui. de qualité. D'ailleurs, merci à ceux qui boostent. Le son de euh, Raz est dégueulasse. Oh, tu forces, Kuro, tu forces. Non, mais vous forcez pas. J'ai tu forces. Mais on l'est passé et on s'est dit, on a tout mis. On a amené, à, on, on l'a amené, on a dit, viens dans notre Discord, le son sera encore meilleur. On voulait vraiment qu'il puisse profiter de la qualité maximale. Et je me suis même vanté que pour une fois, il n'y aurait pas de son de gauche. Et il ouais, a réussi fait, je à pas. faire un son de gauche. Attendez, attendez. C'est attendez, 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 de attendez, fou. Attendez, attendez, attendez. attendez. Je regardez l'extrait. Regardez, regardez les frérots de Snap. Salut, c'est Dani. Et Raz. Pour la... Mais comment c'est possible de. de... Qu'est-ce qu'il a fait D'accord, à gauche, est... avec pour une fois un son qui n'est pas de gauche. Il a réussi à gauchiser le son C'est un, un génie, ce gars. Enfin, c'est un, un génie ouais, hein. de fou. Ah, attends, c'est vite fait, ceci dit, en vrai de vrai... Je pense que je vais RT en disant, mais comment il... Non, après, je vais attendre que la vidéo, elle sort. Oui, 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 oui. En vrai de vrai, grave sympa à gauche, en vrai. Il est trop sympa. Moi, je m'attendais à un Québécois, tu vois. Ouais, qui était en mode, Dani et Raz sont-ils des putains de guerre Mais en fait, il est grave cool. En fait, il est grave cool. Dani et Raz sont-ils des putains de guerre Ouais, non, on s'attendait à ça de fou. Et en fait, il est grave cool, il est grave gueulerie et tout, genre un plaisir, quoi. C'était stylé. Il y a une voix normale, bah ouais. Ouais, il est ouais, grave. Ouais, euh, même, je pense, que vous serez surpris. On va pas en dire plus. On garde son identité secrète. Ouais, de fou, de fou. Mais je pense que vous seriez surpris, les gens, de qui est à gauche dans la vraie vie. c'est ouais. le bruit de League of Legends. Faut que je quitte ce site. <laughs> <laughs> c'est vraiment l'odeur. Mais, euh, ouais. mais en tout cas, non, et puis ça fait plaisir d'avoir fait une petite interview. On a pu revenir sur des trucs de gauchistes dont on n'a pas envie de reparler des heures en stream, donc c'est bien quoi. Ouais, bah en fait, c'est que lui, il est dans sa side où il a son public de marxistes révolutionnaires qui trouvent qu'on est juste des débiles immatures qui font des blagues. Du coup, il nous a posé des questions en mode euh, Vous êtes quand même un peu immature, vous n'êtes pas vraiment des révolutionnaires, allez niquer vos mères quoi. Mais du coup, c'est bien parce que c'est pas des angles dans lesquels on a forcément l'habitude ouais, de faire Ouais, de fou, de fou. De fou. Et voilà quoi. Euh, C'était rigolo. Voilà, J'ai bien ouais. aimé. Je me demande ce qu'il va garder. On a trop parlé, moi je trouve, comme d'hab. Oui, comme d'hab, on, on a, on est insupportable, bla bla, bla bla redire. Ah quoi. ouais, redire le même truc que l'autre. Ah ouais, vous nous connaissez moi, les gens. En fait, on a fait un stream déjà aujourd'hui. On a fait un stream de 3 heures. Ouais, c'est pour fait. ça là, on est énervé là. Là, on a envie d'insulter On est énervé de bon, En plus, attendez là, on est d'accord que Twitter là, c'est la, c'est l'été, il se passe rien. C'est la saison des, des 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 trades insupportables là. Oh le ah nombre de ouais, trades insupportables qu'il y a en ce moment, c'est une dinguerie Ah ouais Non Ah ouais Ah ouais, non ah ouais. Ah ouais. Genre, Tout ça pour moi, découvrir je que, que moi j'ai aucune part dans des SCI, ça m'énerve. Ah ah oh là là, <laughs> merci la DEX04 de bis. <laughs> ah, vous avez vu ça quand même, il y a un arc pipou de Twitter en mode... Euh, non, mais attendez, ça va parce qu'on est multipropriétaire qu'on est bourgeois. Oh bon, c'est bon là. <laughs> bon, vrai, Twitter, les résist, ça j'ai Twitter. Les mêmes gens est, qui tweetaient. Ça y est euh, Est-ce que y est. Transquad, c'est pas un peu de l'exotisme Ils arrivent ah à ouais, tweeter Oh non, mais vraiment. Ah bourgeois et multipropriétaire euh, Ça me sert à voir. Une maman multipropriétaire ah et un père qui a une émission. c'est vraiment pas vraiment la bourgeoisie, je vois pas ce qui se passe. Oh non, moi, c'est les gens. Moi, j'abandonne. C'est bon, ça y est, ça va. Tu sais, il y a un frérot de Snap, il m'a envoyé aussi l'autre fois, je sais plus qui, qui avait tweeté un bail en mode Ouais, les pépé foot, à chaque fois c'est des débiles, machin. Et le frérot de Snap, il a écrit ah, genre oui. Ah, après il y a un pépé foot, des fois ça peut être du mépris de classe aussi de trouver que c'est des débiles. Tu sais, en mode gentil en plus, ça a pas trop fait le gauchiste. Et le, oui, il, il, a, il a pas fait le forceur. MP en mode Regarde, est-ce que j'ai fait une erreur et tout Parce qu'il s'est fait démonter en mode Quoi Comment ça Mépris de classe mépris de foot, ça faire du mépris de classe J'étais en mode mais... C'est là, que je me dis, ah ouais, ces gens-là, ils comprennent rien à la Biscuit classe. sociale de fou, le frérot de Snap. Biscuit de fou. Ah ouais, 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 les pauvres. Hein. Mais bref, ouais. Pardon. Donc t'inquiète, je t'ai pas répondu, mais du coup, t'inquiète, ça a ce que t'as dit. Moi, je trouve que <laughs> t'as pas fait trop le gauchiste. Mais c'est une dinguerie, moi. À chaque fois, je suis... je suis devant ces trucs en mode, mais. Mais en fait, je pense que rien que l'esthétique du trait du Fred pour se plaindre que t'as des problèmes et que ça te met de la charge mentale, mais c'est rien que ça, en fait. C'est un révélateur de classe, en fait. C'est. Rien que ça. Je comprends pas pourquoi les gens s'arrêtent pas juste à ce détail-là. Je veux dire, il y a des gens là, ils sont en train de d'être de, dans des tafs de merde. Ils ont pas le temps d'écrire des frades. Ils parlent pas de leur charge mentale. C'est difficile quand même de devoir gérer. Euh, ça m'a stressé de savoir que mon père m'a dit que je me mettrais bien toute ma vie après. Non mais attendez, c'est une dinguerie. Genre, en fait, je me ah dis, ils, ça... quoi ils ont un miroir Non mais moi, tu sais que ils moi se... je me dis, ils là, ont... ils je se se me dis... non, en fait, je peux pas comprendre. Moi vraiment, ah ouais, genre, pas à quand je dis une phrase je comme ça, cherche, je te... euh... Moi, je... en fait, ça me fait presque euh, relativiser mon somme un peu. de ce que je suis en mode, ah ouais, en fait, c'est ce genre de phrase, je ne comprends pas comment elle peut être formulée, d'angoisser, de Au savoir que de tu milliers. vas hériter de centaines de milliers d'euros et que ça t'angoisse. Tu vois, c'est un truc, c'est... Après, un ça peut être angoissant d'avoir plein de milliers d'euros. mais c'est pour mais ça. Mais de devoir le ça. faire passer en mode, du coup, je suis pauvre. C'est ça qui me fascine c'est quand même que tu ça. dises en vrai c'est chaud j'avais pas forcément choisi tu vois je peux comprendre genre entendu j'ai entendu genre fou. des gens qui ont de l'argent à gauche qui disent ah c'est quand même chaud mes parents ceci et tout tu vois mais je trouve ça c'est ouais, un discours fou, rationnel qui s'entendent. ça ça me paraît en plus d'être irrationnel violent c'est ah, turbo ça. violent d'écrire ça. C'est une dinguerie. Quand tu as vraiment connu la précarité moi, et que tu lis ça, tu te dis, mais ces gens-là, ils sont. hyper violent. Ouais, hors sol, c'est C'est une dinguerie. Tu sais, c'est une, une, une folie. Mais en plus, ils s'en rendent pas compte, quoi. Et, ils... et tu sens. Et on l'a toujours dit à avec. En fait, moi, je trouve, il y a deux ans, là, quand on rageait sur les pipous, quand on disait, lisez la bio, regardez toujours ce qui manque. Ils ont tous les problèmes, sauf, bizarrement, la classe sociale. Regardez toujours ce qui manque. Quand on disait ça, on était des petits semards. Mais en fait, je me dis, on avait raison de ouf. On avait ah. raison. C'est. Très de s'en fout. On n'est pas là pour. En plus, les non, gens après ils s'en harcèlement dès que quelqu'un leur dit Bah ah oui. frérot, euh, c'est chaud quand même. Tu forces. Mais c'est au oh, calme, au oh, calme, au oh, calme. Donc on s'en branle. C'est juste, c'est un phénomène quoi. Surtout que j'en ai vu plein de dire Non mais attendez, c'est pas parce qu'on est multi Ma mère est multi-propriétaire. Moi aussi, c'est pas pour autant que je ne suis pas précaire. Non mais. Non mais là, c'est. Wesh Wesh <laughs> c'est une dinguerie genre c'est bon quoi vous avez d'autres problèmes là dites que vous êtes LGBT, asexuel enfin vos trucs à vegan, vos trucs habituels et laissez, laissez les, vso, les vrais trucs aux vrais gens s'il vous plaît non mais c'est fou ça c'est bon euh... ah, et puis aussi qui se fait sucer qui se fait défendre de... par rapport à d'autres, c'est ça aussi quoi quand je vois les accusations des fois qu'il y a en mode euh, oui Sam il a de l'argent je sais pas quoi tu vois et qui a zéro défense, et que là t'as tout le monde en cœur. C'est quand même un monde à part. Hein. Après voilà, c'est que Twitter, ça rien. Mais ah, ça met du, ça met du venin un peu. Hein. Moi je me dis putain, c'est vrai l'été. En fait j'oublie, je vois que l'été sur Twitter, vu qu'il y a pas d'actualité, les gens ils sont juste. C'est il y a des dramas bizarres quoi. Non De fou, de fou. Enfin bon, bon c'est rigolo. En tu ça bonjour. <laughs> après, après, voilà. Moi, je suis désolé, ça, moi, ça s'est marqué dans mon crâne à jamais. Genre, je me ça, dis, comment enfin, tu te gens, lèves, t'écris ça et tu te et tu, tu te dis ça va passer en fait. Et le pire, c'est que ça passe en fait. Je... Tout me choque. C'est qu'à la fois ça passe et qu'à la fois, genre, tu ne te penses, tu ne te dis pas, c'est 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 fou quand même. C'est vraiment c'est. Bah ouais. <laughs> après, voilà, bon. Ouais, après tranquille, euh, les gens ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ouais, tranquille, on s'en fout en hein, vrai. Oui, bah oui. Hein. C'est comme ça. Vous abusez, à plein de gens qui rattrapent du gens. Moi je suis d'accord avec toi, Bouli 15-15. Moi je trouve que par rapport à une époque ça passe moins. Je, ouais, moi je comprends vrai. aussi Dani qui trouve que c'est trop défendu, mais je trouve aussi que ça a changé. Oui, La vérité, vrai, je suis d'accord avec toi. Non, La vous vérité. avez raison, vous avez raison. À une époque ça, ça c est c est grâce à, à pas Danny de drama. A Pouf, Pas du tout. Si, <laughs> si, 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 bah si, c'est grâce <laughs> à nous. <laughs> Mais voilà quoi. Voilà voilà. Bon qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait d'autre sinon Ah mais t'as encore regardé la bande-annonce en entier là de. De quoi De à gauche. Ah oui Moi, bah je bah oui. Ouais. On raconte. Mais bref ouais. Wow. pardon Pardon. Rega regardez notre tête. Ça se voit. On est très à l'aise avec le parler. fait de dire bonjour devant une caméra. Dites-vous que c'est pour ça ah qu'on ne ouais. jamais. On fera plus jamais. Ça, dites-vous. Oui. C'est ça. C est c est ça. Une... Regardez, la Regardez tête ce moment-là. Bada... <laughs> là, les gens disaient que je bats bada... mort. Je suis à deux doigts de reprendre l'héroïne à ce moment-là. Regardez sa voix, Regardez le sa tête. d'un dealer de cam. J'ai une Stéry Box dans la poche qui est apparue. Regardez sa tête, c'est une dinguerie. Et dites-vous en plus, je vous, pour... vous jure que je bada... comme je savais que ça allait être trop dur pour lui, je lui ai dit T'as juste à dire, érase. Il était oui. là. Oui. Rien oui. que ça, ça m'a angoissé. Il était pas bien. On a explosé de rire. On a fait deux prises. Hein. Salut, c'est Nani et rase <laughs> et rase, bah, et rase. Bah, oh, ouais. ça me rappelle ah le podcast en sueur là. Ah, gros, oh, j'ai envie d'aller m'écouter un petit morceau d'en sueur ah, ouais, là. vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que ça existe encore Oui oui, je crois qu'il existe encore. C'est encore sur les plateformes Oh Ah, vas-y. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Ah, a... ah, ah, vas Avec la musique là. Ah là, là, là j envie de crever déjà. Mais juste le générique. Salut et bienvenue dans le podcast en sueur. Attends, pourquoi c'est en 1,5 <laughs> <laughs> c'est le coup tu vu Pourquoi tu tu sais qu'on n'entend pas. Ah, moi, j'entends pas. Salut et bienvenue dans le podcast En Sueur. Un podcast dans lequel on parle de masculinité. Alors, moi, je suis Danny Caligula. Je suis un streamer et youtubeur. Ouais, salut. Euh, moi, c'est Raz. Je fais de la musique. Yeah et... <laughs> euh, ouais, euh, salut. Euh, moi, c'est Raz. Euh, ouais. <laughs> oh la dinguerie. Attendez, attendez, attendez. Mais c'est trop beau. En fait, c'est toi. Moi, ça va. Toi, c'est vraiment une catastrophe, par contre. Alors moi je suis Danny Caligula là, je suis un streamer euh... et youtubeur. Ouais, salut, euh, moi c'est Ra, c'est de la musique, je coanime les streams avec Danny. Et moi c'est Cassandre, je suis chercheur. Ouais, j'ai de la musique, je coanime les streams avec Danny, je vais me suicider. Euh, pardon. Désolé. Apprenti chercheur en sciences politiques. On oh, en oh. tous les podcasts en live sur la chaîne. Ouais, c'est bon. Waouh Twitch Danny Caligula, si vous cherchez, vous trouvez facilement. Alors abonnez-vous au flux en sueur, c'est tous les jeudis sur votre plateforme. <laughs> Alors Cassandre, et il est lui, dans lui, le précis, toi. Après toi, Cassandre, ça va, c'est juste que. Waouh, putain, c'était une cata, c'est le. Quelle idée et, à de merde. et les gens, quand on était là, on va annuler cette merde, vous aviez tous fait, eux, vous forcez, eux, vous forcez. Mais le Cassandre, là, arrête, un hein. Cassandre, c'est nous oh, a... pas bien. Non non, 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 oh non, arrête! T'as Marie, arrête. là, vous étiez en mode. Eh, arrête, la oh, vérité, Cassandre, il a été d'accord, arrête! Il a <laughs> été d'accord avec nous en deux secondes, c'est un salaud de dire ça. mais oui, oui, oui. oui. En tout cas, Raz, très à l'aise avec ce genre oui, de. Salut, c'est Dani! Et Raz. <laughs> J'ai envie de. Ah, je vais... oh, mais go en faire un son sous le box ah non, Salut, ah c'est Dani! Et Raz! Salut, c'est Dani! Je ah, ah ouais, mettez ça en son soundbox, euh, Suzuka, tu le mets ça sur le serveur immédiatement, jouer Suzuka, c'est ta, ta mission. Pour la chaîne à gauche, avec, pour une fois, un son qui n'est pas de gauche. Bah si ça Mais vite, je passe pour un putain de con Tu passes pour un débile, tu passes pour un mal mental ah bah, Faudra mettre un com direct en disant mais c'est catastrophique en fait. Ça te va <laughs> de fou. Mais pourquoi il a corrigé notre son En fait, notre son est déjà. En fait, on aurait dû lui expliquer. Il, il a recompressé, la vérité. Il mais a oui. A mais pourquoi Faut lui expliquer qu'on a déjà des compresseurs sur notre. Mais je pense carte que non. Son. Je pense qu'il s'est fait un bus de compression pour les sons de merde et qu'il l'a mis euh, sur nous. Mais pourquoi il, que il a fait ça Mais pourquoi Du coup, non. ça rend la voix trop tight, un peu. Tu vois, elle est trop. Euh, elle est trop mise en avant. Quand vous êtes autant à l'aise devant, mais on est à l'aise parce que c'est un stream. Moi, tu me mets devant une caméra normale, je suis. Trop... Je ne peux pas en fait. Je suis terrorisé. Et moi encore à la limite j'ai un peu d'xp mais rase. Ah mais euh, moi, moi je suis en mode Doxa quoi. J'ai pas chasse. à l'aise mais ça va. Mais rase il est. Vous vous rendez pas compte vous, vous rendez pas compte à quel point ça me t... ça me met... en fait ça me met dans un état second. Le pire c'était euh... clic. Gros clic c'est ça ça m'a mis dans un état. Après la deuxième de clique, terreur. Ça Le deuxième clic ça non je parle du premier. Le premier ouais. clic ça m'a mis dans un état de terreur qui m'a mis dans un état second où je te jure que je me rappelle pas de l'émission. J'étais bah, en pilote automatique j'ai rien c'est pas pareil, es... en fait tu, tu sais pas que t'es enregistré Enfin je sais pas comment expliquer Je sais, je sais pas. en fait si, c'est ah bizarre ouais. ce qu'on dit mais Parce que là il y a des gens qui regardent Mais en fait c'est pas pareil Il tu, tu... y a du sang en fait vous êtes là, vous réagissez C'est à dire que si je fais une phrase et que d'un coup dans ma phrase Je me trompe de mot, que je bute sur un mot Bah vous réagissez Ça vous fait rire, machin, alors que là je bute sur un mot Je me sens comme une merde, j'arriverais pas à expliquer et puis en plus, il y a pour les autres le clic et tout, t'es même pas filmé, t'es pas chez toi, donc c'est encore pire et tout, etc. Mais surtout, c'est Uncanny d'arriver et de faire. Tu regardes déjà, tu regardes une caméra dans les. Euh, déjà ça, moi ça m'angoisse. C'est Uncanny et c'était en mode. Salut, salut. C'est Dani, c'est Raz. Et Raz. On est les de Dani Raz. Moi c'est Dani Raz. Moi c'est Raz. C'est pour ça qu'on a dit raze. salut, c'est Dani de Dani Raz. C'est pour ça qu'on faisait ça. C'est vrai. Ouais. C'est ce malaise là exprimé. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on dit après un peu Parce que j'ai pas lu, ce que, tu, ce que ce qui nous est reproché, c'est de caricaturer les positions révolutionnaires et de les enfermer dans la salle on va dire, bandeurs de lutte armée. Un peu, c'est ça le reproche. C'est que nous, on, on décrédibilise la révolution en disant Ah, vous êtes des bandeurs de la lutte armée. Moi, je déjà, première mort. chose. Attends, je suis en morceau, les bras, ce que t'as, Dani. Regardez-le. Regardez, -le. Regardez <rire> <rire> la tête de Dani. Il <rire> fait une <laughs> <pas> comme <laughs> Non mais si je suis à l'aise mais je pense que là c'est juste Raz il parle et j'autiste. Oui j'assume. J'assume euh, de trouver que beaucoup de discours révolutionnaires... Qu'est-ce que j'ai résume résume ah bon... Mais gros ça a été toi à gauche, t'es devenu... En fait le problème de Raz c'est que ça... Devient il m'a rendu militant. syndicaliste le fils. Il devient syndicaliste voilà. dès qu'on lui pose des questions. De gauche, mais gros faut pas en parler en le matin aussi, je venais de me lever Je venais de me lever J'ai pas compris, en plus t'es dit viens on fait des blagues, on troll un peu quand je faisais des blagues t'es dit ah non alors moi je suis vraiment la révolution C'est dingue d'être un fils de pute Comme ça, <laughs> c'est un truc de ouf Lutte armée un peu Et avoir cet horizon là, et je suis désolé euh, Juan Branco euh, en est une image euh, Qu'on est obligé d'analyser Tu vois ça reste par exemple Dans les, dans la, dans les paroles dans révolutionnaires la Qui sont accessibles aujourd'hui Je suis désolé de dire que Juan Branco Fait partie de ceux qui a le plus d'audience Donc de fait La pensée révolutionnaire ce fait malgré elle. Regarde moi là, je suis en mode ouais. <laughs> Fermé. Moi, j'écoutais pas à ce moment-là, donc je sais pas ce qu'il a dit. Mais Me mettez pas dans la sauce. Là dedans. Tu vois. Et surtout. Ça se voit que je suis pas bien. Ça se voit que là, je clique des yeux en mode Free Britney là. Euh, je. Ce que ce que je trouve aussi, c'est que en fait, moi, je trouve qu'il y a un paradoxe euh, dans la pensée révolutionnaire. Moi, je comprends ce que tu dis que euh, la lutte armée, c'est pas le début <laughs> là. Vraiment prétend. <laughs> Oh mais pourquoi Mais moi j'ai oublié que j'étais filmé, je crois. Enfin de la révolution. En fait, si ça se voit, parce que je suis droit en mode. Je suis filmé. En fait, j'ai le corps qui est gainé, mais j'ai tout relâché le cerveau en fait. Euh, moi, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que pour moi Mélenchon euh, euh, est dans une pensée révolutionnaire, tu vois. Ah, on va passer pour des Mélenchonistes, quoi. On a on a name drop Mélenchon 12 fois, 1, alors que ça y a aucune question. Oh, ça question va, j'assume, j'assume. Le vieux, c'est le seul révolutionnaire de ce pays bordel. Ouais, mais je le dis, grave, ça y est, coup. mon avis. Euh, mais en même temps, il euh, y a euh, une terreur de pensée ça. Ça veut dire que. C'est le quatre le plus mal synchronisé. C'est quoi ça non, nos entrevues. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait, et c'est grâce à vous qu'on continue. Salut. Je vous avez hâte. J'ai aucune idée de ce que j'ai raconté comme connerie. Oh j'ai ah, dit gros. que de la merde. Et en plus attends, attends parce que... Oh ah, j'ai dit que de la merde en fait dans situation... cette interview de merde. Qu'est-ce bah, que j'ai fait T'as fait, fait le bandeur de... de gros, t'as dit... Moi je suis un révolutionnaire là Moi j'ai en mode... Mais c'est pas ça s'appelle à gauche, ça m'a matrixé, je me suis fait gaslight. Mais oui oh, oh, non mais après gros c'est... Mais c'est parce qu'il a pas arrêté de nous dire qu'on n'était pas de gauche, ça m'a énervé. Voilà, je me suis fait... Moi j'étais heureux moi. Je les trouve insupportables. C'est une dinguerie. C'est quoi ce son de, 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 de golem <laughs> Dany alors brain braindead, les frérots de Snap. Waouh, <laughs> les coms là, les coms. C'est que tu vois que notre public c'est un problème. <laughs> c'est quoi ce bruit de con C'est vrai que tu vois que notre public est fou en fait. Oh, vous êtes des À un moment il a entourant. dit... Euh, vous êtes des débiles parce que vous voulez plaire à votre public d'adolescents. Allez, entre même à gauche. Allez allez, 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 allez. Bien fait pour vous. Hein. Allez, euh, il a dit ah, peut-être qu'un jour vous allez mûrir. C'est la question qu'il nous a posée. Est-ce que vous allez mûrir un jour Après, c'est pas pas toutes les questions aussi. Non, mais je dis non, mais ça tease là. J'ai pas dit ce qu'on dit. Ça tease, ça tease, Voilà, voilà. Il nous a dit. Est-ce que vous allez mûrir un jour Moi, je comprends pas pourquoi il dit ça. Quand tu écoutes nos streams récents. Ah Yacine. Yacine Bélis, ah Yacine, bah attends. Oh Yassine, attends. Bizarre, hein Bizarre la vie un peu. Bon, vas-y, les butins de guerre là. Euh, le vu de guerre ou c'est comment Le vu de guerre, il a dit y euh, Suzuka, t'as fait le son <laughs> arrête, 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 arrête. Suzuka, j'espère qu'il y a le son qui arrive là. Ah oui, il y est. Salut, c'est Dany Ah, tu vas faire le Eras. Hey, Salut, c'est Salut, c'est Daddy. Mais pour moi, ça aurait été mieux les deux dans le même son, je trouve. Salut, c'est Daddy. Parce que le Salut, c'est Danny tout seul, il est pas si drôle et le Eras, il va pas est être si drôle. Pour moi, il faut faire un son. Salut, c'est Danny! et Eras, ça qui est drôle. Salut, ouais. c'est Dani. Vas-y, profite bien parce qu'après, je vais bien profiter du Eras. Hein. Vas-y, profite. Hein. Salut, c'est Daddy. <laughs> c'est bon, allez, allez, allez. Non, moi j'essaie d'être sympa, d'être drôle, d'être un peu, voilà, d'ambiancer un peu. C'est podcast une politique du... de race 404. C'est une catastrophe. Ah je vais y réagir sur ma chaîne solo, je pense. Bah non, on va réagir sur cette chaîne-là, arrête, ouais, t'es un ouf. Faut que je me défende, tu ne Tu pas le regarder, tu seras en mode non. Si je vais, bah, je vais regarder, m'insulter, me En, bah, non, bref, en pas vrai, grave. on va réagir à ça et ça, on va se détruire, je pense. Oui ah oui on va se détruire. Ah, en plus des fois on se perdait, on venait de se lever, moi je perdais mes mots. Oui moi aussi, j'avais envie de dormir, j'avais envie oh de putain. fumer une clope, mais je sais pas, c'était ah horrible. Euh. Oh, vous allez aller voir ça, mais mettez des coms, soyez sympa par contre, parce qu'après ouais, par pensez que la, le, le truc d'à gauche c'est des vieux marxistes, un peu premier degré C'est pour vous élever vos voulu commentaires peu... de Gaulemont là. C'est pour ça que j'ai voulu être un peu premier degré aussi, c'est que je savais qu'il y avait un public un oui, peu Oui, mais gros, le, quoi. comme ça va être fou. Là, les Gaullements, les frères de <laughs> là. Frère, ça me fait mourir oh, <rire> est les on fait de rire. Oh, le problème. Je un peu meilleurs. Merci, Diazork. T'as pas fumé, par contre, il est à l'épicé. Ouais, j'ai fumé à ce moment-là. Une... Oh putain. Oh, la dinguerie. <laughs> Les journalistes du JDD n'ont plus d'autre choix que de faire du bruit, encore et toujours, pour éviter que leur mot. Oh, mais putain, regardez, il y a l'autre fils de pute qui est encore là Regardez, c'est une dinguerie Voltuant, il est partout, c'est une dinguerie de fou C'est le pire gars de tous les temps Il a fait une cagnotte pour demander de l'argent, lui aussi C'est une dinguerie Moi, j'en peux plus de ce gars, je le hais Mais je le hais, c'est un Salut, truc. Salut, c'est Dani Oh, il est. Oh. Salut c'est Daddy Eraz oh. oh. Salut c'est Daddy Eraz Je crois qu'il y a tout notre duo dedans gros moi qui suis un peu autiste débile Et toi qui es un peu méchant genre un peu en mode envie de mourir quoi Salut c'est Daddy Eraz Mais oui parle en bas de pute pardon En plus avec le son un peu de merde du coup Salut c'est Daddy Eraz Oui mais c'est des petits butins de guerre Salut c'est Daddy Eraz Oui mais c'est des petits butins de guerre Salut c'est Daddy Eraz Salut, c'est Dany et Raz. Je déteste les femmes. Bah alors Raz... Arrête, bah... arrête, 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 <laughs> arrête c'est pas moi là Ça va, on a vu, j'avais mes deux mains. J'avais mes deux mains, c'est pas moi. Bah Raz, bah dis donc, c'est quoi cet avis C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous avez vu On dit bonjour et tout de suite faut qu'il donne cet avis. C'est pas moi. Oh mais après, la gueule du ZDD. Civilisation hein. ne tombe dans l'oubli. Va-t-on mourir en silence devant les caméras <laughs> Regardez, elle sourit 28e jour de grève donc et aucune revendication qui n'a été entendue. Alors ce matin <laughs> oh, c'est dur. il ah. y a tous les députés qui leur shit la bite là. Les journalistes était... gros évidemment. Réunis près de l'Assemblée nationale pour rappeler la Twitchcon. Rappeler <laughs> l'importance de leur combat. Ils ne veulent pas de Geoffroy le jeune pour diriger leur rédaction, un journaliste d'extrême droite imposé par Vincent Bolloré. Elle n'empêche l'ambiance dans la rédac, elle va être... Euh... Bah. Après moi, il y a eu un avis qui a fait un peu scandale, c'est l'avis de Sofia Shikiru en disant, bon, c'était déjà des chiens de garde de toute façon. Ouh, Sophia. Oh, Sofia Shikiru c'est une dinguerie. Hein. Après, j'aime trop la vie. Ah, hein. Après, la vie, il est trop beau. Après, la vie, fort, il est hein interdit, mais il est, est, est magnifique. Fort, hein hein ah ouais, de fou. <laughs> Désolé, mais... Pourquoi ils partent pas tous sans scope Bah ils aiment bien l'argent de Bollory quand même je pense. Faut payer leur salaire. Hein. Vous avez vu ce que ça donne les journalistes sur Twitch Vous connaissez hein Chômeur ou... Bon. Quoi <laughs> voilà quoi, vous connaissez. <laughs> Ils sont quasi unanimes là-dessus et rappellent qu'il en va de la démocratie dans ce pays. On est quand même vendeur de, de l'information, qui est un, un, un enjeu démocratique, et c'est pour ça. Bah oui, vous servez à ça, quoi. Un milliardaire vous fait cracher ses opinions pour faire élire son candidat Effectivement. Alors ah attends, pardon, c'est pas comme ça qu'il faut le présenter. C'est complotiste que j'ai dit, excusez-moi. Des codex, peu, des codex, on est dans conspi. Pastille ou... rouge, pastille rouge. Pardon, désolé. ça qu'on demande à ce qu'il euh, qui ne soient pas les mêmes. Ça que... rapaille, où Ça rapaille, Ça rapaille non, Une entreprise, parce que entreprise entre... de presse n'est pas une entreprise comme les autres. Ce mercredi, une enquête a été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, de recel d'escroquerie en bande organisée et de détournement de données à caractère en personnel. En bande organisée, à... personne peut nous canaliser. Hein ah ouais La plainte de la famille de Naël accuse l'ex-membre de Reconquête à l'initiative de la Cagnotte d'avoir publiquement et mensongèrement présenté Naël comme un multi-récidiviste, tout en mentant, en présentant le policier comme un héros du Bataclan. Nicolas Bedeau... Oh, wow, ce gars oh. c'est dinguerie, genre vraiment... Bon après, bref, lui, il se fait trop de pubs sur cette histoire, -ce moi j'ai même il plus a... envie de parler oh, de cette enfin, cagnotte, oui, en fait. Oui, je suis d'accord, ouais, mais parce après, ça lui, fait plaisir qu'ils qu soient oui, un bah peu dans oui, la déjouissièrement, oui, ça se baiser. Mais après, bah, bah, regardez, je suis dans la dé. faites une cagnotte oh, C'est ma sixième cagnotte, j'en ai fait oui, deux sur le tueur de Naël Je pas encore de CSI Ah non, non, Oh, sur les chats et franchement ça va, mieux une être sur les chats que sur les... Ah, en vrai les gens. Excusez-moi. Je mélange tout ce qui m'énerve en fait. Au moment, Cette ça fois va. il change de <laughs> frigo on sait pas. <laughs> Chut. 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 En plus c'est la vie fait ça que Quand l'arabe est devant le frigo il se rappelle ce que la civilisation... Morts, ah oui bon c'est oui, confond les, morts, on les racistes pardon excuse-moi. D'une enquête pour viol et agression sexuelle, trois nouvelles plaintes ont été déposées contre le réalisateur. Le parquet de Paris a donc confirmé une information révélée par Mediapart. Je me demande, si... Ah. Il y a l'homme pâle aussi, là, aujourd'hui, j'ai vu. Ouais. Dans le climat actuel. Après, l'homme pâle, c'est dans ses paroles, donc je suis en mode. Bah ouais. L'homme pâle, toute cette chanson, c'est Je suis toxique avec les meufs. De fou. Je les traite mal. Voilà, c'est. Moi, ce beau. que je trouve deep, c'est qu'il y a pas mal de gens en mode... Il y a des gens en mode... L'homme pâle Comment c'est possible Je quitte la vie Oh là là Comment je peux supporter, s'il vous plaît, tout le monde, mais pas l'homme pâle je suis en bon. Mais oui, non, mais surtout là, c'était dit dans, le, dans les textes. <laughs> c'est ça, en oui, fait. Je suis en mode, euh, bah. Genre, Puis en euh... plus, c'était déjà sorti. Hein. Moi, c'est ça aussi qui m'étonne, c'est que les, les trucs elles, Pour elles moi, arrivent. à la limite, en plus, t'écoutes l'homme pâle en mode, bah oui, euh, la vie, euh, on est toxique, quoi, à la limite. c'est genre, la défense limite du truc, c'est ça, quoi. Je sais pas. Et eh ben, ouais. par contre, j'ai trouvé deux avis précis euh, qui sont totalement contraires, mais que je trouve alors que les deux sont un peu contraires. Le premier avis précis, c'est quelqu'un qui a dit euh, ah bah tiens c'est marrant pour une fois que c'est un artiste pour meuf, elles ont pas le même discours, il a mis plein de screens vu que c'est pas un footballeur, elles ont pas le même discours, il a mis plein de screens de meufs sur TikTok en mode tant qu'il y a pas de preuves, je ne me prononce pas donc ça m'a fait rire et un autre avis qui dit au contraire ouais vu que vous l'écoutez pas vous en battez les couilles contrairement à vos rappeurs d'habitude en fait je trouve mmh, ces deux avis basés un mmh, peu contraires et basés <laughs> les rire. deux sont un peu vrais bah... c'est ça qui est dit <laughs> Comme quoi, on met toujours on met dans la sauce euh, qui, qui ça nous arrange aussi. Un peu cette vérité dans les sauces à chaque fois. Hein. C'est ça l'horreur ah ouais. de ces trucs-là aussi. Hein. Il y aura encore beaucoup de personnalités artistiques ou médiatiques qui échapperont à des soupçons. Euh, moi, je suis tout de même frappé euh, par le fait que, dès, dans un passé très éloigné, par une sorte de contagion, tout à coup, des jeunes femmes découvrent qu'elles ont été victimes. Tout à coup! Moi, tout ouais. à coup, est-ce que tu as découvert que tu avais une calvitie, mon ref ou pas Parce que... Ah ouais, euh... avec une voix de, 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 de golemon. Hein. Ah. Tout à coup. Et lui, c'est Daron, c'était des Turbo collabos. Quand Turbo collaborait avec les nazis. Et ah, tout. lui, là Ouais. C'est lui, les gens. On est d'accord, c'est lui le fils de collabo. On est d'accord, hein Oui, MDR, oui, c'est bien lui, c'est ça. Tout à coup, des jeunes femmes découvrent qu'elles ont été victimes. Euh... Les toilettes. Euh... Déjà Les oh, oh non. Oh non. Pas Pauvre, tu n'as tu as, tu pas voulu louer ton appart à des noirs et des arabes. <laughs> que tu Attends, j'ai pas la pas la sale. Mais non, mais tu sais, genre on l'avait dit l'autre fois. En... Ah, il faut... Moi, je préfère louer à des, à des blancs parce qu'ils sont plus propres. Tu sais. Et on avait dit, ah, mais après, tu peux finir avec un joueur de LoL qui va te laisser un appart dans Ah, Feta. ok, et ça, c'est l'appart du joueur de LoL. Bah. Ok, d'accord. Je croyais que tu disais que c'était ce que ça donnait quand tu louais à des Noirs et des Arts. Quoi Bah oui, moi, j'avais compris ça aussi. Je croyais que Dany, tu disais, ah, bah regardez, quand oh, on, on est dans avant. un appartement. Bah, après, gros, on a demandé à l'État de bien, faire en fait. le best-of à ce ah. moment-là et il a dit, attendez, tu vas passer Diamant 2. Ah ouais. Bah ouais. Ça, c'est une <laughs> dinguerie, l'État. Il veut plus travailler. Je préfère défendre les pipous euh, sur Twitter. C'est une dinguerie. Hein. C'est leur plus grand avocat. Hein. C'est une dinguerie à chaque fois. Dites-vous que l'État, il tient l'argument les gens que les pipous, c'est globalement des prolétaires. Hein. Oh. Genre, euh, genre, dites-vous les gens dans sa tête, être pipou, c'est un truc d'enfant d'ouvrier. Oui. Genre, c'est en mode regarder les frérots de ça. Snap. Ils ont la, ils ont l'esthétique le, du, du frère de Twitter. C'est ça. Le mec est malade mental. Oh, regarde le chat. C'est une C'est cool, quoi, pipou Si vous ne savez pas, si vous n'en êtes pas, vous inquiétez pas. Eh, hey, si vous savez pas, vous vivez Tant mieux, du... je vous jure, vous. Je vous jure, vous, vous jure, c'est trop bien. Ouais, 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 vraiment. Je vous jure, c'est trop bien. Les toilettes. Déjà, les vous femmes ont peur d'aller aux toilettes euh, faire caca euh, dans, les, dans leur relation amoureuse. Ouais, bien sûr. Euh... Attends, quoi Ah, mais ils invitent d'or. Parce que tu elle, elle a fait des livres ah, oui, pour ça, dire je que... pète. <laughs> Et dire moi, je pète, hein et moi je pète et je fais caca hein Et genre du coup elle est invitée pour ça à la télé encore. C'est oh pas très wow. féministe de péter pourtant non. Ah ouais. C'est un peu hoministe, moi je trouve de péter. Ouais je suis d'accord. C'est un peu maliste. Je suis fou. Fou. Non mais attends, par contre je veux entendre la vie complète par Alors contre. Qu Peut-être euh... peut qu'elle va avoir la vie basé, on sait pas. Ouais, de se, on, on se connaît ses avis d'habitude mais là peut-être dans le père va avoir un avis euh, à la hauteur tu vois on sait pas et ça mon peur d'aller aux toilettes euh, faire euh, caca euh, dans les, dans leur relation amoureuse oui bien sûr euh, alors quand on a des ça c'est vrai un conseil du coup suivez les quand elles font ça moi je fais ça après et ça fait, les détend. ah oui et ça après ah, ça les détend. ah non <laughs> genre, faut ah faire ça. tu fais caca ah, ça marche de ouf ah c'est ah mais ah, tu fais tes besoins, non, bah voilà. Tu rentres Là, vous détendez tu la fait, personne. Bah alors, et après, ça bah chie. Au bout d'un mo moment, en fait, ça retient tellement que ça finit par chier. Et tu fais bah voilà, on détend. Bah voilà, hein. et, après, et, après, et après, elle est heureuse. <laughs> c'est les conseils. Et après, tu, tu fumes le clope en disant alors, heureuse. Alors, on est bien. Heureuse. En fait, moi, c'est comme dans les sims, -T, un certain niveau de relation, tu peux pas les mettre les deux dans la salle de bain. Tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, d'ailleurs, je faisais baiser mes Sims ensemble pour qu'ils puissent aller dans, la, dans les mêmes chiottes pour qu'on fasse une oh. salle de bain au début ah, mais pour Opti. Opti, en fait, t'économisais de l'argent de fou. Bah, et et au final, gros, est-ce que c'est pas ça, genre, quand t'es deux colocs dans une petite baisse tu te mets en couple pour Opti <laughs> C'est parfois, ça arrive, ces choses-là. Là, tu lances régulièrement. C'est très compliqué, euh, oui. Des centimètres en moins, marie C'est une liberté retrouvée. Et puis il y a bien un vêtements retrouvé. Ben voilà! Ah. Ah, on va, on va s'apercevoir qu'un ouais. jour dans sa vie, on a fait du 38 ou même ou même ne serait-ce que du 40. Ouais. Parce que c'est sympa de se sentir Je une fille. Ne que que du 40. J'ai fait le goujat. Je l'ai trompé à nombreuses reprises. Mais non. Et si. Ah, désolé, j'aide pas les goujats. Allez, au revoir, Boran. menons c'est une blague. Non. <laughs> Bonjour, madame. Pour la. J'ai rien compris. Pourquoi il y avait une voix? Je trouve il a une vibe euh, boumed un peu précise, mais euh, yeux bleus bizarres. Boumed fit Prime. Oui, ah oh, ouais. Ah <laughs> oh, ça un mélange de boumed et de Prime, c'est une dinguerie. Mais non c'est une blague. Non. <laughs> Bonjour Madame pour la carte de trésor... Est-ce oui. que vous pouvez m'amener au sabot de C'est euh... pour gagner, s'il vous plaît, s'il vous plaît Je vais chercher ma fille au collège, mais. Euh... S'il vous plaît, elle attendra, c'est important, s'il vous plaît <laughs> S'il vous plaît le sabot. Oui, le sabot, s'il vous plaît Allez, Oui, le sabot, s'il vous, vous plaît Oh ah Mais Toi. moi, tu m'arrêtes avec ça, genre vraiment, genre je te dis oui, et j'attends qu'elle ouvre la portière et je démarre. Moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, je suis pas un homme selon merde. Stéphane Edouard. Merde, moi aussi. Bah, si j'avais une voiture, je dirais oui, j'attendrai qu'elle commence à ouvrir la portière et je démarre. L'équilibriste voilà. Voilà qui a traversé tout en donnant tout, à la fois grave et nonchalante, vulnérable et redoutable, tragique et comique. Toi, à fleur de peau, la fleur au fusil, tu as brisé les frontières, la drôle, la dangereuse, la muse, l'aventurière, l'engagée. Toi qui s'amuse, toi qui se meurt et toi qui renaît toujours. Ta voix, ah mais je ton connais C'est On lit des textes de rap. Ah, je crois que c'est ça, ouais. On est d'accord, c'est l'émission combinée. Ouais, ouais. C'est un texte de naps là. Ta franchise déconcertante, tes baskets et ton sourire, toi, femme ah. enfant fatale, toi, mi clochard céleste, mi royal. J'aimerais te remercier de nous avoir traversés et permis de croire qu'on peut être toutes ces choses à la fois. Bah, c'est une, ta... s'il y avait tous les buzzwords de la bourgeoisie dans l'hommage. Ni tragique ni comique, mi clochard céleste mais quel rapport mais en fait enfin bout d'un moment après tu sais pas, est pas quoi gros, dire... gros, je crois on est d'accord c'est sa fille merde on est d'accord c'est sa fille' lu qui a le texte bah c'est un peu mignon la vérité les gens moi je, moi, je comprends l'émotion de la daronne et de la fille qui fait un hommage un peu poétique et tout en vrai c'est un peu attendrissant on bah, force à elle ah, ça... mais ça arrive écoutez C'était un peu mignon quand même. Mais non, je suis pas insensible. Je savais pas. Chaleur ras. Oh ça va les frérots de Snap là. Vous avez pas d'émotion vous. Elle est encore vivante Dani. Elle est morte Dani. Non mais attends, il faut vous décider par attends, contre. Attends, elle chat, est morte là. ou elle est vivante Qui est morte déjà la fille ou la mère Non la mère. Les deux La mère est morte. La mère. Oh ça va. Elle est vieille. Pardon. Désolé. Pardon. Désolé. Mais bref ouais. Vous en avez parlé au live précédent Ah, oh, je vous oublié, moi. Pouf. Bah oui Ah oui, bah oui, bien sûr On l'a même a défendu on a on Ah, a mais en fait, c'est la femme de Gainsbourg, c'est pour ça Ah, putain, là. justement, on a dit l'inverse Oh, là vraiment, regardez-le, c'est horrible, il est vraiment dans cet état d'esprit. Attendez, je vous remets l'état d'esprit. Attendez, j'ai des sons pour ça, maintenant. Salut, c'est Daddy et Raz. Je déteste les femmes. Tout ce qu'il fait à chaque fois, c'est avec de la haine, quoi. Ferme ah. les... ta putain de gueule, espèce de débile wow, 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 j'ai la, la box, Arrête, 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 j'ai la Soundbox Arrête, arrête, arrête. C'est une dinguerie le son de la Soundbox là, par contre. J'avais oublié que je l'avais mis à fond hier, parce que. Euh, avec Suzuka, on se des sons comme tous les jours. Ça va être terrible pour Tadei Pogachar. Terrible, le tour de France est joué, sans doute. I'm dead. Attends, on dirait, on dirait Star Fox, c'est là. On dirait Star Fox sur NES. Tu as le petit lapin de merde là qui vient avec ce qui vient de faire. On dirait ça non Quoi Attends, je vois... Je en fait ça me termine. Putain. Il y a ceux qui ont la ref, et il y a toi qui l'a pas du tout. Qu'est-ce qu'il a rire. dit eh, qui... Attendez, Fox il y a une bataille dans le SNES. chat. Qui a la rêve d'où Barrel Roll Attends, 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 attends. attends. Moi je suis obligé de faire un, 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 un sondage. D'où Barrel Roll Barrel Roll Qu'est-ce que ça veut dire Quoi il parle J'ai pas la ref. Oh, ouais, je veux voir, je veux voir. Ou l'odeur. Je veux voir, je veux voir les gens, je veux voir les gens. Je vais voir si on est en blessant ou si c'est rase la merde. Ah, votez non, je vous en supplie, votez non. Je veux voir si c'est rase, oh, rase la merde. Oh, c'est rase la merde. Oh, c'est rase la grosse merde, il a pas cette rêve. Oh là 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 C'est corki dans lol, la ça Oh, je suis trop heureux. Magnifique, hein. on est en bleu sang, vous au moins. Attends, vous êtes vraiment fier d'avoir une rêve de... Mais bien sûr mais gros c'est une culture là. que tout le monde a ça Ah mais ça va ça va Attends je te la montre On va postuler à tu es sûr tu l'as des couilles, je suis Je suis sûr, que je suis suis sûr que tu l'as, bon. juste tu t'en souviens pas. Dans le jeu là, voilà. Do a barrel roll Do a barrel, de, 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 de Do a barrel roll. Voilà. Tu vois, t'as les petits messages comme ça, et il dit ça, et c'est devenu un mème. Et regarde là, c'est un peu le esprit. Pas <laughs> Mais pas vraiment déjà. Mais si Oh putain Attendez, on est d'accord que le jeu c'est est capable ça... de sortir attends, un attends. dessinateur moldave de 1800, mais il connaît pas le barrel roll. Réel. Attends, attends, attends. Déjà, respecter Réel, les, les moldaves, dinguerie. je vois pas pourquoi c'est une dinguerie de dire ça comme ça. C'est une dinguerie d'être raciste des moldaves comme ça, déjà. Et de deux, on est d'accord que ce Moi, Tu jeu... dis bien tu t'es raciste des mongols alors truc de, 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 de Golon Mais euh... <laughs> du coup, on est d'accord que ce jeu c'est un même parce que c'est un jeu de merde. Bah non, c'est incroyable, Star Fox, gros. Quoi? Bah, bien sûr, c'était un jeu 3D avant l'heure. C'est dégueulasse. Là bah, sans ça, t'aurais pas bah Call of. Attends, off. vous jouiez à sans ça. Sans le jeu, t'aurais pas Call of. Vous jouiez à ça. C'est le matérialisme historique. N'importe quoi, ferme ta gueule. ferme ta gueule. D'accord, donc dans ce les cas, gens, comme le fils de pute qui a joué aux cartes un jour, on n'aurait pas les jeux vidéo. Bah et c'est bah oui, le fils bah de, de pute qui a baisé historique. sa taronne bah... dans une grotte, où on n'aurait pas existé. C'est ça ta bah oui, réflexion bah de merde Oui, exactement ma réflexion. Exactement. Donc je suis obligé de trouver l'inceste. Oh, t'as fait. T'étais à gauche alors, oui, bah alors moi j'ai vraiment été un anarcho, bon bombaouiste, machin. Et là, tu veux plus le matérialisme. Allez, c'est bon, on a compris. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Un canapé. Dose le mensonge d'Annie Et d'abord en plus c'est grâce à Je, je le sais c'est grâce à Doom Pourquoi tu mens c'est grâce à ce jeu de merde C'est grâce à Doom C'est grâce à, 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 à pas un japonais insupportable Déjà bah, là, Il fait quoi, quoi de... le frérot là Sale merde Frérot de Snap qu'est-ce qu'il a wow wow, Ça c'est du frérot de Snap ça hein Du frérot de Tanzanie gros regarde là ah, Un canapé c'est le Oh, le frérot de snap de fou, ça! Oh lui, l'en légende! Oh lui, ah, légende! Un canard réfractaire, il voit ça, il fait canapé de bourgeois! Hein, non, non mais non, au contraire, vu qu'il y a un frérot de snap devant, il dit Ah, ça ah, oui, incroyable. oui, non, il de Regardez. snap! Regardez, ce n'est pas comme le canapé qu'on a vu dans une vitrine à Paris. Regardez, lui, ça se voit que c'est un révolutionnaire. Il me reconnecte au monde, que il me reconnecte à l'amour, il me reconnecte à la vie. Six policiers de la BAC de Marseille toujours en garde à vue. Ils sont soupçonnés de violences volontaires sur un jeune homme dans la nuit du 1er au 2 juillet en marge des émeutes. Ce jeune homme affirme avoir reçu un tir de flashball avant d'être tabassé et laissé pour mort en pleine rue. Ah. C'est une procédure toute simple qui a changé les rapports entre la police et les habitants de Fuenlabrada. Dans cette zone industrielle, il y a beaucoup de vols. Dans cette ville de la banlieue de Madrid... Ils ont été applaudis en sortant. Moi, ouais, j'ai vu, gros. Tu vois vraiment des astérions, désolé, ils s'habillent pareil. Tu vraiment une armée de astérions qui est en train de faire « Bravo, vous êtes partis, bravo !» C'est une dinguerie, gros, les flics. Le contrôle d'identité doit être justifié. Les policiers remplissent et remettent ensuite un récépissé. Ce dispositif a permis de diviser par deux le nombre de contrôles d'identité. Ça lui permet de savoir... Asterion qui a baisé Melchior d'ailleurs. Oui, incroyable. En vrai, j'ai un peu envie d'en parler, mais la vidéo, elle est subonnie, je crois. Du coup, ça a un peu casse-couille. Mais c'est incroyable. Très, très fort. Chat Sterion hier. Pour moi, Sterion, il est arrivé. Il a stream-hack le, le stream de Melchior. Et il a déroulé son génie d'entertainer. Trop fort. Et il y a un moment lunaire à la fin où ils discutent, tolérance et furie. Et pendant 30 minutes, ils ont hacké sa chaîne pour dire Ouais, les furies, machin. En vrai, il y en a des biens. Vous aimez trop juger ça. Et puis, vous êtes dans des communautés manga cosplay. Il y a aussi des gens ultra craignos. Donc, balayez devant votre porte. Oh, J'étais trop heureux. J'étais en mode C'est magnifique. Daniel est devenu fan des furies. Hein. C'est incroyable. Moi, la vérité, les Furies et les mangas cosplay, leur cringe de fou. Moi, désolé. oui, mais ça, il a dit. Attends, lui, il a dit oui, mais vous aimez trop taper sur les Furies. Non, c'est juste que j'ai trop trouvé Testarion. T'avais raison. De toute façon, gros, attends, je vais te montrer. J'ai une nouvelle compo sur TFT. Attends, je vais te montrer ma nouvelle compo sur TFT. J'ai une compo là, TFT en légende. T'es pas prêt? Regarde. Personne ne va comprendre la blague. Si, si, c'est ma compo euh, Galio Pikmi. C'est qui Galio <laughs> C'est Astérion, évidemment. Évidemment, c'est Galio IRL, Astérion. Pourquoi Justifie En vrai, les rame. gens, regardez. Pour ceux qui connaissent pas entre eux, ça, une vraie compo officielle et celle-là, C'est <laughs> vraiment le Victor au milieu des lolis. <laughs> et puis, on a gardé un petit, un petit Belchior sur le board. On sait jamais tu vois. Non mais gros, je suis désolé, on dirait une game de TFT là, j'y vais. Remets la compo, remets la compo Regarde la compo gros, c'est... Tu vois la Vraiment Gros, c'est ce screen C'est vrai Tu sais j'ai voulu le tweeter hier, mais je me suis dit Ah personne à la rêve. J'ai vraiment voulu le tweeter, je crois que je l'ai encore dans mes tweets. La meuf à gauche a bouffé un bol de céréales au sperme. Merde, on voit mes autres tweets bruit Ah ça va, il y en a qu'un. Attends, c'est quoi mon tweet bruit

à <laughs> vous le tweet, il est exceptionnel. Personne ne a sauf que il marche pas parce qu'il bah y a oui. pas Galio. Faut dire Victor. Non mais oui, mais c'est pour ça, c'est parce que ça marche pas de mettre Galio. Mais oui, je ça sais. Te rire, toi, mais personne comprend. Bah oui, je sais. Non mais c'est Vas-y, tweet le en mettant Victor e-girl Tu penses Mets la comp, juste la compo girl en légende. La comp Victor. Le board, mets le board e-girl <laughs> en légende. Ah non, c'est la comp. Le board, oui. Oui. Petit pain. <laughs> bah après, c'est pas Victor, mais oui, mais là, dans le même, ça marche, d'accord. Mais tu vois, ça me déçoit parce que pour moi, c'est Galio. <laughs> non, c'est avec un cas par contre. Hein. Du coup, j'ai pas envie de. C'est bah avec moi, un cas, y C, il y a un C, j'ai vérifié sur l'image. Peut-être qu'ils sont trompés. Moi, j'ai mis un cas à la base. Mais c'est pour ça, bref, je peux pas le tweeter. Car pour moi, il faut tweeter des tweets sincères. C'est un cas, Et j'ai envie, envie, envie de tweeter Galio. Moi, j'ai envie de tweeter Galio. Ouais la suite alors on s'en branle c'est devenu chiant c est, c est, c est on chiant est d'accord c'est c'est un cas oh, regarde l'odeur oh, du chat hein. oh, C'est un cas, Victor c'est un oui, cas bah oui, ce que je t'ai dit oui mais oui mais c'est ce que t'avais mis à la base <rire> <rire> ça y est toi aussi as oui, la toi voix aussi que mis, elle est bien moi aussi je vais faire comme toi <laughs> euh, trop bien c'est bon je suis vois. convaincu ouais. maintenant de <laughs> ça fait mais c'est l'étard c'est la première fois que je l'utilise contre l'étard tout à l'heure donc ça y est oui, oui. J'ai été convaincu par l'utilité. vient de l hein. Ça, ça vient de l'état, hein Ah ouais Ouais, oh, c'est qui Merci sera. les anti-impérialistes. C'est 6K, je crois. Non, mais je tweet pas ça, les gens, on est d'accord. Oui, je tweet comprend, pas ça, ouais. allez, vas-y, vas-y. Je suis allez, dégoûté, c'est un très bon tweet dans mes brouillons. Je le retrouverai. En fait, faut que je le garde dans le brouillon. Ça, Je le retrouverai un jour. Discriminatoire, si un autre policier veut le contrôler, il a juste à montrer ce récépissé pour ne pas être contrôlé à nouveau. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a. Quand un flic contrôle un arabe, il lui offre un petit papier, attends, j'ai pas écouté du coup. Si un autre bail. policier veut le contrôler, il a juste à montrer ce récépissé pour ne pas être contrôlé à nouveau. Ah. Après, je sais pas, ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse désespère, elle est profondément il fait le malin, il va bientôt te crever plus plus comme une merde dans un hélicoptère, là. La politique française. faire le malin à la télé. Hein. Ah, mais en même temps, regarde-lui, il est, il est en toi. mode, je vais te finir dans un hélicoptère. Bah, voilà, c'est Profondément profond Dés... désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui. Elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et ça, il faut que les, les, les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution. Toujours aussi basé. Hein. Oui. C'était vraiment l'extrait de à gauche avant à gauche, quoi. <laughs> tu vois Il y aurait eu la chaîne à gauche à l'époque, il y aurait eu cet extrait sur la chaîne. Il y aurait des tout en basé, basé Daniel Balavoine, et quelqu'un aurait dit euh, Ce gars, vous êtes sûr, il n'y a pas des bails sur lui Parce que <laughs> je trouve un peu ça. Ça aurait été ça, les codes tweets. Les voilà. juger les lois Quelque ça part. Euh... Pas peur. Ouais. À Fuenlabrada, labrada 16% des habitants sont issus de l'immigration. Pour éviter les conflits, la police a créé il y a 15 ans une unité de gestion de la diversité pour mieux connaître la réalité de sa population, quelle que soit l'origine, les revenus ou l'orientation sexuelle. La police doit changer de paradigme pour diminuer le recours à la force dans ses rapports aux citoyens et notamment bah les jeunes. C'est la police de Mélenchon ou quoi là quoi ça bah, Non mais moi vous, vous, ça vous fait un peu de rigueur, police BLM LGBT. <laughs> <laughs> non mais après, bah, c'est un peu genre, ah, Non, non mais attends, attends. Après, je sais pas comment ça s'applique. Le truc, c'est que ça se trouve, c'est les pires ouais, gars. c'est il tête genre, de la propagande, on sait pas moi, de, je de la propagande, méfiant. et en fait, ils s'en branlent. <laughs> Unité de gestion coloniale. Oh, bâtard. Ouah. Après, le, le com vient d'un pseudo, les anti impérialistes Ah oui, tu bon. On a compris, on a compris, on a compris. Non, mais après, en fait, le truc, c'est que ça peut être de fou du washing, quoi. Vous savez, y euh... qu il n'y a pas que nazis sur Terre Ah bon Ah bon Ah bon Deux. Deux. De... De... <laughs> si nous changeons cette façon de travailler, on va réussir à désamorcer en partie une crise sociale latente. À vous, les Français Merci de m'avoir adopté. Merci moi, de m'avoir choisi. De m'avoir écouté. De m'avoir suivi. Depuis mon arrivée ici il y a sûr 50 il faut ans. Juste l'écouter, vu comment chuchote que c'était mousse. c'est une dinguerie. Hein. Mais respecte la pourquoi moi je me fais euh, bolos Oh forcelle. ce soir. Elle est vivante en fait. non, putain elle Bah elle est vivante du coup. <laughs> elle est vivante en vidéo toi aussi, plus tard, tu seras vivant en vidéo sur à gauche, éternellement. Ah oh non, putain. Fiche. Éternellement, Raz, dis-toi que même à ta mort, comme oh, ça a été capturé et enregistré. Salut, c'est Daddy et Raz. Merci beaucoup. Après, vous, vous moquez de mon force aux morts, mais moi, je trouve ça beau. J'y ai réfléchi, et en fait, je trouve ça beau. <laughs> bah, c'est vrai, on leur, on leur souhaite jamais de la force aux morts. Pourquoi je trouve que vous êtes un peu des bâtards, vous êtes là que de la force aux frérots de Snap. Ouais, vous voulez, vous avez que les frérots de Snap. Ouais, donc vous avez vu ça, il a dit, ah l'extrême droite dans le pays. <laughs> voilà. Du coup, Cassandre va pouvoir stade à nouveau. Ouais. Rappel c'était le prof de Cassandre, hein, dire rien pour les gens qui ne savaient pas. Et il l'adorait. C'était un de ses meilleurs profs il a dit. Voilà. Ouais. après maintenant il y a Gabriel Attal, du coup, il va y avoir les gays de Twitter. Oh, bah... Est-ce que Cassandre va dire, bah. Ah, t'as vu ça? Ça, c'est une dinguerie, ça. L'argent ne réglera pas tout, nous le savons. Il faut surtout s'interroger sur la haine. Qui anime ces casseurs et ces voleurs. La haine de notre pays. Oui, je dis bien notre pays, tant ils ne le vivent pas comme le leur. Ils sont français, mais seulement de papier. Et beaucoup parmi vous continuent à nier le lien entre ces émeutes et une immigration de masse non choisie, non contrôlée. Continuez comme ça et nous nous retrouverons ici pour déplorer Merci. encore plus de dégâts et qui sait cette fois pas un mort, mais des morts. Merci. Merci. Wow. Il pourrait pas dire euh, merci voilà, sal raciste. raciste ça serait ça pourrait lui dire ah, la députée voilà, là. la racisme elle c'est quoi c'est une meuf effeine euh, bah, Ménard 34 héros ça je pense c'est le FN Ah c'est ouais. la femme de Ménard Bah je pense hein. Ah ok c'est la meuf de Ménard ouais, ah, bah d'accord bah, oui. tout s'explique du coup ok oui ok d'accord ok on avait dit qu'il fallait pas résumer une femme à son mari, il rase. <laughs> Alors que là, même la les vie, racistes. La volonté et le courage politique payent. Avec une photo de Ménard. T'as vu ça en fait, gros T'as pas envie qu'on qu donne à Backseat On pourrait Attends. gagner la Backseat Box. C'est usuel à droite. Non, un... oui, oui. Il un t-shirt Los Republicanos dédicacé par Adèle. Ça, je pense que toi, tu serais trop heureux de voir. Ah ouais, ça, c'est mon rêve de fou. Un règlement de l'Assemblée nationale dédicacé par Jean. Ça, c'est pour Cassandre. Et la figurine d'Usul pour moi, bien sûr. Mais d'où Usul Il a une paire de Jordan J'ai pris la meilleure truc. C'est pas une paire de Jordan, gros. C'est une sorte de chaussure de merde éclatée. Ah non, t'as raison, oui. Après, j'aime bien la statue. Elle a un côté The Boys un peu. On dirait Usul bah, il va aller dans The Boys casser des bouches. Il est, il est beaucoup trop baraque sur la statue. <laughs> oui, ça contre, là, ouais Il T'as un corps de lâche, Usul <laughs> Oui, j'avoue, c'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi cette figurine C'est Usul sous là. stéroïde, en fait. De fou après moi j'aime bien en tout cas t'as entendu hein. moi je prends le meilleur cadeau hein. toi t'as le t-shirt Tadell quoi le cadeau que t'as toi moi ça toi t'as le t-shirt ah, Tadell et ça c'est pour Cassandre. Euh, ouais moi ça me va moi moi très bien vas-y on fait tout pour la gagner et si un... ah, s'il y a quelqu'un de Dani Raz qui gagne envoyez-nous <laughs> ah <laughs> ouais. et on fait un unboxing <laughs> ah ouais <laughs> oh, je serais trop heureux il y a un seul exemplaire je serais trop heureux qu'il finisse dans nos mains <laughs> oh ça magnifique 000. Ah et ça alors attendez les gens moi j'ai envie de parler d'un oh vas-y oui point. suce euh... bah gros suce bah, euh... Mathilde Popo ah, je vais alors. la sucer comme les punaises de lit m'ont sucé le sang vous avez vu ça ou quoi et tout le monde s'est fout de sa gueule en plus d'accord <laughs> t'as <'en rire> cassé instant le délire du coup j'ai plus envie <laughs> moi si tu me dis suce pas la FI challenge c'est très facile pour moi de, de drop hein Très ok, c'est de la merde, vous avez raison. <laughs> Allez, ça dégage. <laughs> Matisse, le popo. Non, là. Mais en, vrai, en vrai, elle a raison de fou. En vrai, la... ce qui est énervant, il <laughs> <c 'est que rire> y a liké. plein de gens. <rire> 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 le trauma <laughs> Le trauma qui parle. Mais <laughs> bah après, j'ai été victime de ça. Tu te rends pas compte la charge mentale que c'est. Je vais faire une cagnotte okay. pour ne plus J'ai acheté 12 frigo Oh, on a fait une cagnotte, je crois. On avait mis les gros nifleurs. Ah <laughs> <laughs> oui, c'est vrai qu'on avait fait. Vous avez C'est juste le troll, quoi. Il y, y a genre, écrit on détruit le Zawahverse. <laughs> oui, c'est ça. C'est bon, ça a plus de sens quoi. Les gens, ils ont compris, quoi. C'est les bars, quoi. D'ailleurs, personne ne veut le détruire, le Zawahverse, visiblement. Ah, euh, c'est horrible. Hein. Ah, c'est quoi le clip Punaise de lit. Punaise de lit, t'as encore des punaises. Punaise Punaise punaises, Punaise de oui, lit, oui, punaise de oui, lit, oui, Ah oui. Qu'est-ce qu'il a Punaise En plus, t'es vraiment <laughs> saoulé, c'est ça Bah oui, parce que j'en avais marre, ils m'en parlaient tout le temps à l'époque. Gros, j'ai passé un an sur ma chaîne avec des gens qui me disaient ah, « Punaise de lit, tu te fais encore tu sucer, sais, Xe ?» C'était horrible, <laughs> l'ambiance. Et attends, du coup, regarde. Punaise de lit, on nez. 2019, j'ai déposé une résolution pour un plan d'urgence de prévention et de lutte contre les punaises de lit. Oh, 2020, j'ai posé une question au gouvernement et fait des dins exécutations dans les logements. Au oh, marionnet. Aujourd'hui, un Français sur dix a été touché par ce fléau, dont les célèbres <t 'en> Dany Raz et Cassandre. Dani Raz, petit butin de gay. Le gouvernement doit prendre mesure de l'urgence. En vrai c'est une dinguerie les gens là où on se rend pas compte que c'est une dinguerie. C'est qu'une personne sur dix à Paris c'est de pire en pire. Vu qu'en plus on est obligé de payer nous-mêmes les bails et ça coûte une fortune et c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Il n'y a aucune politique publique, il bah, y en a de plus en plus. C'est-à-dire que le chiffre il va probablement se multiplier dans les années à venir si rien n'est fait. Et du coup, hmm, bientôt vous allez découvrir, vous êtes bien rigolés. Moi je trouve ceux qui se sont bien moqués de moi, attention au karma. Hein. Moi c'est tout ce que je dirais. Alors je tiens à signaler euh, Dany qu'il y a quelqu'un qui a fait un trade pour alerter sur les punaises de lit et qui à la fin a conseillé de regarder notre stream où on le découvre à ah la ouais fin de son trade gros cerveau, un militant du Parti socialiste en plus. Ah ouais, ouais. Bah, et force, force, à... <laughs> force à ce militant. Je suis très, que... très heureux, moi. Je <laughs> suis très heureux. J'ai pas vu ça par contre. Et d'où il y a une VOD euh, trouvable où on parle je de crois ça que Je crois qu'il y a pas la VOD par contre. Je crois que Frérot, il euh, y a de pas traite. de VOD en fait. C'est ça. Mais l'extrait de la découverte, bah, je je l'ai pas. Je suis en parano depuis l'épisode punaise. Ah bah voter la FI hein, si ça c'est pas le plus... c'est pas le plus grand le plus grand moyen de voter FI. Moi je trouve très bien ça. Après, du coup, un peu un peu spéciste hein, comme euh, comme positionnement ouais. la Moi, je me demande si Émeric Caron, il est contre le fait de tuer les punaises de lit. Bah, elles viennent juste pour nourrir la petite maman. En vrai, de vrai. Moi, je trouve, en vrai, j'ai trop envie de lui poser la question. Parce qu'il disait, les moustiques, c'est juste une mère qui veut nourrir ses enfants. Donc, faut pas les tuer ouais. pour un petit ouais. inconfort. Ouais. Mais les punaises de lit, c'est pareil. D'ailleurs, ça transmet même moins de maladies que les moustiques. Donc, éthiquement parlant, les punaises de lit, encore moins de raisons de les tuer. Mais, ouais. vu que là, c'est pas une petite mère qui vient nourrir ses enfants, mais <laughs> littéralement des milliers Des milliers <laughs> d'enfants, de darons et de darons qui te bouffent le cul chaque nuit. <laughs> et d'ailleurs, gros, il y a quelqu'un qui en est mort là, en prison. Ouais, en prison Les ouais. prisons sont infestées de punaises de lit. C'était et... aux États-Unis, non euh, je, je sais pas si c'était en France. Non, c'était aux US. Et y a mais un ça pourrait. Attends, il y en a aussi en France. Il y en a oui, C'était aux, aux States, US. ok. Tu peux en Normalement, non. Mais en fait, si tu te fais mordre par des milliers de punaises en même temps, tu peux faire un choc. Euh... Anaphylactique, mon cul sur la commode. Ouais, c'est ça, là. Tu peux faire un choc comme et ça. Moi, j'ai vu donc, la bon... photo, les gens, c'est terrifiant. Après, pour en arriver là, les gens, euh, soyez tranquille. Hein. Euh, bon, c'est pas en vous faisant mordiller un peu que ça va le faire, quoi. Pauvre, ouais. tu es un flunch à punaises de vie. Bah, moi, j'ai été un flunch, hein. Je les ai nourris un an et demi, hein. C'est une dinguerie, hein. En pouvais en, en vrai c'est horrible parce que tu te réveilles ça te gratte tu sens dès dès que t'as un truc tu sens un truc dans ton dos tu te retournes tu regardes avec ta lumière en fait tu dors trop mal à cause de ça ça te baisse vraiment des nuits ça gratte c'est horrible tu peux j'avais je faisais la muscu la meilleure shape de toute ma putain de life j'en ai jamais profité <laughs> j'ai jamais osé me foutre torse nu devant des gens <laughs> parce que j'avais des boutons Mais sinon tu serais dans allé dans la rue et te enlevé ton t-shirt gratuit. ah de fou j'aurais fait oh, let's go ouais en fait je sais pas quand j'aurais fait ça finalement par exemple bah oui la gueule de la cellule ah oh, je peux il On... y a que la cellule dedans clique sur le lien Raz je vais cliquer je vais te dire je vais te dire il euh... n'y a pas de photo ah, ouais ah si ouais si tu peux la mettre ok ouais il y a la photo tu peux la mettre c'est en bas ouais oh mais wesh! Agro, ah, c'est. Waouh! Bah, force à lui, lui hein! hein. Force à lui, ça. Hein. Là, vraiment, force à lui. Oh, t'as vu ça? Attends, ça, gros, ça, regarde ce TikTok. Ça, j'ai pas vu ça, vas-y. C'est Cyrus North, pour ceux qui connaissent pas, donc euh, qui a fait des vidéos de philosophie et de robots sexuels. Je pense qu'on peut pas mieux présenter. Ouais. Politiquement parlant, est-ce que je suis plutôt de gauche ou de droite? C'est marrant parce que cette question, euh, bon, déjà, elle est pas facile, j'imagine, sur Internet. Dans le sens où je sais que forcément, suivant ma réponse, je vais décevoir euh, des gens, c'est sûr. Mais c'est intéressant parce que dans les commentaires de beaucoup de mes vidéos, notamment les vidéos du type Cyrus Lead, j'avais à la fois des gens qui disaient que j'étais euh, d'extrême gauche ou très à gauche, et à la fois des gens qui disaient que j'étais euh, très à droite. Voilà. Regarde notre chat de gauche. T'es à droite, de droite, de droite Droite, droite, euh, droite Par droite. contre, t'es pas prêt pour la réponse. J'ai jamais eu extrême droite, je crois. La vérité, c'est que euh, une des valeurs les plus importantes pour moi. C'est la liberté. C'est une valeur que j'ai envie de préserver, c'est quelque chose qui est euh, très important à mes yeux. La vérité c'est que cette liberté dans tout ce qui est social, euh, ça se traduit par des mesures qui sont souvent euh, considérées comme étant de gauche et quand cette liberté touche à de l'économie, euh, ça se traduit souvent par des mesures qui ah, mais sont capitalistes. C'est de... littéralement Macron à haut tableau. Bah, il est macroniste ouais. C'est Macron à Le haut plus tableau, c'est sans doute l'égalité. C'est sans doute la liberté. Vous vous souvenez de Macron à au tableau en 2017, il a ah, dit exactement ça. Moi, dans ma conception des choses, c'est du libéralisme, en fait. Mais pour moi, le vrai libéralisme, il n'est pas qu'économique, il est aussi social. L'idée, c'est juste une émancipation des individus et de leur liberté. Et donc, ça va de leur liberté d'entreprendre à leur liberté de se marier avec qui ils veulent. Ou leur liberté de changer de genre et être reconnu pour ça. Bref, c'est littéralement un libéral. Bah, euh, un... Après, au moins, après, au moins, c'est un libéral sincère. Parce qu'il y a bah, plein ouais. de macronistes qui ne sont pas pour pouvoir changer de genre comme on hein. veut. De Juste de après la découverte euh... des punaises Oula oh la cassante, il a l'air la cassande. Oh on il est la dans la le flou traquée. Pourquoi on est flou là Attends oh, mais. Non. Je crois en bas derrière mort, on, on faisait plus attention bizarre, hein. Il a arrêté d'écrire T'as sonne T'as qui fait les. J'écris, j'arrête d'écrire Personne ne fait ça oh, Sauf non, quand non, tu non. sais que t'es fini Oui, oui, oui Il fait le pire truc où il écrit Non, mais attends, il attends, attends. Du coup, on est d'accord là Je vais laver mes draps déjà direct, non Gros, et si ça met des punaises dans la machine à laver Non, mais non, mais ils vont crever là dans l'eau. Bah non, ça marche pas comme ça. Oh putain non. Je... Oh maintenant, bah je me connais oh, bah à un point Les gens, maintenant, je suis un expert en punaises de lit, c'est dingue, dinguerie Pourquoi il y avait un flou de Gaulmont là bah Je pense qu'on badait à mort et qu'on faisait plus attention à rien, gros. Waouh! Oh, le stream, il était magnifique quand même. Hein. Ah ouais. Wow. Ah oui, alors attends, tiens, attends. Oh, putain, il y a beaucoup de petits trucs à regarder aujourd'hui. Ouais. On oh, se les gens. Euh, déjà, il y a un truc dont vous avez ouais, vu, on on a. On a... Vous, vous étiez là pour le react Marvel Fitness à la Pride, les gens, ou pas? Ouais, vous étiez là ou pas? Vidéo avec le son euh, ingaissable là. Bah on l'a mis sur YouTube. Ouais, vous êtes prêts pour les commentaires ou quoi Attention vous... les commentaires. Hein. On a supprimé les plus racistes. Attention les commentaires. L'odeur. Ah ouais. Hein. Là, c'est les potes du Zawaverse qui sont venus commenter. Hein. Alors. Euh... Il est sorti de tôle, lui. Wow. Ah oui, il y a beaucoup de gens en mode « Euh, il faut que vous reformulez la question. » Il a reformulé les questions, du coup, les gens, ils étaient biaisés. Euh, bah. Ça, à limite, c'est comme les plus sympas qu'on a eu, C'est des gens qui sont en mode « Euh, vous. Il, il a déformé les questions d'Ani Raz, Vous n'avez pas vu que quand c'est des Blancs, ils ne posent pas les mêmes questions. Du coup, c'est pour ça que les Blancs, ils répondent pas, qu'ils sont d'abord antiracistes. » Non, mais le niveau de délu de ces coms Toujours les fachos. Le Alors, attendez, attendez, ferme, attendez. C'est une chaîne conspi ici, en fait. Les gens, dire le racisme, et les fachos, c'est pas les fachos qui ont cet avis sur Marvel Fitness. Il y a des streamers et des streameuses à qui vous sucez la bite qui ont cet avis sur Marvel Fitness, les gens. Moi, je, soyez pas d'élus. Hein. C'est pas l'extrême droite. Hein. Genre, vraiment, hein, désolé, hein, mais des gens qui sont C'est la pas vie Marvel Fitness, normal. Euh... c'est la vie turbo normale pour énormément de gauchistes. Euh... Genre, euh, vraiment, euh, désolé de vous le dire, hein. Il y a des là aussi, oui, oui, mais quand ils disent fâcheux, ils pensent pas à eux. Quoi, Quoi Alors, lui, par contre, je pense que lui, il est... lui pour le coup, se sera en retard parce qu'il est perdu. Voilà de une point, vidéo hein, quand on Marvel le jour où il a répété son soutien à Benjamin Mendy. GG, le timing, les potes, changez rien. Vous avez vu la logique Moi, je trouve ça fou que cette logique elle soit appliquée à ce point à Marvel. Mais pas, aux, pas autres. aux autres. En fait, quand ah, les gens ils disent des trucs racistes, c'est oubliant une minute. Encore une fois, moi, je... ce qu'on a dit dans la vidéo, hein. moi, je m'en bats les couilles de ces logiques-là. Mais je trouve ça fascinant. Fascinant. Vraiment, ça révèle quelque chose. Ça défend vraiment Marvel Fitness. Le gars qui a traité de trans une meuf qui l'harcelait pendant deux ans. Quoi Mais en plus, Marvel Fitness, il est il est pro-trans par anti-féminisme. C'est là que vous ne comprenez pas le personnage. Mais bon, ça, vous êtes vous trop Vous pensez cool. vraiment que Marvel est de votre côté Vous N'avez qu'à aller à la Gay Pride et poser vous-même vos questions. Bah, euh, tu étais, toi Bah, moi, j'étais à la Gay Pride, je pouvais pas poser, je pouvais pas poser des questions, j'étais en train de jouer de la musique, ça va, lâche-moi là, à un moment donné. Attention, je aussi. on pose cette question pendant un événement LGBT. Non, mais c'est une dinguerie. Moi, oh, je trouve aussi, enfin, là, ça le dit quelque dédi, chose. C'est une dinguerie. Les gens qui veulent pas voir que et le petit discours, mais je comprends pas. Bref, vous irez voir la vidéo, moi, je suis. Euh... Et les gens, c'est ultra choquant, mais vraiment, genre, il y a plein de gens quand ça parle de Marvel Fitness, quand ça parle de trucs comme ça, ça fait les antiracistes toute la journée, ça écrit des grands articles avec leurs tokens pour parler d'antiracisme, et faire genre, oh là là, il y a des racistes sur Twitch, etc. Et ça fait ensuite des grands streams pour dire qu'ils mériteraient d'être 10 ans en prison. C'est et encore euh... et dites-vous genre comme toujours -vous, les pipous dit... gauchistes quand c'est le réel et qui font les anticarcéros antiracistes le jour où il y a des cas comme ça de personnes qui sont mises en prison aussi grâce au racisme et grâce au racisme qu'il a été puni judiciairement comme ça et les gens se sont servis de ça pour le faire punir ça ferme les yeux ça fait des grands streams genre c'est une dingue bah ouais. les gens et personne va cancel ces gens là tout le monde leur suce la bite alors qu'ils disent des trucs turbo racistes. Et après, ça va sur les streams de Wissam pour parler, pour dire des trucs, pour sucer la bite et tout. Genre, il euh, n'y a que chez moi qu'il y a de l'écho. Euh, oui, je crois que par oui, contre. je crois oui. ouais. d'ouvrir notre stream deux fois. je Dem pense. Demande euh, à ton coloc, Wissam. Mais. Euh... Faut pas oublier de montrer le nom de ce qu'il Marvel. Gens, mais surtout, c'est ce pas étonnant ce qu'il dit. Nous, on a montré la vidéo, on l'a trouvée pertinente. Parce que ce qu'il montre, ça n'a rien de fou, fou ou de truqué. Et puis, euh, désolé, mais enfin, vu, vu la qualité technique de la vidéo. <rire> <Oui>. <rire> puis, en fait, moi, je le connais trop, Marvel, ce vidéo. Il est juste trop honnête, les gens. Il n'a pas besoin de mentir sur ses intentions, Marvel. Mmh, mmh, mmh. Il, franchement, il est facile à lire quoi. Que ce soit sur euh, les choses avec lesquelles t'es pas d'accord avec lui, que les choses avec lesquelles t'es d'accord avec lui, il est facile à lire, Marvel. Moi je trouve que c'est là où vous êtes des. eu des propos transphobes sur Aline pendant le harcèlement. Il faut oh là pas là le nier malgré tout. Qui a été en prison Et et eh oh, eh oh, qui a été en prison ben mais moi, moi je, je dis pas lis pas mes commentaires, commentaires j'imagine même pas, pas vous. vous. Non mais ah moi je te jure, ça nous rend fou de fou. Mais, fou. mais surtout, en fait... Genre, les gens, je suis désolé, vous arrêtez de mettre un signe égal entre une bourgeoise qui s'est servie de, 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 de tous ses privilèges pour mettre un mec en prison. Enfin bref, moi, je, je suis désolé. Bah je on a vous déjà... trouve inhumain. Mais j'en ai marre de parler de ça. On, on en a, a déjà parlé. J'ai juré, bien ça parlé. me rend fou de fou. On va pas ça ça revenir sur l'affaire parce qu'après, on va re mal redire les trucs et l'histoire, elle est tellement compliquée, il y a tellement de choses à dire. Ah, pour ouais, avoir faudrait tout expliquer et tout, mais... Mais, euh... Mais c'est une folie. Et surtout, dites-vous, la politique de modération de la chaîne YouTube qu'on a, elle est simple. C'est que on... même les gens qui sont pas d'accord avec nous, tant que c'est des avis qui sont pas trop euh, insultants, bizarres, on les garde. Ouais, on enlève les grosses dents. Mais dites-vous oui. que là, on a viré les énormes racistes qui viennent dire des dingueries. Il y en a plein. Ah ouais, ouais, les gens, vous imaginez pas. Donc, nous, en fait. Quand en fait, on voit ça, on est en mode c'est une folie quoi. Les gens ce qui se prennent dans la gueule Marvel, c'est une dinguerie en termes de raciste On le voit sur notre petite chaîne, on a mis une vidéo, bah on le voit vidéo sur Twitter tête tous tête les la jours. On le voit, et, non, mais, et sur Twitter non mais même là c'est Enfin vraiment les gens ça va jusqu'à notre chaîne et qui en plus est censé être une chaîne de euh, gauchistes euh, TM euh, bien ah ouais on est anti-raciste machin truc mon cul. Genre même là, les gens ils sont racistes avec lui. C'est dire la dinguerie. Désolé, genre c'est. Après, en fait, le truc qu'on dit, attention, c'est pas de dire euh, qu'il y a, qu y a genre euh, ouais, Marvel est parfait, etc. Ce qu'on dit juste, bon, c'est qu'il oui, y a un oui. deux poids de mesure qui est hallucinant en fait, je trouve. C'est que t'as des, can... à... des gens -y, ils sont cancel à vie, tu vois. De fous. Euh, et d'autres qui sont réhabilités. C'est ça. Trop facilement. Et en fait, nous, ça. vous le savez, nous, on n'est pas pour les sel. on est en mode c'est bon, les, tout le monde fait des erreurs, on peut évoluer, machin, etc. Vous connaissez notre discours sur ça. Mais c'est juste, c'est ce deux poids, de mesure là non, moi, en fait, je que je trouve. Oh là là, Christa, qui veut détruire le savoir moi. Ok, Christa. Ok, Christa. Okay, Christa. Qu'est-ce qui se passe, Christa, Christa, Christa Ça marier. va pas, Christa, merci, faire Christa, des choses comme ça C'est la folie. Mais merci, Christa. Euh, merde, tu es en train de dire un truc intéressant, te laisse pas arrêter. Merci, Christa. Merci, continue. T'as oublié ce que tu étais en train de dire. Oh non, c'est une dinguerie. Bah oui, c'est. je sais plus Je sais plus ce que je disais moi. Ça m'a perturbé 100 balles qui tombent comme ça. Évidemment que ça me perturbe 100 balles qui tombent ah, comme putain, ça. Ah putain, c'est une dinguerie. T'allais dire un truc bien. Mais sur Aline, non mais là c'est parce que Raz il a dit de la merde sur Aline, là il s'est énervé. Mais les gens, là, on a déjà nuancé l'histoire des tas de fois. Ah, c'est une fou, mais tu voyez quelle bien merde j'ai dit... Bien... dit quand j'ai dit qu'elle s'est servi de ses privilèges pour mettre en prison Marvel. C'est tu... -ce faux, non, mais tu sais que l'histoire c'est en fait quand tu dis ça, je trouve c'est leur... là où je suis d'accord avec les coms, c'est tu leur donnes aussi une balle trop facile, alors qu'il y a une asymétrie de en fait. Si tu pars du principe que les deux ont leur tort, qui a fini en prison? Aussi okay, ça. Si moi, c'est comme ça que je veux le défendre. Pour moi, il faut défendre ça comme vas ça. Vas-y, vas-y. Si, vas vas si tu vous partais du veux. principe que les deux ont leur tort. Vas-y, si tu veux. Parce que, si euh, oui, veux. il a envoyé sa communauté. Bon, les armes de faible sont de faibles armes, dirait Bourdieu, lol. Mais euh, oui, il a envoyé si sa communauté, machin. Et elle, elle, elle a créé des dick pics, bidules. Ok. Si vous voulez, genre, c'est un drama internet avec du harcèlement des deux côtés. Mais même moi, ça, en vrai, je suis un peu d'accord. Tu vois, le truc de, toute façon, le drama entre créateurs du web, c'est ça. Mais il y a un cas historique de quelqu'un qui a été en putain de prison, les gens. Et en plus, là où Raz a raison, c'est que ça a utilisé littéralement euh, l'avocate influenceuse, les amis, le enfin mais les gens, l'histoire, elle est trop sale. Il vise de procéduriser de A à Z. C'est trop sale ce qu'il a pris. Et, je vous on rappelle, trop sale. et on rappelle constamment qu'il a fait de la toile avec des tweets à base de Il devrait croupir en tôle, il devrait mourir en tôle. Moi, en plus, je suis en mode entre du harcèlement sur le net et la prison. Genre, est-ce que vous savez doser Est-ce que vous savez faire la différence Et en plus de ça, euh, l'autre truc qui, moi, me, me, me choque dans tout ça, c'est que derrière, bah, elle aussi elle a été... Euh, condamné en Belgique et tout etc et on lui rappelle moins tu vois il y a moins ce truc et après c'est je dis pas ça pour dire du coup il faut aller emmerder merde moi je m'en bats les couilles en vrai tu vois genre euh, c'est moi je trouve que ça reste triste tu vois ça reste une histoire qui reste profondément triste quand tu vois les dégâts qu'elle a eu mais enfin si vous avez en fait c'est ce que je trouve fou c'est que qu que la plupart des gens et entre guillemets un avis sur ça euh, pas forcément hyper politisé je comprendrais mais ce que je trouve fou, c'est de la part de gens qui sont qui font, à ah, ce qu'ils sont de gauche, ça écrit des accab ça lui faut abolir la prison. Mais alors dans ce cas-là, vous perdez toute empathie voilà, face à un réel. exemple individuel, face au réel, vous perdez tout rapport avec ça. Et c'est ça qu'on voit, ça. et c'est cette asymétrie-là qui nous gêne. C'est pas de savoir les torts, les machins, le bidule. Et là en plus, on est dans une vidéo que moi je trouve impeccable. Où Marvel, il il est se nuancé, respecte pas lui-même. Il donne il son avis pour parler de lui. La vidéo, elle est gaulerie, elle est bonne ambiance et ça re ramène à ça. C'est là en fait où, où c'est cette asymétrie nous re. C'est un truc de fou, genre ça nous revient à la gueule Mais nous on sait. À l'époque, on, on, avait, on avait, osé nuancer l'affaire. On s'était fait défoncer, nous bon. On vous connaît. Hein. Et puis moi, je suis désolé. Genre, si on parle que des questions, des trucs LGBT, ma... Enfin, je suis désolé. Marvel, vous le trouvez problématique Moi, je trouve il est turbo curieux je sais pas, genre, enfin, genre, en fait, moi, là où je vois que vous vivez dans un... Enfin, vraiment, si c'est Marvel, les homophobes, mais on est sauvés de fou. Ouais, J'ai juré ouais, les gens, ouais, vraiment, je vous, je vous jure, on est sauvés de fou. Si c'est ça la figure homophobe horrible, mais c'est le best gars, désolé. Genre, enfin... Genre vraiment, euh, genre ça, moi, enfin, c'est trop grave de dire ça. Vraiment, genre. Enfin, euh... je sais pas. Je vous trouve... Euh... Je vous trouve euh, déconnecté en fait. Genre il prend est la une bonne direction. Le racisme ouais. on est plutôt bien. En vrai c'est quoi la vidéo, la vidéo La vidéo c'est il est allé à la Pride pour parler avec les gens et parler genre euh, ouais est-ce que genre notamment euh, à des LGBT renois de dire ouais est-ce que pour vous c'est plus important c'est le, 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 le vous subissez plus de racisme ou plus d'homophobie et euh, tous ils ont répondu bah c'est le racisme que je suis bien en premier et il y a des gens que ça énerve rien qu'on pose la question parce bah, qu'ils sont en mode ah non faut tout traiter pareil etc il fait de l'écho de ou phrase ah ouais mais non, non il était toujours il, il est tout seul dans son délire euh, oui sam mais euh, voilà je caricature je caricature un peu mais en gros c'est ça quoi genre euh, et du coup ils sont matrixés en mode ah c'est il est problématique machin un truc ouais. voilà. enfin bon bref de toute façon c'est perturbé juste, par l'écho maintenant c'est juste une un, 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 encore une fois une, une je ne sais pas comment dire ça mais un point encore en plus sur cette affaire où tu vois bien la différence de traitement moi, c'est juste ça qui me choque et qui, je pense, devrait vous choquer. Et vous savez pourquoi il y a cette différence de, de traitement. Vous avez la conscience politique pour normalement. Vous le savez. il faut faire gaffe à ça. Il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Surtout si derrière, euh, après, ça, ça va mettre des carrés noirs sur Insta. Hein. Bref. Oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est la dinguerie. C'est ça la dinguerie. Bref. J'avais pas coupé mon et micro, bref, ça faisait hein. de l'écho dans l'enceinte. Non, oh mais vas-y, non, mais putain, mais de Wissam. C'est en parlant que je m'en suis rendu compte. Mais vous avez vu <laughs> Et ça, c'est notre allié, les gens, dites-vous C'est une dinguerie Ah ouais, ah ouais, épingle le message, hein, je t'en supplie, hein. faut il faut qu'il reste des heures, hein. c'est une catastrophe. Hein. Mais c'est ça le problème On est amis avec ce mec, c'est une catastrophe Pff. Ah, oh, vraiment, on n'est pas aidé, hein. On n'est pas aidé, hein, dans ce moment C'est le mec le plus goofy que je connaisse. Hein. <laughs> enfin, bref, quoi. Mais voilà, quoi. Moi, non, ça m'attriste, mais, mais bon. Les gens, enfin, je sais pas. Et puis, moi, je sais pas, les gens, allez voir son contenu, pas. Les gens n'ont pas d'empathie, quoi. Après, vous n'allez pas être d'accord tous les jours avec quelqu'un, mais en fait, c'est ça aussi. Mais bien c sûr, clair. non, mais nous, on n'est pas en train de dire qu'on est d'accord avec tout. Je dis juste que vous faites en les En faire le pire gars d'Internet, je trouve, c'est trop grave mais surtout ça se voit, moi c'est un peu raciste ceux qui pensent ça des fois ils aiment trop faire les... ce que je vois avec notre public c'est qu'ils aiment trop faire les bandeurs constamment bandeurs de la rue tout ce que tu veux et dès qu'ils écoutent quelqu'un du réel il est trop problématique pour eux tu vois ah, tu parce qu'en plus Marvel je vous jure il est full politisé etc mais ouais et s'il a vraiment des opinions en plus Genre certaines pourraient vous surprendre. Après, il a des opinions, vous n'allez pas être d'accord, mais c'est pas. Est-ce que c'est est -ce est grave J'ai l'impression voilà. que vous n'arrivez pas à vous en mettre que vous pouvez quoi, ne pas fois. être d'accord avec des gens des fois et ne mais pas être. Il y en a, il a dit c'est comme JDG et qui est vu de... comme des racistes par les gauchistes. Moi, je suis un peu d'accord. Je trouve en vrai, c'est marrant JDG Marvel. Il y a un peu. Euh... Tu vois, il y a des parallèles à faire. Tu vois Où c'est pareil. Ouais, y en là, il y a, force sa dire... mort. Après, et pareil, Fred. Euh, des fois, il dit des grosses comme rien. Hein. Il en a dit des grosses conneries où t'es en mode, Wah. non, mais là, l'odeur de ce qu'il vient de dire, mais en même temps. Alors moi, je trouve il y a un peu le. Ouais, Bof Barbar, ouais, mais bon, ça vous aimez trop le dire quand c'est dans la théorie. Écoutez mais... Marvel versus Psycho et dites-moi qu'il est pas basé. On peut dire ça ou. <laughs> alors, Psycho, d'ailleurs, c'est chaud. Le live cassant de Jimmy Marvel était légendaire. Incroyable échange. Incroyable ah, ouais. échange, hein. Après le live du grand sel. Hein. Oh putain, le live, du... oh ah, l'odeur oui. du live. Soit avant, tu vois, avec Jimmy déjà, c'était chaud. Mais alors, en plus, maintenant, il y a le chiapa à Gate. Ah oui, de plus. Alors là, c'est finito, quoi. La vidéo, là elle est. Mais voilà, quoi. C'est bon, comme après... ce que disait Wissam tout à l'heure sur Anti-Stream, son puis Après, pour avec les barbares. Ah, de fou, de fou. Euh, pour les gens qui étaient pas là, tout à l'heure, en gros, Wissam, il parlait de Anti-Stream. Où ils étaient en mode, ouais, Wissam, il est problématique. Wissam était en mode, mais nous, on est des gauchistes. Genre, on est, les... on est des politisés. Genre, si tu vas dans les quartiers parler à d'autres gens, mais, mais déjà, tu trouves je... nous problématiques alors qu'on est des putains. On est, gros, putains. Mais... On est, on est oh. vraiment à gauche, mais t'es pas prêt pour ce que tu vas entendre. En t'es pas prêt pas pour les opinions des gens. Quoi. As même pas besoin d'aller dans les quartiers. Mais non, mais c'est genre... parce qu'il disait ça non, par, mais lui, à parlait, par, 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 par voulait... rapport aux quartiers. Non, mais je suis d'accord oui, avec oui. toi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est les gauchistes ne pas croire que tout le monde est à lire des traits de Twitter de gauchistes toute la journée de challenge. Et heureusement, vraiment. Heureusement, vraiment enfin Les gens, désolé, mais genre, nous, on est matrixé on est dans une matrice de fou. Genre c'est pas je dis pas que c'est mal ou quoi genre chacun sa matrice et c'est trop. Mais il faut quand même se rendre compte qu'on est quand même dans une trix. Genre c'est pas grave, c'est pas pour être honteux ou quoi, c'est juste de se dire y il a des gens d'ailleurs sont pas dans la même trix que nous, tu vois, bah c'est" Est-ce que d'ailleurs c'est pas le sens du film Matrix de nous dire on est matrixé mais à partir du moment où tu te rends compte que tu es matrixé, tu peux au moins décoder ta matrice quoi. Non Parce que c'est pas le sens simple du film là. Et c'est pas en plus c'est plutôt basé non comme idée. Ah de fou de fou. C'est le nom du film. Oui je sais. <laughs> L'expression vient de là. Allô. <laughs> Justement revenez à la base du truc quoi. Mais voilà quoi. Non mais en fait c'est juste c'est fascinant. C'est toujours ce problème de on est d'accord dans la théorie mais quand il y a un exemple vas-y on, on supporte oh, ça. ça j'en peux plus ça ça j'en peux. Bah plus. ouais. Et après moi évidemment que genre Marvel sur les histoires. Euh, de call out et tout dans sa défense des gens, moi je le trouve, je vais vous dire la vérité, moi je le trouve euh, trop dans l'émotion et la colère, une émotion et une colère que je peux trouver légitime d'ailleurs par ailleurs, pour vraiment euh, pouvoir être full rationnel sur ce sujet-là. Parce qu'il a vécu ça, il a vécu une ça. fausse accusation, on a fait une fausse dick pic. Du coup, dans sa tête, il est en mode attention, arrêtez avec le je te crois à 100%, les fausses accusations qu'il a vécu, parce qu'il a chair, été victime de ça, il, a... il est allé en prison, bon pas que à cause de ça, mais en partie ça a joué, on va dire dans le, la détestation que les gens lui portent, même la détestation, dans médiatique. la réputation de pointeur qu'il a qui est, est complètement basée sur ça, rien. Ça, les gens, il a. À la limite, le harcèlement, ça, compte. ça, à la limite, vous pouvez y aller, tu vois. Mais il y a ça, donc moi je comprends Et, du même, de, du même point de vue que je peux comprendre les gens qui vont être en mode. Foule, je te crois, parce que pareil, ils sont dans leur chair, ils ont vécu des choses où ils sont en mode, je ne peux plus croire les hommes sur ce sujet. Moi, je comprends en fait. J'arrive à avoir l'empathie de comprendre des avis comme ça avec lesquels je suis pas forcément full d'accord dans leur entièreté. Vous voyez ou pas C'est ce recul-là. Et en fait, es Je suis obligé trouve... de comprendre pourquoi je il est, est comme ça, que... ce qu'il a pris dans la gueule, les gens. Mais moi, je trouve que c'est plus facile pour les gens d'avoir l'avis un peu profème, de comprendre, de dire, bon, tu forces, mais je comprends pourquoi il faut penser ça comme ça, que l'inverse, tu vois. Après c'est plus rare aussi, c'est là, là. Après sur ce cas-là spécifique c'est plus rare. Mais n'oubliez pas qu'il va en prison, <laughs> il n'y va pas quoi. Première mais fois ici, si je suis enseignante, j'ai bossé en prison. Pour dire qu'un quelqu'un mérite la prison, il faut vraiment qu'il présente une menace grave parce qu'à prison les gens c'est chaud mais, mais. oui. Et surtout fin, dans le harcèlement en ligne, des gens mille fois pire que Marvel. Euh, j'ai un rien rayon eu. en tête. Franchement j'ai ah, un ouais. rayon de, de personnalité en tête. Et personne n'a jamais rien pris. Genre, je veux dire, il y a des, il y a des gens d'extrême droite, des gens qui ont des chaînes de drama, des trucs comme ça, qu'on qu crée des playlists sur des gens qui vont à fond chaque putain de jour et qui ne sont inquiétés le, le moins du monde, en fait. Donc, c'est ça aussi. Parce qu'en fait, tu ne peux pas construire de dossier contre eux. C'est très dur. Moi, je sais, hein, j'en ai, ai des gens qui ont essayé de porter plainte pour des cas, des histoires. de J'en ai entendu hein, depuis le temps que j'ai une carrière euh, sur YouTube, Twitch, ce que vous voulez. J'en ai entendu des histoires. En général, c'est classé sans suite ces trucs-là. Les gens s'en battent les couilles. Les policiers sont, oui, c'est des trucs de, sur Internet. Les juges s'en battent les couilles. Genre vraiment, c'est ça va jamais loin. Là, c'est aller loin parce que c'est des gens qui sont très bien organisés pour y arriver. Et parmi les gens qui se plaignaient, moi je vous dis, il y a aussi du business là-dedans. Marvel, il a un peu trop démonté. Ça aussi, c'est un truc qu'on veut jamais voir c'est que Marvel, il a ouais. trop démonté les il menteurs business, qui, qui, qui se disaient euh, pas chargés alors qu'ils étaient sous stéroïdes, les livres de merde euh, qui essayent de donner des méthodes miracles de musculation qui en fait étaient un peu de la D, etc. Il a un peu trop attaqué ces gens-là avec un humour, euh, pour le coup, qui est pas adapté au code de la petite bourgeoisie qui vend ces bouquins-là, quoi. Ouais. et bah forcément après je dis pas dans sa communauté on a vraiment ils l'ont pas aidé moi je pense qu'il y en a ils l'ont pas aidé ouais, tu vois. ouais bien sûr et lui s'est servi de ça, ça parce qu'il l'a dit là il a, elle est à la police on lui a rigolé au nez du coup il s'est servi de ça il s'est défendu comme ça les autres à un moment donné ils ont arrêté de parler sur lui ils ont attendu le procès c'est comme ça aussi qui tu vois il avait ah, pas oui. les codes de et ça. lui mais il s'est défendu avec César il s'est défendu avec ses armes il avait pas il s'est fait avoir par des gens qui savaient exactement comment faire pour le pour le baiser quoi Booba l'a fait aussi, ouais. Mais rappelez-vous sur Booba. Booba, tant que c'est sur d'autres rappeurs, les gens, ils s'en battent les couilles. Par contre, quand c'est devenu sur les influenceurs ou sur les journalistes, alors là, ils se réveillent. Bref, moi, je trouve que c'est précis à chaque fois, ces choses-là, quoi. Mais ouais. C'est du bise, les gars qui font trop Comme Aline s'est défendu avec ses armes. Mais comment tu peux mettre un signe égal entre les deux C'est une dinguerie de dire ça. Je suis désolé, c'est une dinguerie de dire ça. Genre vraiment vous êtes inhumain. Vraiment, j'ai juré, vous êtes inhumain. Genre vraiment, genre. Enfin, c'est je... gros moi ce sujet, mais... ça m'énerve. Non trop, mais attends. Mais à la limite, non mais je une fois, à la limite, moi je peux entendre cet argument, mais vous voyez bien que dans la réalité, ça n'a pas les mêmes conséquences. Es blanc... Quand t'es blanc et que tu pleures et que tu appelles la police. Il ne se passe pas la même chose. C'est factuel en fait. Là, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Après, moi, je, vraiment, j'ai rien. Euh... Enfin, moi, je, je peux comprendre aussi que tu sois en mode. Euh, D'ailleurs, elle a essayé de désamorcer la situation à sa manière, et puis non, et puis machin. Je peux comprendre. En fait, quand ça part en couille, moi, là où j'ai de l'empathie, c'est que ce que je comprends. Dans les dramas internet, surtout quand c'est quand tu t'en manges un sacré, tu sais pas trop comment réagir. C'est très difficile moi. La les... première fois que j'ai eu des gros dramas internet, euh, tu sais pas comment réagir. Tu sais pas si tu dois répondre, si tu dois alimenter le truc, si on te dit ouais porte plainte, on te dit. En fait, on te dit beaucoup de choses différentes. Donc je peux comprendre moi ce... le truc euh, des fois tu fais pas super gaffe, tu te rends même pas compte d'où ça va, etc et tout bidule. Moi, je suis juste en mode, vous pouvez pas dire mettre un signe égal dans une, situa une situation qui est asymétrique. Et que cette asymétrie a continué de se répertorier dans les conséquences de l'affaire. L'affaire, elle était politique au moment de l'affaire et elle continue de l'être dans une putain de vidéo qui a rien à voir, moi. C'est ça que je trouve euh, spectaculaire, quoi. Ah bon... Bref, on va changer de, de sujet. Hein. Mais on en re reparlera s'il faut, de cette histoire, de toute façon. Mais on en a déjà beaucoup parlé, je sais qu'il y en a. Vous regardez pas tous les lives, vous avez pas tout vu, etc. Mais bon... Bref... Ah, c'est... À chaque fois, en fait, c'est... C'est dommage, tu vois, je trouve... Ah. Bref, ouais. Ah, Bref, ouais. Le... Vous avez vu, il y a le Airplay. Alors vous êtes plein à nous dire allez foutre des pixels, mais nous, je vous avoue, passé trois heures oh, en streaming, on va de mettre des pixels. On, a mais un attends, en attends, on est d'accord qu'il y a un drapeau français sur toute la gauche du bordel. Là oui, par contre, gros, on oh, est trop pff, fort. C'est quoi ça <laughs> bon, Voilà attends, la vérité attends, de la France. Attends, c'est quoi cette dinguerie là qui est en attends, train de se passer D'ailleurs, 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 d'ailleurs. Oui, quand même. Hop, voilà ce qu'on fait, les gens. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Attends, mais c'est une dinguerie. ce qu'on a en train Faux de faire exprès, hein Ça m'explose. Ça, <laughs> <laughs> oh, ça, ça commence à être beau. Y a, ça va être notre gueule. Y a, ça va être très beau à la fin. Après, si vous sentez de vous organiser, d'aller foutre un truc zawa quelque part, ok, mais bon. Moi, je vous avoue. En fait, le truc de devoir rester 12 heures en live, euh, euh, surveiller un truc. Euh, ah ouais, la flemme un peu, mais. Nous, nous on aime faire des streams où, où on réagit en fait, où on parle, où on est intéressant ouais. en fait. C'est notre force par rapport aux autres streamers, vous voyez Donc, ouais. on va laisser les streamers qui font rien avoir le airplay, je pense que c'est leur, leur cadeau. <laughs> Ça vous va en ou pas En tout cas, allez défendre le drapeau français. Non, mais par non. contre, ouais, moi je vais mettre mes pixels, hein. par contre, je vais poser mes pixels de fou sur euh, la France, hein. Mais vous avez vu hein, qu'ils euh, ont sorti ça à Skip parce que Reddit, là, ils sont dans la merde parce qu'ils veulent... Euh, ouais. Ils ont des bails... Euh, alors, j'ai rien compris, là. bah euh... bails ben, de... Ah, oh, les API euh... Je comprends rien à vos délires chelou euh, d'informaticien bizarre, là. Mais à ce qui hein, exemple, c'est pour ça, quoi. Ok. Ils sont dans la sauce parce qu'ils veulent rendre payantes les API. D'accord. c'est tu sais ce que c'est, toi, les API API. Non, j'ai aucune idée gros. D'accord, bah très bien. Bah les API, bah eh, qui rendent pas ça payant du coup Et quoi les API les frères Vous expliquez par contre là, euh... Les ingénieurs du chat là App tierce qui utilise Reddit. Les IA comme chat GPT, application tierce. Ok, ok, bon Il y a The Great vous... Review qui a fait une vidéo sur les API. On bat. Oh place. Enfin, ça dure ça dure ça dure ça dure, ça dure 7 minutes, ça vient de sortir, vas-y Et qui devient -y, un champ de bataille international au bout d'une heure, la Pixel war, tout ça, le seul événement qui peut faire dire à quelqu'un je me suis battu des heures durant pour le reflet d'une bouteille de vin et je suis prêt à le refaire. OK, Reddit a annoncé hier qu'ils allaient en relancer un et aujourd'hui personne n'est content ou plutôt personne n'en a rien à carrer parce que Reddit est actuellement pris dans la plus grosse protestation sociale de son histoire. Et si vous allez sous l'annonce du nouveau Airplace, la seule chose que vous allez voir, c'est des gens qui disent API, API, API. Parce que le cœur de la protestation, c'est l'API du site. C'est quoi un API On sursimplifie, mais c'est un programme qui permet à deux autres programmes de parler entre eux et d'échanger des infos. Genre, il dit euh, « Hey, salut Comment tu te sens aujourd'hui ?»« Ça va très Or bien you !» Et il dit « I'm happy !»« Oui, I'm happy, Danny !» J'ai compris, t'as dit happy, happy, api yeah <laughs> Moi je dirais même pomme de rainette et pomme d'api. Yeah Faudrait peut-être qu'on recrute un happiness manager. Yeah oh, Vas-y. Vas et, bon, et vous allez est dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un intermédiaire Pourquoi pas coder les deux programmes pour qu'ils puissent communiquer de base C'est fait pour des questions de sécurité et pour des Merci questions de popularité. Dar... Par exemple, Twitter. Il y a 12 500 sites d'information ou sites journalistiques sur cette terre qui mettent des tweets dans leurs articles. Et c'est pas, pas juste une photo d'un tweet, hein. c'est un vrai tweet. Vous voyez les likes en direct, euh... vous voyez les euh... commentaires, vous pouvez cliquer dessus, il se passe des trucs. C'est de l'échange d'informations entre les deux sites. Il faut vraiment qu'il y ait du code qui permette ça du côté du site journalistique et du côté de Twitter. Mais, vous vous doutez bien que Twitter, c'est qu -ce pas couilles. embêté à, à faire son code de façon à être compatible avec... <laughs> non, mais, <laughs> en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est la manif la non, plus... Oh, Qu'est-ce qu'on s'emballe Mais qu'ils fassent payer, non En vrai, ils ont raison Non Qui prennent de l'argent à ChatGPT, à ça, Figaro, rien il rien y tout. a mes couilles bah, euh, sur mon front, non Bah non, mais pourquoi non Je comprends pas ah c'est vraiment tous les jours RAF des API hein perso hein. ils le font payer trop cher bah ça c'est si c'est euh, Google ils vont payer non ça tue toutes les apps regardez la vidéo oh là là on va regarder votre vidéo oui euh... ça a l'air fatigant en tout cas votre histoire hein. et vous voulez qu'on aille mettre un drapeau Zawa sur ce site hein bref vous êtes bizarre un peu hein. Chacun de ces 12 500 sites différents. Vous vous doutez bien que Twitter rajoute. Que moi, je sais pas, en fait, je me méfie de vous, le chat. La dernière fois que je vous ai vu manifester pour un truc, cet été. C'était. Ah, vraiment! Il y a Lena et Sem euh, qui font du Star Talent! Euh, les comédiens de doublage, c'est entre soi de bourgeois que je oh vénère! Ouais, ouais. Parce qu'ils sont douces depuis la naissance à se partager le poste! Il faut les protéger! C'est vraiment trop grave que Yalena et Seb jouent un rôle non, de plus, trois lignes jouent... sur des oui, persos déjà Star Talent que sont John Cena! Oh, vraiment, c'est très grave! C'est pour ça, moi, j'arrive plus à vous croire quand vous dites que des trucs sont graves! C'est une dinguerie, gros. S'il y a ça qui te scandalise dans la vie, t'as aucun problème, désolé. Hein. Mais en plus, la vérité est que le doublage meurt. Hein. Voilà mon vrai avis sur le doublage. Hein. Pas du code à chaque Moi, fois. Moi, je suis que pas d'accord, mais il faut doser. Un journal sur cette terre. Et il n'est pas non plus question de donner publiquement le code de Twitter. Si tout le monde avait le code de Twitter, tout le monde pourrait créer son site de façon à être compatible avec Twitter. Mais il n'en est pas question. Il y a tous les secrets de fabrication de Twitter dans leur code. Et, euh, et, et s'ils donnaient leur code, tout le monde saurait exactement comment leur site fonctionne. À la place, ils font quoi Ils arrivent en disant Tenez, voici un petit programme. C'est un API. Il est public. Lui, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir son code. Et il est capable de parler avec Twitter. Donc si vous codez chacun de vos sites de façon à pouvoir parler à l'API. Il peut servir d'intermédiaire et donc indirectement vous pouvez discuter avec Twitter en passant par l'API. C'est à la Je fois. Je comprends rien. <rire> <rire> Je comprends rien. Mais pourtant, genre sur Discord, <laughs> sur ah, Discord, quand tu mets le lien Twitter, ça met le tweet. Bah parce que justement, ils utilisent l'API. C'est parce qu'ils utilisent l'API, justement. T'es complètement con. grâce là, c'est quand même simple. T'as compris quand même. Mais moi j'ai mis aucun API moi. Mais, non mais c'est pas toi, mais le logiciel il le fait pour toi il justement. Il a dit qu'il fallait que je code. Il a dit que je fallait que je code. Je veux pas coder. Mais c'est pas toi, c'est le Discord, la boîte code pour toi. Pour que en fait l'API est là Donc, pour te simplifier la entre vie. Entre le moment si où je copie colle le lien et. Bah oui. Quand tu copies-colles le lien et que le petit tweet s'affiche et que tu te dis Oh, c'est vraiment pratique, j'adore cette fonctionnalité et bah c'est parce que Discord a utilisé l'API de Twitter pour pouvoir faire ça. Mais c'est pas toi qui as codé ça, c'est les geeks de Discord. C'est comme grâce aux geeks de Discord, ils ont codé une soundbox et on peut faire ça. Salut, c'est Dani, Raz. Une standardisation de la communication et une mesure de sécurité. Ça permet d'offrir à tout le monde la possibilité de parler à ton site sans donner le code de ton site. Les API ne font pas que le lien entre des sites hein, ils font le lien entre tout un tas de programmes différents. Ils sont partout, ils sont trop importants. Il y en a même qui sont célèbres. Par exemple, c'est impossible d'avoir joué plusieurs années sur PC et d'avoir jamais entendu parler de DirectX. DirectX est la raison pour laquelle vous avez pas besoin de... Bah ça je sais vous... Dès que je télécharge un jeu sur Skidrow, il me demande de le réinstaller, mais il est déjà installé Moi je dis oui, installer ce truc Et ça me dit, ah bah non, tu l'avais déjà installé, bah alors pourquoi tu me demandes de le réinstaller Ah ouais, t'as vraiment un QI de... d'huître en fait, par contre là. C'est là que je vois que t'as un QI d'huître. Après les gens, il a écrit « Activer Windows hein, » sur son PC encore, euh, Razamba. Hein. C'est vous dire le niveau hein. Il a raison, mais non, il a pas raison. Il lui met juste le pilote, il leur installe à chaque fois comme un Golemont. C'est juste que je pense qu'il prépare les Golemont à la race, à l'avance, les autres Golemont, encore plus Golemont, qu'on même pas s'est installé, en ah leur ouais, donnant non, la possibilité. Là... Bah oui, il pense au Turbo Golemont en fait. Donc tu pourrais les remercier en fait. Euh, ça va. Lesquelles... Déjà, tu fais genre le mec Goldmon de l'informatique, tu télécharges des jeux sur Skyro, hein, donc ferme la marque de carte graphique il y a dans votre PC au moment où vous lancez un jeu Parce que comment ça se fait qu'un même jeu vidéo arrive à être compatible avec deux cartes graphiques faites par des boîtes différentes, avec genre des composants différents et du code différent dedans La réponse est tous les constructeurs de cartes et tous les développeurs de jeux codent leurs truc de façon à être compatible avec DirectX, qui est l'API que Microsoft a fait pour que sur ces machines il fasse le lien entre les jeux et les composants qui donnent vie au jeu. DirectX est tellement important Ouais dans mais des du fois il y a des, il a des jeux ils ne demandent sons. pas de le réinstaller DirectX. Donc peut-être qu'il y a des jeux qui l'utilisent pas. Oh c'est une dinguerie comment il est con, c'est une dinguerie d'être aussi con vraiment, c'est trop d'être aussi con en fait, c'est vraiment c'est dinguerie d'être aussi con, il force. En fait là il abuse, on dirait qu'un réfracteur. Mais oh vraiment, bonjour, c'est quoi que je vois un magasin dans Paris. Genre c'est ce tir-là de dabu. Attendez, attendez. Est-ce que le logiciel ASIO de la Focusrite, c'est un API pour faire le lien entre euh, ma ASIO et Ableton C'est un API ça aussi Les ASIO ASIO Oui, Alpha oui, al ASIO, oui. Oh oui. j'ai compris alors D'ailleurs ça me saoule parce qu'avec la Roadcaster, il m'a fait installer Asio Road et ça marche pas quand même. Donc bon, comme à quoi l'API marche pas, si bien. Parce que je ne peux pas utiliser la Roadcaster sur Ableton en dehors que le MME DirecTIS qui a, qu a du lag. Alors que Asio, il n'y a pas de lag. Voilà. Donc Asio, c'est mieux. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Mais bref, ouais. J'ai beaucoup parlé. Son à l'une des consoles les plus populaires de la planète, la Xbox. dont le nom, veut littéralement dire la boîte qui fonctionne grâce à DirectX. Ah ouais Non Pour pas. Ah, pourquoi ils ont pas appelé ça la Direct Xbox <laughs> Non, bah non, mais ils sont cons aussi. Ils ils ont ils, ont, ouais, ils ont Ah le X de Xbox. Il y a le F de Sony, le X Bref, de en tant Xbox. J'adore parce que gros il y a trois strats. Il y a moi qui fais le débile, il y a lui qui essaye d'expliquer, et il y a les ingés du chat qui sont en mode... Est-ce que ce qu'il dit n'est pas exactement vrai Mais bon, ce n'est pas grave, je ne vais rien dire. Il n'est pas totalement précis. Mais bah, il a prévenu <laughs> qu'il serait pas précis. C'est là où il y des fils de pute. Oh là là, il y a un truc, ça. par contre, quand il faut décrire euh, une relation sexuelle, là, vous arrivez plus à être précis, les ingénieurs. Hein. Alors là, la précision a disparu. Hein. D'un coup, on est dans l'abstraction la plus totale. Hein. Donc vraiment, commencez pas avec vos délires. Hein. Je suis dev web et vous me rendez malheureux. Mais attendez, les dev web, c'est pas les moins chers du développement. Genre, web, c'est facile. Alors que les vrais devs, ils font des logiciels de fou, des jeux et tout. Dev web, genre, vous prenez des templates euh, AOL là, et euh, genre, c'est comme forum actif quoi. Vous changez la couleur de la bannière, vous mettez une image et puis c'est tout quoi. Genre, vous avez des trucs de template <laughs> là. Mais c'est vrai ça. Bah, ils codent avec chat GPT aujourd'hui, donc t'as pas si tort. Très réelle race de fou. C'est exact, dealer, race. Oh. Oh, J'ai dit un truc vrai Dites-vous, on a quelques amis ingénieurs, OTA par exemple, pour pas le citer. Euh, on les voit au travail, hein. ça joue à TFT avec nous, les streamers chômeurs. Hein. En fait, la, la team TFT, c'est des chômeurs, des crypto-monnaies, des ingénieurs et des streamers. Voilà, ça, la team TFT hein, qui joue l'après-midi, le moment où les gens travaillent, ou étudient. Les dev web, c'est le fond de cuve. Voilà ce que c'est la team TFT. J'ai hein. dit un truc vrai de fou Vous vous rendez compte que je suis streamer et qu'un dev web ait passé platine avant moi. Parce que pas, je travaillais, moi, en fait. Parce que quand je stream, je peux pas jouer à TFT en même temps. Contrairement à ce fils de pute. <laughs> Lui, il peut jouer et travailler. C'est une dinguerie, moi, je ne peux pas faire ça. Enfin, si, mais il faut que je joue à TFT en direct, à la limite. Là, je peux travailler. Mais bon, est-ce que. Voilà, vous avez compris de la planète Reddit est un programme extrêmement populaire. Il a bien évidemment un API qui permet de faire énormément de choses et notamment permet. J'adore. T'as vu? il a dit je suis pas dev web, mais il a pas nié qu'il était placé sur TFT pendant ses heures de travail. T'es dev qui de chose, quoi. Mais il a pas nié euh... le reste. Voilà, vous remarquerez. Hein, ça veut dire que tout ce oh qu'a dit Dany est vrai. En hein. plus, il gagne peut-être plus de thunes que toi. Oui, en plus, dans les parties ben de TFD, oui, Il gagne il bien se sûr il plus de tunes que nous. Il a 4 voitures de sport. Il bouffe des côtes de bœuf tous les jours. Dès que je lui parle, il est là. Ah, oh, je suis allé dans un resto. Ouais, J'ai pris 6 bouteilles pas. de vin, 3 côtes de bœuf. J'ai acheté ouais. tel poisson. J'ai acheté 12 paires de Jordan. Ce mec a une vie de ça. Vas-y, bref. Je vous jure, c'est vrai en plus. C'est une dinguerie permet de faire énormément de choses et notamment permet d'exister à des applications hyper populaires comme Apollo. Apollo permet vraiment juste de se balader sur Reddit avec une interface un petit peu plus jolie et surtout en n'ayant pas les pubs. Et là, on commence à toucher au cœur du problème. Reddit ah. fait son argent grâce aux pubs. Okay. Et Reddit compte entrer en bourse bientôt. Et si tu veux que tes actions partent à un prix intéressant, c'est mieux d'être capable de Faut montrer que tu une boîte qui fait de l'argent. Il a, a compris. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, il a eu zéro sur 20. Ouais, il a eu 0 sur 20! Mais je croyais avoir compris un truc! Je croyais qu'avoir compris non, un truc! Mais t'écoutes pas la vidéo! Tu mais je croyais avoir compris un truc! Il fallait une API pour relier la bourse à Reddit et les pubs! Je croyais que c'était ça! Oh, oh, mais non, mais là, mais là, là, là par contre, là, c'est vraiment 0 sur 20 là! Ouais, mais mais non, mais. Oh! Ouais, c'est ouais, grave mais vous vous moquez de moi, moi. c'est compliqué! C'est compliqué! Ça se trouve, il faut vraiment une API pour la bourse et vous le savez même pas! Raza raison Ah un a... <laughs> Comme qui dit ça Par contre, <laughs> t'as réussi à le lire, c'est ça que je trouve fou ...des moyens d'augmenter ses profits. Et leur dernière idée brillante, ça a été « Bah écoutez, jusqu'à maintenant, notre API était gratuit d'utilisation. N'importe qui pouvait envoyer une demande, faire tourner le programme et récupérer une réponse de Reddit et ça coûtait rien. À partir de maintenant, on va dire que 1000 requêtes coûtent 24 centimes. » A votre avis, une application comme Apollo fait combien de requêtes par an Apollo. Bah je sais pas, Apollo dis par contre. Parce que Attends, vraiment... c'est quoi déjà Apollo Oh putain mais après tu suis pas la vidéo, ta gueule en Mais c'est quoi Apollo Lis le chat et ferme-la en fait. C'est quoi Apollo Il l'a expliqué il y a deux secondes, t'avais qu'à écouter oh, la vidéo. j'ai pas écouté, il me fatigue. Apollo c'est un Reddit qui permet d'aller sur Reddit sans les pubs. C'est genre euh, tweet deck, t'as déjà utilisé tweet deck C'est un tweet deck. Non, c'est euh, de un Reddit. truc pour les summars qui veulent voir qui les unfollow. Mais putain, je demande on pas un de 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 jugement sur tweet deck moi, Mais j'en ai marre en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de travailler avec ce gars, c'est insupportable, il comprend rien. Tu lui expliques un truc, il part dans un avis. Toujours tout. C'est une catastrophe. Un Follow fait 84 milliards de requêtes par an. À la fin de l'année, ça fait une facture de 20 millions de dollars. 84 milliards Qui est absolument impayable. Quoi et Apollo a. Ah ouais, j'avoue. Attends, ah ouais. attends, 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 attends ah, c'est cher attends. en fait. Quoi Vous aviez raison, le, le chat. Attends, quoi bah, Attends, oui. qui a gagné 20 millions dans l'histoire bah, C'est Reddit Oui, Reddit, ils font payer, ouais. C'est pour ça que euh, les gens veulent pas qu'ils payent et c'est pour ça qu'ils font une Place pour faire genre tout va bien. C'est des fils de pute. Immédiatement, ah, ouais. fermé. Le but de Reddit n'est pas de récupérer une partie de son argent en faisant payer les applications tierces. Le but de Reddit oh, est d'avoir un prix prohibitif et de faire fermer les applications tierces. Bien sûr publiquement, ils disent pas ça comme ça. Hein. Publiquement, ils disent "Oh là là, on a augmenté le prix de l'API parce que des gens utilisaient euh, toutes les informations stockées sur Reddit pour entraîner des IA." C'est terrible. Et attends, et attends, pas a attends Dani. De... Non, on peut pas faire une API qui rapporte 20 millions sur le stream en balle. Y a pas moyen de faire ça avec les gens sur le chat. Qu'est-ce qui comprend pas en fait Y a pas moyen de mettre un lien qui soit. Bah alors fais 84 milliards de vues. Arrête de me casser les couilles là. Attends. On est mieux payé que ça. On est mieux payé qu'à la vue, qu'à l'interaction. Attends. on Quoi Bah deviens Psy Sors un Gangnam Style et là tu pourras de croire euh, Space le président de Reddit sur parole mais le truc c'est qu'il s'inspire un petit peu trop de l'école Elon Musk en tout Space euh, rendre qui... <laughs> les PIe de la gauche en fait, le problème de la gauche, c'est qu'ils n'aiment pas s'intéresser à ça. C'est pour ça qu'en fait, les capitalistes restent les maîtres du monde. Vous êtes là à essayer d'aller... Vous pas vous faites des débats. Est-ce que c'est plutôt causaliste ou déterministe, Marx Vous êtes là à faire des débats qui que personne au lieu de vous intéresser à ce qui va structurer le monde de demain. Il est là, le putain de problème. C'est ça qu'il aurait fallu dire dans l'interview d'à gauche. Mais lui, il a préféré dire « Ah non, je vous assure, avant, je lisais Mao ». Et regardez ce Gogol, Il est capable de citer chaque putain de, attends, attends. de mouvement... Précis de gauche, avec de merde. Mao, et il sait même pas Mao, comment vous fonctionne. Tous dans des champs et vous fermeriez bien vos gueules. Et il n'y aurait pas d'histoire d'API. Ça serait un bol gros. de riz pour tout le monde, riche ou pauvre. Ça filerait droit et vous ne nous casseriez pas les couilles avec vos problèmes que euh, que tu de vois, LGBT et de féminisme. Bah, sauf que c'est exactement ce Elon Musk dit et ce qu'il va faire parce que lui, il comprend ce que c'est. Il va avec Mark Zuckerberg, ils vont t'attraper, ils vont te foutre dans un champ, toi, parce que tu n'as rien compris que tu es un gauchiste LGBT de merde. Et il va dire ah Tu vas pas nous casser les couilles plus longtemps que ça. Tu vas aller miner pour nous. Attends, attends. Bah oui. Ah ouais, mais non. Ah non, moi dans mon plan, je suis bah... pas dans ceux qui vont au champ par contre. Bah coup, alors hein, renseigne-toi C'est une carte. Mais moi je défends. Non, mais j'aime vos API J'aime toutes les API moi Gros, si la gauche comprenait c'était quoi le bitcoin, ça se trouve depuis. On aurait pu supprimer le français. Enfin, mais bref, vous êtes trop bêtes. Vous préférez être là. Ah, oh, vraiment, c'est pas bien bitcoin. Maman, maman, maman. Et allez, les le bitcoin Mais vous voulez décentraliser le bitcoin Attends, c'est quoi le rapport avec les. Attends, le... c'est du bitcoin les API Ouais, oh, C'est en bitcoin tout ça après, c'est vrai que je t'avoue que les conférences de Carole Fabre à Toulouse <laughs> sur les monnaies décentralisées avec 20 spectateurs avaient les mêmes problèmes que le reste de la gauche. Donc peut-être que ceci explique ah. cela. Mais, euh, mais voilà. Moi, je me souviens gros, tu Benjamin Sontag de la Quadrature du Net qui, avait, qui faisait des conférences dans tous les trucs de l'Ibris pour avoir un discours d'Ani Eras de l'époque où il disait... Les libristes, vous voulez que les gens arrêtent d'utiliser euh, les outils de Google, les outils euh, d'Amazon, de Microsoft, de Facebook, mais apprenez déjà à faire des logiciels qui donnent envie d'être utilisés par autre chose oui. que des golemons qui maîtrisent, euh, qui parlent avec leur leur, leur leur ligne de code là. Il disait ça à chaque conférence et les gens ils étaient outrés. Il prenait en exemple, il disait regardez Firefox et VLC. Tous les golmons comme Raz, ils prenaient ouais, une photo de Raz VLC, c'est ce bien. Voilà. VLC, c'est bien parce qu'il fallait pas installer de codec. Voilà. Moi, je ne voulais pas installer des codecs. Un supporter, vous étiez là, oui, non, puis il y a des skins et tout. Je voilà. me je, je cliquais et le film il se lance. Et en plus, VLC, tu peux, tu peux faire des trucs de Gaulmont, tu resynchronises les sous-titres quand ils sont pas bien synchronisés avec les Oui, si VLC, d'ailleurs, son argument, VLC c'est moche, mais VLC ça fonctionne. Tu, ça peux, fonctionne bidou de fou. tu peux bidouiller VLC. Si tu as envie de bidouiller VLC, lui disais « laisser la porte ouverte au bidouillage pour les amis euh, les plus informaticiens mais faites au moins une interface, parce que c'est la force de Windows, la force d'Apple, particulièrement Apple, qui a le système le plus fermé au monde, c'est qu'ils font des interfaces qui sont faciles à utiliser, qui font que les utilisateurs ont envie. Donc tout ce qui est UI, disait, faites des UI agréables. Et sauf que tous les putains... De, de mecs dans la salle, ils n'étaient pas contents Ah bah non, non, moi je trouve que Linux Mint, euh, euh, c'est pas un vrai Linux, euh, que Ubuntu c'est quand même trop facile d'accès et ils ont qualifié <coughs> Benjamin Sontag et le Framasov qui se battait aussi un peu pour ça, Ils les appelaient les Windowsiens du libre parce qu'ils voulaient faire comme Windows oh, c'est ridicule, alors que nous on est des vrais élitistes écrivant nos lignes de code, on dirait un débat pas du ring position revue mais version ah informatique ouais. C'est une dinguerie. C'est ça le putain de problème de ce monde. Et pendant et ce Ubuntu. temps, Apple dit Avec Apple Vision, vous allez faire ça et cliquer sur des trucs. Et tout le monde est là Je veux cliquer. Comprenez C'est des, des API Ubuntu aussi. Comprenez la différence entre la gauche qui est tout le temps chiante, casse-couille pour rien, à faire des quoi, Ubuntu détails dans les détails. Et là, bref. C'est quoi Ubuntu C'est une API C'est un truc genre VLC C'est un système d'exploitation. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire <laughs> Voilà, ouais. <laughs> attends, attends. Mais ça veut rien dire, système d'exploitation C'est dinguerie de dire ça comme ça C'est quoi <laughs> C'est pas une gros Windows, un système d'exploitation. Ah, c'est genre Windows Apple, iOS, bah, etc. Oui, fallait me dire c'est genre Windows, j'aurais compris tout de suite. C'est le Windows des gauchistes, en gros, Ubuntu. Bah non, parce que les, non, parce que les gauchistes radicaux, ils trouvent que c'est Mélenchon, que c'est de centre-gauche. En fait. Le monde du libre, ta révolution permanente, et <laughs> qui trouve que Ubuntu, c'est trop de centre gauche encore. Ah ouais. Alors que déjà, si tout le monde était sous Ubuntu, ce serait la 6 sixième république. Est-ce que vous comprenez les Parce que là, je commence à emmêler un peu tous les trucs. Mais est-ce que c'est clair ah ouais, Je fais des métaphores compris, politiques pour que y comprenne. <laughs> et du coup, pour les informaticiens, vous, vous avez des métaphores informatiques pour comprendre la politique, ça vous va ou pas Attends, mais moi, tu vois, c'est ça mon intelligence. Moi, je fais des trous de verre. Je fais des liens. Dans, dans le code... fait une API J'ai fait une API <laughs> Il a compris ce fils de pute Il a compris Il a compris ce chien Et vous voyez que je comprends tout Ah oh, Ça m'a rendu happy tout ça yeah 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 Salut c'est Daddy Eras c'est un truc que Elon a fait en premier avec l'API de Twitter, et il s'est passé la même chose. Énormément d'applications qui étaient hyper oh utiles pour les utilisateurs de Twitter sont mortes. Et euh, prendre les gens pour des cons et jouer sur la peur de l'IA à chaque fois que tu prends une décision qui est basée sur le profit, c'est aussi une technique de Musk. C'était la faute de l'IA quand les certifs sont devenus payantes, c'était la faute de l'IA quand le nombre de tweets visibles par jour a été limité. Donc, bon. Ouais, parce que Twitter, ils veulent pas, ils veulent interdire genre TweetDeck et trucs comme ça. Mais vas-y, bah, donne ton avis sur TweetDeck, vas-y. C'est un truc pour les gens qui veulent semer sur les gens qui les unfollow, TwinDeck, on est d'accord <laughs> ouais, ouais, Non est... Attends, oui. mais ça sert pas à ça C'est Ce, est la seule utilisation, je pense, que les gens font. Non Moi, je trouve ça dégueulasse, TwinDeck. Mmh, Spèze, euh, clairement, un jeune apprenti de, de Musk. Mais il y a une différence majeure entre Twitter et Reddit qui Reddit, plus que presque n'importe quelle société sur cette terre, tourne grâce au travail bénévole. Pourquoi Il y a autant de forums sur Reddit que de centres d'intérêt sur cette terre. Et pour chacun de ces centres d'intérêt, il y a un, mais la plupart du temps plus. Est-ce qu'il y a un Reddit Raz Oh, il faudrait qu'on ouvre notre Reddit, mais ça ah, doit de... 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 peut-être un gros. Bah non, mais personne n'aura fait un déni d'Alieras. Attends, un. attends, attends, y a Reddit moufette Quoi Il y a pas. Ça va, ça, ça va, va, ça, ça va. va j'ai eu peur, j'ai peur. ai trop le seum. Ça va, ça oh, va, ça va, ça va. Il y en a un, on est deux. Attends quoi Oh 60 oh membres. Ah, mais c'est juste nos vidéos en fait. Attends, attends, mais attends, faut qu'on fasse comme euh, l'un qui gros. Ah, oui, c'est que nos lives en fait, vu que il doit y avoir un bot qui publie nos trucs. Trois en ligne, crée une publication. Vas-y, crée. Et dis ça. Salut, salut c'est Dani. Et rase. Et crée un texte. Happy. Are you happy Oh, go le upvoter, les redditiens Go, go me upvote up ce post C'est comme ça que ça marche, non pour, gros. Danny, ou pas pour moi, Reddit, c'est juste des macronistes bizarres qui, qui écrivent des de pages en disant « On n'est pas sur Twitter, ici, on a un avis nuancé, Macron n'est pas si mal. » Pour moi, c'est ça, Reddit. Hein. Moi, je n'ai pas d'autre avis sur Reddit, pour l'instant. Salut, c'est Dany Et non mais attends la vérité gros faudrait qu'on se fasse un Reddit tous les gens ils pourraient poster des mèmes des trucs et on regarderait ce qui est upvote tu vois réel, comme réel, Racide. j'avais le meilleur avis sur Reddit c'est toi bah oui j'ai un compte oui après euh... <laughs> c'est toi ça Dani, attends c'est quoi ça <rire> <rire> Oh, légende Oh, légende, légende. Oui, c'est moi. Oh, légende. Ring Ringfit, Le ring con. Ah, le jeu, je l'ai vendu le lendemain. Le jeu, je l'ai je 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 remballé le lendemain. C'est de la merde, ce jeu. T'étais coincé Non, je me suis décoincé après. Mais il y avait un problème. Je te jure que ça n'a pas marché. La PI marchait pas. Non, mais en vrai, go remplir euh Mais Regarde, le... je suis pas le seul. Plein de gens ont eu des problèmes. Attends, c'est quoi, ça Oh, ils ont trouvé ton compte. Bah non, c'est pas mon compte, ça. C'est pas mon compte, hein. C'est hein. <laughs> quoi, ça J'ai jamais de cette balle. C'est quoi, cette musique de, 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 de moins C'est tout. Il hein. n'y a pas de copier-coller. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Il est là, il est là, il est là, attends, attends. Je t'avais envoyé un message, Raz, à l'époque, mais tu m'as jamais rep. Ah, j'avais jamais rep. Biro, Fluirouge. Incroyable, attends, on est d'accord que, que le truc qui fait Oh, vous, vous, vous c'est moi qui dis On est lundi C'est ça, non C'est une dinguerie, comment Gros, il y a transformé Gros, tu réponds les jamais, jamais à tes messages et après, tu te plains que les gens, mais t'es vraiment un fils de pute. <laughs> du coup, je t'ai mis un message, en fait. ouais, je t'ai mis un message vraiment qui va dans le sens de la musique, je trouve. Une en fait, Reddit, ils vont me ban. Je suis vraiment un mec qui vient juste pour manifester quoi. J'écris juste happy » partout. Euh, trop oh, bien. Vous avez vu. C'est ça qui est beau avec notre chaîne. Attends, euh, on, on revient sur le Reddit. Vidéos. On que... ira voir de temps en temps. Attends, opinion de la chaîne Dani oh. oh. Je ne sais pas si c'est long. Wow, je sens gros. Ça... Alors, Ask France, c'est catastrophique. Wow. Ask France Alors, je connaissais. Oh, T'as vu les pavés, gros C'est ça qui est wow, horrible. C'est que sur Reddit, avais, ils trouve. ont l'impression, ils sont pas sur Twitter, qu'ils sont nuancés parce qu'ils écrivent des pavés, mais c'est des avis souvent catastrophiques. Hein. Alors, alors je connaissais Dani, côté Dani j'ai j'aimais ses vidéos, même si aujourd'hui, il a tendance à revenir cette période. J'avais suivi l'affaire avec Raptor et je pense que ça a fait énormément de mal à Dani. Je pense qu'il n'est pas assez loin d'en finir à cause de cette. Hey, dose, frère. <laughs> Doser, ça va! Oui, ah, Raptor! déjà crever. Oui, Raptor. La dépression, c'est pas du tout euh, ma mère, euh, c'était vraiment Raptor. Oui, c'est 100% ça. Lorsqu'il annonçait son retour sur YouTube, j'étais très enthousiaste et heureux de savoir qu'il avait un peu remonté la pente. Ceci étant dit, Daniel et je peux pas. J'essayais vraiment, suivi leur live pendant un moment et j'ai arrêté lors de l'épisode où Usul est venu bourrer, balancer des dingueries. Pour le coup, ils n'y sont pas pour grand-chose. À la limite, on pourrait leur reprocher de ne pas avoir su couper court quand ils ont compris qu'il était bourré. Mais bref. Mais bref, ouais. Si j'ai arrêté d'essayer de les regarder, c'est pas à cause des propos d'Uzul. Non, ça m'a fait arrêter de regarder les lives d'Uzul par contre. Mais parce que j'en avais marre d'essayer de les regarder. Je trouve qu'ils sont devenus des prototypes de tweetos. Tu vois, ils se plaignent tout le temps des tweetos, les réditeurs. Turbo-gauchistes. J'aime pas ce terme, mais la flemme d'entre eux autre. À fond dans le virtuo-signaling. Toujours plus progressiste que tout le monde. Si t'es pas d'accord avec eux, t'es un nazi, turbo-bobo, aurait adoré avoir vécu une vie de galère tout en menant un train de petits bourgeois. Quoi Attends, parce que nazi, turbo-bobo, vie de galère et petits bourgeois en même temps, c'est mon rêve, c'est compliqué. Je comprends pas, je comprends pas, c'est pas clair. Ouais, j'ai l'impression que leur fonds de commerce, c'est le virtus signaling sans grand chose, façon le bouseux. Oh, c'est pas faux. Oh le bâtard Après, il a raison, on l'a vu tout à l'heure. Non moins creux quand même, et moins ordurier. Bref ce n'est que mon avis si quelqu'un lit ça. Merci de résister à la tentation d'aller checker mon profil pour me doxer, bisous. Vas-y go regarder son profil. Pour le doxer Ouais. Cher papa, j'ai attrapé un bon cochonou. C'est chiant, ça m'a saoulé en fait. D'accord. Attends les la okay. suite. Merci pour la ta... intéressant. intéressante. Serait possible de voir le lien avec l'épisode pour Azul Est-ce la chaîne qui a donné une tribune à Boutelja Quand c'est pas elle, c'est à son sous-fifre, Wissam oui, Gzelka, qui donne la parole et son pote avec lui. Et Rouillant aussi dans le lot. Boutelja, je viens de voir qu'il l'ont rencontré, effectivement. C'est pas sûr que ce soit eux. C'est assez entre exil dans cette chaîne. Du coup, j'ai un a priori très négatif. Quoi, c'est trop progressiste l'homophobie pourtant De Hubvot. Parfois pertinent, trop souvent insupportable. Et leur chat tweet, c'est vraiment la cour des miracles. Allez, oh le chat Nick et mère Ah, oh, le chat, oh, la cour je vais des miracles J'écris réel. Aïe, aïe, aïe. réel, par contre, sous ce commentaire parce que je le trouve que c'est le plus vrai. Je le upvote d'ailleurs. <laughs> Politiquement correct, pensée unique, dégoulinante, conformité et consensualité, la misère intellectuelle du moment, ça va plaire au boutonneux et au non genre <laughs> Ah, oh, le chat <laughs> les les ah, le chat de boutonneux et les longs Les de boutonneux C'est vraiment notre chat! Pour info, j'ai rien contre les uns ni les autres, chacun sa merde. Et ça, c'en est une, <laughs> une, fameuse. Moi, je les trouve souvent pertinents sur des sujets tels que la transidentité et l'islamophobie. Et parfois, ils sont très drôles. Après, je ne regarde que les best-ofs sur YouTube, j'ai 30 ans et je fais beaucoup de choses dans ma vie. Donc, pas que ça a foutre de les regarder parler pendant 4 heures avant qu'ils n'abordent éventuellement un sujet intéressant. Je ne regarde aucune chaîne Twitch d'ailleurs, ça doit être générationnel. Un tiers des utilisateurs de Twitch sont de la génération 25-35. C'est des, des c'est quoi ça ce débat nul là Ils luttent en faisant copain-copain avec Boutelja et Xelka, c'est ça Où ils essayent de faire comprendre à la gauche Gazlight par le printemps républicain que les décoloniaux ne sont pas les antisémites mangeurs d'enfants qu'on leur a décrits et qu'ils peuvent avoir un discours intéressant, notamment sur l'anti-impérialisme. Let's go Ça se voit, il écoute des best-ofs lui. Basé. Mélenchon qui rendait hommage à Charbe, il était gazlight. Quand il était contre le voile à l'école, il était gazlight. Quand Boutelja vient dégueuler son homophobie sur les pieds, oh, c'est les pieds maintenant, des derniers ras et qu'ils en sont tout fascinés. Eux qui fantasment sur toute cette radicalité, et qui gazlight qui Du peu que j'en ai vu, ils ont l'air insupportables, jamais entendu parler. Autant il y avait des idées du contenu sympa intéressant aujourd'hui, c'est Dany Raz parle de leur vie pendant 4 heures, ça devient vite rasoir. Réel. Après, il faut les prendre comme ils sont du divertissement pur, une boîte qui tourne, c'est à peu près tout. connais pas. Réel. <laughs> Dany rasoir. Ah bah, ben ça, <laughs> le rasoir. Hein. Toi, tu pas le rasoir d'Okam. C'est hein. quoi? Oh, non. oh allez, vas-y j'ai fait ça t'es de bon. le Vas-y, bref. En tout que cas, c'est notre Reddit s'il vous plaît. Hein. Mettez de des leur... trucs, hein. Vidéo. En plus qu'un modérateur qui s'occupe de la communauté, qui la gère, qui l'anime au jour le jour, qui font tourner le site. Et donc Reddit se retrouve avec cette masse de travailleurs, de milliers de personnes qui n'ont pas besoin de payer. Parce que leur business model c'est si un sujet est suffisamment intéressant, il y aura toujours au moins une personne prête à s'occuper gratos de la communauté gratos. Très bien. Maintenant, pour que ça, ça marche bien, il faut leur déléguer tout. Je veux dire, si tu dois mettre un, un vrai employé payé pour surveiller chaque modérateur, le miracle n'a plus lieu. Donc, il faut leur déléguer énormément de choses. Et donc, ils ont un pouvoir absolument stupide. Ils ont euh, un niveau de responsabilité et de pouvoir que quasiment aucune entreprise donnerait à des gens qui font pas partie de l'entreprise. Ils peuvent clore des sections oh entières du site, parfois des sections immenses avec des... Ah ouais, bon, finalement, c'est pas bien, du coup, les modérateurs de Reddit, là. Je vois déjà ouais. les espèces de flics mentaux que c'est, là millions de visites par jour, ils peuvent les fermer. Et ces modérateurs, ils ont débarqué en voyant les changements, en disant, bon, écoutez, euh, c'est bien mignon de vouloir se débarrasser d'Apollo et nous faire voir des pubs, mais nous, on avait besoin des API pour des trucs vraiment sérieux. On avait développé euh, des programmes qui nous permettent de savoir si un utilisateur a été banni sur d'autres forums pour euh, des propos racistes ou pour euh, de la sollicitation pour mineurs. Ça nous permettait d'assurer la sécurité des gens. Wow. Alors, désolé, mais là, ça devient... Autant, autant d'accord sur le truc des API et tout... Euh... Mais là, les gens, là, c'est un peu bah non là Reddit, là, en vrai. Moi, si j'avais des outils on parle, qui me permettaient de modérer, mais... en gros, là, ce qui se paye le plus, c'est les modos qui ont développé des API pour pouvoir bannir plus facilement les gens. Les modos des... des subreddits. Bah alors, des... on s'en bat les couilles de non. Des milliers, des milliers de personnes par jour, parce que en dix ans, vous nous avez jamais donné des outils pour modérer des grosses populations, donc on a dû les développer nous-mêmes. Trop libertaire mental pour moi. Les libertaires, c'est un... on a dit qu'on était libertaire dans la vidéo à gauche. Ouais mais il nous a insulté de communistes aussi. J'avoue, on a dit bah on a un peu un art <laughs> Ça a été notre réponse de okay. oh, putain. Oh, Après c'est le problème de la gauche aussi. Go lui, dire de, Go lui dire de pas la publier, c'est bon ça. Vas-y vas-y de... vas-y, on l'envoie MP, on lui dit de ouais. pas la publier. Ouais vas-y comme euh, Juan Branco. Vas-y vas-y fais-le. Comme Juan Branco on lui, on lui dit qu'on a des photos de lui avec euh... avec la bourgeoisie de Montréal. Avec Macron avec Macron avec Macron. Vas-y vas-y. Vas avec Trudeau. Avec Trudeau. Vas-y je lui dis on a des photos de toi avec Trudeau. On voit euh... que t'écris rien. Fais semblant au moins, taper un truc. <laughs> J'ai juste vu d'autres messages. Même, Bref. Et maintenant vous venez de les tuer parce qu'on peut pas payer l'API. Oui, Sam. Et donc il C est hors ça. de question que ça se passe oui. comme ça. Et <laughs> donc ça fait un mois que Reddit est à feu et à sang. Et donc Reddit, <laughs> qui est un site qui accueille 55 millions de visiteurs par jour, il y a eu des jours où il était à 90% en blackout. Où il y avait des forums avec des millions de visites qu'on pouvait pas accéder, qui sont passés en privé, qui étaient plus accessibles. Et il y a d'autres forums qui sont pas fermés, mais qui montrent qu'ils font partie de la protestation. Par exemple, le subreddit sur les images. Vous n'avez le droit de poster que des images de ce gars qui est un host américain. Ça fait un mois que vous avez le droit de poster que des images de ce mec. Et le subreddit sur les vidéos. On parle des images et des vidéos. Hein. C'est certains des forums les plus gros de la planète sur les vidéos. Vous n'avez plus le droit de poster des vidéos. Vous avez le droit de poster le texte qu'il y a dans les vidéos, et c'est tout. Donc voilà où on en est. Et la situation est intéressante parce que. Je ah comprends ah. qu'il veuille faire plus de profit et aller en bourse et enfin commencer à gagner de la thune, tout ça, tout ça. Mais à moins d'être brillant, les solutions qui ramènent beaucoup de profits d'un coup sont généralement... Tu des... trouves pas qu'il a un appart de vendeur de bitcoin, euh, The Great Review T'sais, Tu sais, il a un appart crypt vide. crypto bro, lui. Il a, il a un appart vide avec une plante. Moi, à chaque fois que j'arrête une vidéo d'un mec qui, qui disait dans quoi investir dans la crypto, ils ont des apparts vides parce que ça se voit, ils ont tout mis dans la crypto et ils ont une plante. C'est fascinant, ouais, un peu, je trouve. Des solutions hautement impopulaires et Colin Elon Musk, encore une fois. Le truc c'est quand ton site tourne à 99% sur du travail bénévole, il se peut que t'aies pas le droit de prendre des décisions hautement impopulaires. Ok, j'ai rien compris moi de toute façon. Bah il a expliqué le contexte, mais j'imagine que comme la coupe du monde et tous les autres trucs, euh, les gens ils vont s'en battre les couilles. Euh... Regarde notre édit vite fait. Coucou, je suis de gauche. Oh non. Donne vote. Aya, Ansar, Rise <laughs> Flop. Oui, j'ai vote comme un vrai réditeur. vote. Bitcoin. <laughs> ça, j'ai Ubvote. Yes, yes. Salut les frérots de Snap. Tingri. Cuc. Basé, Girlboss. Basé. La vie catastrophique de Danny. Oui. C'est ici, la oui. gauche no cap. Bravo de vote, ça. Bravo, grâce à vous, je maîtrise la pi. One two free f... f... putain. Pff... Prout, prout, le vieux. C'est quoi ce trait de de, de, de Vous pensez quoi de Dany <laughs> ouais, mais vraiment c'est En fait, notre public est vraiment trop Il y a notre pas eu d'autre quoi. Oh, non. <rire> 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 Salut, c'est Dany Eras. <laughs> Quoi? J'ai même pas compris? Palestine. Ah, mais attends, c'est pas d'Aliera, c'est notre truc à la con. Ah bon? Bah, je crois. Non, c'est Ah non, c'est notre truc. J'ai même pas compris la blague. Ah, c'est en mode les trucs, ouais, ok. J'ai pas compris. C'est peut-être de ouf que j'ai. Arracher les Twittos, on reste avec les frérots sur Reddit. Nous on bosse même le week-end pour vous prendre le pouvoir. Vous n'êtes pas prêt niveau d'un seul. Ah <laughs> oh, ça je vote fort. Attends il faut voter. Attends attends. attends ouais, -vote, -vote. Ça ça vote ça. Ça, ça. ça c'est bien ça. Ça, ça, ça c'est légendaire. Ça j'ai pas compris. <laughs> Quoi Quoi Attends pourquoi y a... Attends il faut quelqu'un qui nous modère ça. Pourquoi il y a des trucs de nazis. Oui il va falloir. Attendez. Euh, par contre il y a quelqu'un qui comprend Reddit. Il y a quelqu'un que qui sait que... utiliser Reddit. Et qui voudraient bien supprimer les trucs racistes attends. et les trucs à What poil. What mature times are posted about or discussed in Danieraz Alcool et tabac, oui. Drug use, oui. oui. Gambling. Gambling, bof. Gun and weapons, we Militaire et conflits, un peu, vite fait. Ok, Nuditi, Non, pas de nudité pas Interdisez Profiti. les trucs de cul Violence, non. None of the above. Ouais, bon, on verra. Non mais attends, faut attendre un peu euh, que la communauté se construise. Ouais, ouais, c'est ça. Bref, je compte sur vous <laughs> wow, c'est déjà un peu éclaté et un peu génial mais ça par contre c'est ça, ça c'est celui est extraordinaire celui-là est extraordinaire ça c'est très très bien bref oh, je suis trop euh... heureux qu'on a un reddit oui on y retournera plus tard non ouais ouais euh... ah oui vous avez vu les frérots de snap les frérots de snap <laughs> on est obligé. attendez je pense que vous certains vous l'avez vu chez ça ou pas non mais juste le début à Paris. Après, on va pas regarder la vidéo en entier, mais les gens. Oh non, mais en fait, même cette vidéo, je trouve il y a des choses à dire. J'ai eu le temps de digérer mon avis là depuis que j'ai vu la vidéo. Je suis passé de l'émotion à la raison. Vas-y. Vous, vous savez, c'est la fameuse vidéo du canard là qu'ils étaient en préparation euh, suite à, à leur avis extraordinaire sur l'entrecôte. Pile au moment où je baille quoi. Bloc doute, canard réfractaire. J'imagine. <laughs> là, pour l'instant, on est sur la bouche de métro, mais le moment où il va y avoir le Parc des Princes, ça va être euh, Peut-être qu'on va croiser Kylian. On ne sait pas. Hein. Peut-être. Hein. S'il y a bien un endroit où il est, c'est ici. Hein. Quoi Kylian Mbappé. Oui, mais il est con. Oui, je pense qu'il va pas le non, croiser. C'est une vanne, c'est une vanne, ça. c'est oui, une, van, une petite vanne, c'est en mode détend l'ambiance. Après là, en gros, c'est donc euh, canard réfractaire vient à Paris. On va voir ce qui va se passer. Alors attends, 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 quoi, reviens. Pourquoi il a un short d'intermittent du spectacle Mais ouais C'est quoi ce short de, 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 de Golmon là Qu'est-ce qu'il a fait Le mec, fait il est venu avec ses bolas dans son sac. <laughs> Qu'est-ce qu'il a il va sortir des. Il va sortir des trucs pour jongler. Il a un net des de clous clou, là, c'est. Alors, on était le 9 juillet, c'était le jour de mon anniversaire. Et pour fêter ça, Debbie m'a emmené voir Paris. T'as pas du tout. Ah, J'ai envie de raconter le spectacle de Yacine en Allemagne. Non, non, non non. non. non, non. <laughs> ah, c'était sublime. Le stade, hein. on t'a menti. Hein. Le parc des princes. On a sauté le petit déj pour y aller assez tôt le matin. Et c'est vrai que Deb s'en fout total du foot. Attends, mais il moi. A dit le parking des princes Attends, attends, attends. Je... On a sauté le petit déj pour y aller assez tôt attends. le matin. On t'a menti, hein le, le parc des princes Alors ça va j'ai vraiment entendu le parking des princes Je suis devenu fou On a sauté le petit ah, déj pour y aller assez tôt le matin Et c'est vrai que Deb elle s'en fout Total du foot Mais moi je voulais absolument commencer par là Notre visite de Paris Le stade du PSG Celui de Paloeta, d'Ibra, de Mbappé Paris c'est le foot avant tout Et gosse j'adorais ça le foot Vraiment j'adorais C'était à l'époque de Ronaldinho, de Henry Le début de Ribéry, le prime d'Alexander Frey Et même Pedretti en équipe de France Pour vous dire à quel point c'est vieux Je jouais au foot dans un club je regardais tous les matchs à la télé et je cumulais aussi les milliers d'heures sur Pro Evolution Soccer sur PS2 et PSP, le meilleur jeu de foot de l'époque. Tu regardes quoi 34 euros la Tour Eiffel. C'est le PSG, hein Après, ça a l'air de... de la bonne qualité, mais. Ça coûte 140 euros. Ouais, bah après, ah, vrai, y a, attends, officiel, là, c'est les plus chers, il des moins chers, il y a les dry-fit ils sont moins chers. Eh il oui, y, y a du Falch, il y a du false, ultra franchement, les le maillots de foot en Falch, il y a des trucs vraiment propres. Bah, hein, même même, tu as là, quasiment sache... la même qualité quoi. Ah oui, de fou, de fou. Après, moi, je préfère la version dry fit hein, en général. La version, la version, elle s'adapte à la musculation. <laughs> Ça te voit, elle est trop bien. <laughs> Et puis il est arrivé le 9 juin. Après, euh, on va une cagnotte pour m'acheter un Mario du PSG. Juillet 2006, c'était il y a 17 ans et je fêtais donc mon dixième anniversaire. Et j'étais un très très grand fan, comme beaucoup de gens à l'époque, hein, de Zidane. J'avais dix posters de Zidane. Pourquoi Parce que Zidane en équipe de France portait le numéro 10, ce maillot que Zidane avait décidé de remettre une dernière fois pour sa dernière compétition et même son dernier match ce 9 juillet 2006, le jour de mon dixième anniversaire, celui de la finale de la Coupe du Monde de football. On voit Zizou. Oh Oh la, la légende, la légende, hein. Passa, pas, pas ça du tout. Pas oh juste que tu as ça. Fait. Oh non, oh non, pas ça. Et après on a perdu gros. C'était quand même. C'est une dinguerie. Ça, ce... hein. ah, je me souviens encore. Je me souviens encore quand j'ai vu ça. C'était euh... choquant. Après, donc, il pas... avait qu'à pas insulter sa meuf, hein. Ouais. Maintenant, non, pas après tout ce que tu as fait. Des fois, il y a des choses qui sont tragiques, surtout quand tu les regardes à la télévision. Et c'est pareil quand tu te rends compte, par exemple, je dis ça, je dis rien, que le parc des princes, vu de l'extérieur, bah, c'est juste un, un immense bloc de béton, quoi. Ouais. Les choses déçoivent. Et il allait être fait en. Attends, attends, fait attends, en attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il s'attendait à trouver Peut-être qu'il voulait le voir en chocolat euh... Attends, mais c'est. Ah peut-être c'est des gens ici qui dans Minecraft, tu peux faire les maisons avec euh, de la terre, je sais pas. Un truc plus beau. C'est pas clair son avis, sur... c'est un, un stade quoi, et puis c'est pas le plus moche en plus. Le stade malherbe avant qu'il soit refait, pas. Et même maintenant qu'il a été refait. Euh... Mais ouais, ok. Yannard a dit on aurait dû faire mourir plus de gens pour construire des plus beaux stades. C'est ça son avis. Il a raison, <laughs> c'est un des plus moches stades de tous les temps, les frérots de Snap, dites-lui. Ah bon Ça, c'est le plus moche stade Je crois que t'as pas vu certains stades. Euh... Bah attendez, vous rigolez. Parce que Juste, ça tu va, regardes, même quand... à Paris, tu regardes le stade Charletti, il est mille fois plus moche. Après, oui, bon, écoute, pourquoi pas. Mais c'est un stade, Vraiment, mais... en fait, que le stade soit moche, c'est pas ça le débat. C'est qu'il soit en béton, c'est ça qui le choque. À partir du lycée, j'ai arrêté de m'intéresser au foot parce que j'avais trouvé autre chose, la politique. Je me suis retrouvé sur internet ah. à mater tout ce qui traînait, à avoir mes premières opinions, à lancer même un journal avec Nico si tu te souviens, à organiser mes premières manifestations. La dénonciation, l'action, la révolution, la lutte des classes, mes amis changent, on a nos idées, nos valeurs, tous ces trucs auxquels on croit. Ah, il a quitté les frérots de snap à ce moment-là, avant il était dans les frérots ah. du foot. Il Après, était avec les frérots réel. du foot. Et là il est passé au gauchisme, mais c'est un peu vrai ça. Hein non mais ça c'est réel, ça je comprends son truc de dire je me suis déconnecté de ce qui me faisait kiffer quand j'étais gosse à cause du gauchisme, ça je suis d'accord avec lui. Croit et qu'on n'arrive pas à transmettre aux autres. Du coup bah on zone entre militants, rarement dans les orgas, toujours avec de nouvelles angoisses, la guerre, l'écologie, le pouvoir. Vouloir tout changer pour au final juste se déclasser, et encore. Fini le foot, vive les grandes idées et les grandes ambitions. Je deviens trop un télo, militant insupportable pour rester avec les prolos, donc tu diras peut-être à deux... Ça c'est de ma faute, ça c'est répondre sur internet, ça c'est totalement mais après, ma faute. après c'est bien, oh, il a le droit de parler de ça Non mais, mais c'est totalement ma euh, faute T'es un gatekeeper, c'est tout mais Non, je, je trouve que c'est de ma faute. T'es un gatekeeper oh. Ah non, mais je, je suis prêt à expier oh, mes Mais c'est pas la partie désastreuse de sa vidéo en je fait Je répondrai devant Dieu. Deux doit de devenir bourge, et bah pas vraiment en fait, dans un entre-deux un peu bizarre, hein, puisqu'on a fait une colloque à quatre militants à Rennes, sans qu'aucun de nous des deux thunes. Donc on se retrouve à voler au Leader Price, à gratter des cours particuliers chez les riches, et on n'a même pas assez de thunes pour te dire pour prendre le bus. On reste alors trop edgy, trop pauvre, trop cramé, trop popu, pour nous déclasser réellement. On popu. a appris... Popu Popu, c'est quoi Popu Popi Popi 3 Popi 4 Compoyordel je sais pas. A dénoncer la société. Populaire. On... Populaire ah, Pop... ah, bah oui. Ah, Le play Il <laughs> va faire du play dans cette vidéo. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. On n'arrive plus à vivre dedans. On se désocialise un peu, mais on se déculture surtout parce que bah on parle plus de foot quoi. On parle plus de foot, c'est terminé tout ça. Parce qu'on vaut mieux que ça, non C'est ce qu'on disait à l'époque, on vaut mieux que ça. La balle est valide la balle est valide de fou il a raison la balle est valide de fou Dani. rappelle que c'est toi qui as inventé ce slogan de merde la balle est valide de fou désolé la balle est valide sa mère tu vois qu'à la base en plus j'ai réussi à imposer qu'on mette le terme valeur il y avait eu des débats mais la valeur c'est pas pire j'ai dit oui mais justement ce qui compte pour les prolos c'est quand même la valeur genre le sentiment de dignité et c'est ah tu as raison Dani, c'est vrai c'est intéressant non mais j'ai pas vu ça comme ça wow, ouais. ça a failli être pire que ce que c'était quoi ah ouais pierre l'or, bah c'est la gauche, les gens, moi, c'est... Bref, à ce moment-là, c'est toi le slogan « vaut mieux que ça ». Je suis trop heureux que les gens découvrent ça. ça aurait pu être « On mieux que ça », oui, pour pas être problématique. Les gens, de toute façon, le jour où j'ai vu le, le tweet euh, « Nuit debout », c'est un terme validiste parce que certains sont en fauteuil j'ai fait c'est ce jour là en vrai je vous jure il y a eu beaucoup de choses ouais, la y a un gauche, truc qui s'est brisé qui m'ont dégoûté mais c'est ce jour là où j'ai fait vas-y c'est bon quoi genre la drogue c'est bien la drogue on va on va intérêt spécifique la drogue maintenant et c'est je vous jure c'est ce qui s'est passé hein. c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment là on en fait des caisses du storytelling c'est vraiment juste ça s'est basé Là, il y a plus grand chose qui n'a vraiment de goût. Alors oui, il y a des choses qui déçoivent, hein, genre la finale de la Coupe du Monde 2006. Mais il y a peut-être des trucs aussi qui sont moches et qui sont riches. Mais là, il y a peut-être une explication. Attends, attends, c'est quoi cette info Le PCF, il disait on veut mieux que ça avec le E en majuscule. Waouh, le PCF qui vous a pris le slogan pour dire ah non, on ne vaut pas, on veut mieux que ça. Waouh, ils auraient écrit votre slogan en mode somme. C'est très PCF de faire ça. Hein. Ah euh. oh bah je leur laisse ça. Hein. Ah oh ouais qu'ils le prennent. Les frérot, vous pouvez faire tous les recons du stream, on vaut mieux que ça, euh, cagnotte pour je sais pas quoi. Piquet de stream, tout ce que vous allez voulez. Allez-y là, ouais, ouais ouais ouais. Moi je vous laisse cette idée, hein. vous démerdez, allez faire... Ah ouais, euh... ouais. Voilà. Mais attention à l'intérêt spécifique drogue que ça peut créer après. Parce que c'est vrai que le stade, là, le parc des princes, c'est juste du béton, mais si c'est moche et que c'est juste pour les riches, peut-être que c'est juste parce que c'est Paris Saint-Germain en fait. Attends, 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 pause, attends. attends, attends. attends, 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 attends. Le stade Quoi de France... Il n'y a que des risques qui vont au stade de France. Il y a quand même pas mal de frérots de Snap qui euh, claquent euh, l'argent qu'ils ont pour euh, aller au, au, au parc, stade des de princes, France, oui. parc des princes. Parc des parc princes, parc des princes. Oui, bah, oui. oui c'est pareil, on s'en fout. Mais du coup, le Parc des Princes, c'est un stade de riches. Ça a cher. Ah, mais par contre, c'est cher. Non, mais attendez, mais moi, je ne vais pas au Parc des Princes. Mais peut-être qu'il n'y a que les riches qui vont. Moi, j'en sais rien. Je vous pose la question. Le prix des places aujourd'hui. C'est en bourgeoisie avec le QSI. QSI Ah, ça se voit c'est un ultra merde mais, mais je comprends rien hein, votre bail c'est presque que des abonnés à l'année. 1400 mort, 14 mais qu'est-ce qu'ils disent <laughs> Ça me fait trop rire qu'ils aient pris ça en plan. <laughs> Vous savez qu'on les vend à Rennes euh, ces journaux aussi Genre euh, moi je suis allé dans des gares et il y avait ces affiches là partout en France. Non Le PSG veut se barrer à Poissy ou au Stade de France. En fait c'est intéressant de regarder les kiosques à Paris parce que du coup genre le truc qu'ils mettent en grand là comme ça, c'est toujours le truc qui est intéressant pour les gens, c'est le truc qui va vendre. Et là d'un coup vu qu'on est genre dans le cinquième et tout machin dans un quartier de Bourges, forcément le truc qui sort c'est genre les trucs de conseils de notaire, machin, pour se faire du bif sur l'immobilier. <laughs> Mais Oui pourquoi pas. Pourquoi pas moi je suis <laughs> même à Saint-Denis ça oui oui non mais les gens je non mais après il y a un peu de territorialisation sur, euh, sur les PLV les mises en avant euh, dans les kiosques et tout c'est pas complètement con globalement c'est ça quoi genre assurance vie ou contrat de capitalisation blablabla enfin euh, bon voilà quoi non mais en fait tu sais que t'es dans un quartier de Bourges quand tu vois des magasins comme ça genre qui peut acheter un canapé comme ça qui non, tout est design, tout est giga luxe. Qui peut acheter ça, les gens qui habitent ici, en fait, c'est tout. Regarde, regarde, regarde. Guéridon, là, guéridon, 1463 euros. Cette merde, là, le tabouret, là, avec le truc en. Faut pas lui parler de. de euh, des boutiques Louis Vuitton, <laughs> des boutiques Dior. Bah ils vont en parler après. Danny, mais après, quoi, Danny, oui. Vous croyez que j'achète des guéridons à 1600 euros En plus, c'est plutôt rase hein, quand on a envie de s'acheter des meubles comme ça. Ouais, un peu. T'es un ouais. peu bandeur, toi, de meubles chers. Un peu plus que toi, ouais, je pense. Mais euh, j'ai pas la thune. Dany aimerait bien, mais non, moi, jamais de ma vie, je mets ça Non, chez vous bon. vous trompez. Non, en vrai, quelqu'un qui pourrait. Qui, euh... qui, de nous deux, celui qui pourrait acheter des meubles un peu débiles, chers, c'est moi. Après, j'ai pas la thune, donc je le fais pas. Mais si j'avais plein de thunes, ça fait le genre. Après, j'achèterais pas cette merde-là. Mais j'achèterais des trucs bien. C'est un plouc Dani. Oui, vous oubliez trop, Dani. c'est un plouk. Vous oubliez trop, Dani, il a des goûts de prolo, les gens. Genre, je lui canapé, oui, je l'ai Regardez son sur internet, canapé de merde, oui. là. Regardez son canapé de acheté merde. c'est sur là. internet, il vaut Ça, pas... c'est un canapé de prolo, c'est vraiment en mode. Oh, regardez ma télécran bah, ah, oui. et mon canapé, un bah, peu. Euh, moche. Moi, j'ai voulu un canapé voilà, où je pouvais m'allonger, quoi. C'était mon rêve, une grosse télé, un canapé où s'allonger. Voilà, c'est mes goûts de, goût de prolo, quoi. Bah, c'est le dream, gros. Oui, non, mais moi, je dis pas que c'est pas le dream, juste que t'as des goûts de c'est tout. Le chat, est pas précis, point. T'as le mais même euh, pris ouais. sur le bon coin. Ouais, en fait, mon plaisir c'était d'acheter un canapé neuf, en fait, de pas récupérer un canapé de squatter avec des punaises du lit, en fait. Euh. C'était mon plaisir exact. Après, je vous assure, écoute Badr Il est grand. C'est ça le bonheur. Mais ouais. Mais non, euh, mais fond, après, oui. Fous, hein. Non, mais après, tu prends les les, les quartiers où il y a full galerie d'art, où il y a full magasin de design, etc. Oui, ok. Euh, c'est des trucs où il y a que les bourses qui viennent acheter d'accord ok mais une fois que tu as dit ça tu t'as rien dit quoi et genre enfin ouais je sais pas moi je je vois pas l'intérêt en fait euh, oui d'accord surtout que bon après c'est plus après que je trouve ça encore plus désastreux ouais j'aimerais bien euh... leur montrer mon meuble <laughs> il est tellement sais les meubles chinois de merde où j'ai mon mon étagère elle est de travers comme ça le meuble que j'ai là-bas il est joli hein mais je peux rien tu mettre de monté non non il était mal fait de base je l'ai acheté sur les sites euh... Des sites chelous c'est pas cher, là. Je payé 40 euros, gros. Euh, pour un meuble de base, euh, j'ai pas envie de claquer une fortune. Le seul que j'ai pris, les gars, là, c'est les grosses... Tu euh, sais, les, grosses, euh, les grosses armoires avec les gros tiroirs. Parce que je trouve qu'ils ont des bons tiroirs. Et le meuble télé. Parce que... Euh, les meubles télé, ils sont solides, tu vois. C'est le seul okay. truc. Et c'était ultra ouais, ouais, cher ouais. à monter, j'avais envie de crever. Voilà marbre dessus. What the fuck Quoi t'as acheté car mais non mais je peux quand même mettre des trucs dedans mais c'est juste que s'est mal fait quoi. Même les poignées elles sont design, même les poignées de la boutique sont design, c'est quand même un délire. Genre qui fait ça Pourquoi Attends quoi Non mais là là, là je... Ok sur les meubles et tout, t'es choqué les meubles Mais les poignées mais c'est quoi ça C'est quoi cet avis de, 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 de Gaulmont là Non mais les poignées Allô bah, surtout... <laughs> c'est juste des poignées! C'est des poignées un peu bois? Design, non, mais là, c'est. En plus, il a un peu, peu gaze, elles sont toutes abîmées et tout. Mais, mais en fait, j'ai l'impression, genre, c'est vraiment. Regardez, il y a des boutiques chères à Paris. Oui. Mais j'en ai déjà vu à Rennes aussi, des boutiques où ça vend des babioles, un peu de merde, super cher. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont dans un RP bouseux de la campagne, qu'ils sortent de la grotte, de l'ermitage. Genre, on a fait un reportage, on est allé prendre des ermites qui sont jamais sortis de la civilisation, on les a rasés, on, a, on leur a fait un shampoing et on les a déplacés. Euh, à Paris, ils sont en mode la civilisation, c'est vraiment très bizarre. Pourquoi les gens prennent le métro Waouh, attention, les rues, il y a des magasins un peu chics. Alors qu'en vrai, de vrai, il a dit J'ai vécu à Rennes en coloc. Ouais, Rennes, il y a des, des, des C'est quoi une ou... grande ville quand même Genre, je. Allô non, mais après, en vrai, après, en vrai, bon, oui, ok. Messieurs, dames, non, mais. En fait, moi, le truc, c'est que je crois. Elle, elle est parisienne. Tu sais, à la limite que lui. Merci si dans ce rapport à Paname, je peux comprendre, mais c'est une parisienne. Quand tu connais Paris, ça te choque pas ce truc-là, je ne sais pas. Mmh, Bienvenue. Peut-être que je suis délu, hein, mais. Euh... Au quartier Saint-Germain-des-Prés. 20 000 euros le mètre carré. Mon appart que je loue voudrait plus d'un million dans l'un Ça, c'est ces le logement, ça. En fait, déjà, il y a un truc qu'il faut comprendre à Paris c'est que les gens qui vivent dans le quartier, les gens qui fréquentent le quartier, déjà, c'est deux trucs turbo-différents, en fait. Tu regardes même par exemple le Marais, par exemple. Le Marais aujourd'hui c'est devenu euh, un, un réservoir Airbnb. Il y a plus que des bourges euh, qui vivent dedans, etc. Mais il y a tout le monde qui y va, même d'autres endroits à Paris, tu vois. Genre, euh, genre vraiment, genre quand tu vas, il ben, y a plein d'endroits en fait. où rien que les touristes. Mais même, même, même les gens de Paname qui vivent en banlieue ou qui vivent dans Paris Nord, les endroits Merci un le peu pas il... chers de Paris, etc. Ils vont aussi dans des quartiers comme As quoi. Genre. Euh... Il pense que Poésie, c'est pour, pour Saint-Germain-des-Prés Peut-être. Au 6 arrondissement, vrai, genre, où Macron a fait 46% au premier tour, Zemmour 10 et Pécresse, pareil. Genre, les gens qu'on croise, on le regarde de ceux qui ne deviendront jamais nos potes. Bah attendez, là, par contre. Déjà, moi, je suis sûr, il y a des touristes dans le tas, là C'est des gars en shorts à Lacron. Ah, le on mec avec première... son petit pull, là. Ah, là À la limite, lui, je le je veux bien et instinctivement on se ah bah en plus là, là où ils sont c'est vraiment pareil que les go qu'est ce que c'est que ce ssc oui de fou je pourrais non, mais en si plus tu... là c'est pas le bon endroit dans le sixième genre en fait là ils allaient deux rues plus loin en sortant des grands axes, là, tu es dans, dans les endroits où il y a que des bourges, où il y a que des logements. Là où ils vivent pas loin, même là, il y a Sciences Po et tout, machin, etc. Mais en fait, là où c'est content, c'est qu'ils vont à des endroits où tout le monde passe un peu, et tout le monde va un peu, et notamment si tu veux parler des bails, de gens qui ont pas tout ça, mais le nombre de gens qui vont à Saint-Germain, qui vont dans le sixième ou je sais pas, dans ces rues-là pour aller boire un verre dans un endroit un peu sympa, parce que c'est la carte postale, mais il y a de tout qui fait ça, en fait. Genre euh, genre je sais pas, je trouve que c'est genre je, je sais pas, c'est oui, OK, c'est un quartier de Bourges, mais c'est pas l'endroit le plus moi franchement, tu vas dans le 16e. Tu vas dans les rues vraiment turbo habitation du 16e. Où tu vois personne. Ouais, Et tu les, vois les juste fermés, là. Gisèle, voilà Gisèle Chantal qui sort de sa rue privative avec un chauffeur qui l'attend dans une rue où il y a aucun passage, impossible de trouver un bureau de tabac, même dans le même dans septième, tu vois des endroits comme ça. En fait, ce qui est choquant dans les, dans les endroits où c'est vraiment les bourgeois, c'est qu'il n'y a personne, c'est que c'est des quartiers qui sont vraiment faits pour ne pas être fréquentés. Oui, les prolétaires, soit tranquille, genre même les touristes bah les que les bourgeois... tu verras, c'est des livreurs, quoi. Des, des chauffeurs, des livreurs, c'est ça. Le train les live, par contre, on va se faire oui, le train live. Les vrais quartiers de bourges non, on va morts, baiser, en là. Fait. Genre, là pour un quartier de bourges il y a trop d'activités. Même des vrais bourges, des vrais bourges, ils veulent pas vivre dans cette rue, je vous jure. Genre, c'est genre, c'est des bourgeois, ils vivent cachés de ouf. Les vrais bourgeois, après, ici le logement est inaccessible, mais faut vrai, moi, faut un Merci, truc sur Alastasia. Paris. Faut pas confondre Merci qui Azor. vit dans le quartier et la vie du quartier. C'est pas ça a pas Marie. forcément selon les quartiers. Merci ça a Chacal pas Ligo. forcément un rapport entre les deux. c'est pas question forcément question relié. Il y a des quartiers où c'est relié, mais des quartiers où c'est pas forcément relié. C'est vraiment un truc bizarre à comprendre sur Panam, mais c'est vraiment un vrai truc. Merci à Paris version Jean. gauchiste un peu. Ah non pardon, j'ai cru que de l'Orson. <laughs> bah pas merci à l'oreille de Pigeon. Merci pour ton message mais pas merci pour euh, l'argent. Merci Goldring Goldig, 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 Gringo. Ah c'est devenu Laurent Dodge. Ah, va Iliès t'as le même avis que moi Iliès c'est la seule personne que je connais qui est le plus bandeur de Paris, c'est Cassandre et toi. Vous êtes les deux personnes vous faites que bander Paris et tout Paris. Justement. Oui, en je cas, suis d'accord. Tu okay. parisien dans une certaine tierliste. Hein. Donc euh... bah oui. Regarde, pardon, avec... désolé. Non mais surtout, là, moi je suis désolé, mais je vois Deb avec des gros yeux. C'est un monde. Michel les vrais Touriste, bourgeois ne vivront jamais étranger. sur cette grande artère de Saint-Germain où il y a des Starbucks et des McDo fréquentés par tous sauf des bourgeois. De fou. Et les trucs le plus bourges que tu as c'est des touristes qui ont un peu de thunes et qui font leur voyage à Paris et qui veulent voir Saint-Germain-des-Prés quoi. Et genre aussi, moi vraiment, quand je suis arrivé à Paris quand j'étais jeune, l'un des premiers endroits où je suis allé en mode débile, c'est Saint-Germain-des-Prés. Genre, es en mode, ah, c'est ce truc un peu légendaire de Paris, tu sais, tu y vas, tu vas voir, tu vois, et ça peut être décevant en partie. De dire, ah, en fait, c'est un peu des magasins nuls. Et, bah, après, il et y a des vraies boutiques où c'est un peu rush. Mais oui, oui de, foot, de fou, de fou. Bien sûr. Non, mais en fait, il faut jamais oublier que Paris. En fait, c en, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est leur espèce de regard bizarre de tout le monde qui marche niveau. dans Paris ouais, ouais, est un est bourgeois. Ça. Alors que bah là, ce que je vois surtout, c'est des touristes en shorts, des gens qui se baladent parce que c'est l'été à Paris qui s'en battent un peu les couilles et vraiment des gros bourgeois hier avec Raz on a été boire un coca zéro à un moment dans un bar avec des vraiment des turbo bourges je vous ah assure ouais. ils avaient à pas vagram, ce look les gens. pour ceux qui connaissent un vagram ils avaient, vagram, hein. ils ils là, avaient pas là, ce look là chose, hein. ils avaient vraiment pas ce look là euh... genre c'était un autre euh, tiers de richesse on l'a senti tout de suite merci le... déjà t'arrives à un café de voiturier. Flore où le café à 12 euros est essentiellement fréquenté par des touristes mais de fous les bourges ils vont pas au café de Flore les bourges, ils vont... Euh, Café de Flore, ils vont une rue plus loin, euh, rue des Beaux-Arts, euh, dans l'hôtel euh, euh, où, euh, où était Oscar Wilde, euh, prendre des cocktails à 25 balles. Je sais, je suis allé plein de fois. Euh, endroit incroyable, full marbre. Euh, mais voilà, quoi. genre, genre non, En fait, c'est pas la bonne rue. En fait, en vrai, vraiment, genre, moi, j'y suis allé plein de fois dans ce quartier, mais avec la centre, cette rue, c'est l'endroit où il y a le plus de gens, mais en fait, à trois rues. À gauche, tu as l'endroit de Turbobourge, trois rues à droite, t'as un endroit à nouveau plus... Enfin... Vraiment, c'est... Je sais pas. Ils vont Rasputin, c'est même plus côté Rasputin. Mais oui. Que celui des fortunés. Merci, Mathieu. Merci, la baignoire. Ce qui est devant nous, c'est un ghetto de riches qui a un sale goût. Mais non, c'est pas, pas un but. ghetto C'est pas là, les ghettos de riches. Il y en a, des ghettos de riches, dans le 16e et tout. Mais c'est des trucs privés. Ah, tu peux pas même pas y accéder. Il y aurait, il y aurait une en fait, il y aurait une grille. Tu pourrais même pas aller filmer dedans, il y a une grille, en fait. De fou les gars, vous, moi, vous, vous moi j'ai été, été livreur euh, dans le 15e, euh, même école militaire et tout. Je suis rentré dans des trucs. C'est une dinguerie. Ça, c'est des vrais trucs de bourgeois et c'est des trucs. Déjà de l'extérieur, ça se voyait pas forcément. T'as un mec qui garde de la sécurité. Tu prends l'ascenseur, le truc est en fer forgé de ouf, etc. T'arrives en haut. Alors, ascenseur, y a ascenseur pour aller qui... dans l'appartement. Pour aller dans l'appartement directement. Quand l'ascenseur s'ouvre, t'as une grille en fer forgé, ultra machin, ultra joli qui s'ouvre et il y a une bonne qui prend le sac Sushi Shop. Genre, et ces gens-là, ils vivent dans des trucs planqué, ça veut dire ils vivent pas, euh, ils vivent pas euh, rue de merde, euh, la, la grosse rue là qui passait, euh, ils vivent dans les petites rues. En fait, aussi, il faut comprendre que les grosses artères, c'est rarement là où il y a les bourges C'est c'est vraiment Après, pas les mêmes dans, dans les trucs. Non et mais tout, bien sûr, de toute façon, c'est trop cher. Bien sûr, ils vivent C'est juste sur les grosses en fait artères. de toute façon, là, t'es en train de faire planqués. le lord Dutch de Paris. Mais la seule ah, chose oui. qui ne va pas dans la vidéo, c'est pas de dire qu'il y a pas des bourges à Paris ou qu'il y en a. C'est juste dès que tu croises quelqu'un à Paris que c'est un bourgeois. Et surtout, en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'angle pecno RP, parce que, enfin, c'est comme si t'allais à Rennes, en centre-ville, et que tu disais, il n'y a que des bourgeois dans le centre-ville de Rennes, parce qu'il y a des bourgeois qui vivent dans le centre-ville de Rennes. Ça pas de sens. Oui, c'est oui, pour oui, ça que je de, de, des bâtiments que Yoann, y trouvait trop bien, avec que du carrelage partout là. Et eh ben, ça, c'est un hall dimmeuble dans le sixième. Voilà. Le truc, il est en marbre. J'ai juré, c'est pas le pire. J'ai vraiment... juré, c'est rien. Wow. J'ai juré, ça c'est R. Genre, vraiment, il genre y, y a des endroits dans Paname avec des rues pas, privées. Impressionnant du tout, je trouve même Genre, ça, c'est R de fou. Il y a des endroits dans Paname avec des maisons. Il y a des endroits dans Paname avec des avec des vérandas euh, qui font tout le toit, avec un immeuble turbo-sécurisé où tu peux même pas en approcher. Genre, ça, c'est R. Ça c'est de la D. vraiment. Genre, mais après, Et on est d'accord qu'elle a. a, a c'est pas pour dire elle que c'est pas un truc de Bourges. Campagne, Provence, il y a des châteaux. Enfin, genre, je veux dire, c'est. Est-ce qu'on limite la, la Provence à au château C'est genre, c'est. Enfin bref, je... vraiment, fou. je suis désolé. Je mais après, là où ils ont raison, c'est bien sûr que ce quartier au niveau du logement, c'est inaccessible. Ah oui, dans tu mais le vois. Le... Mais pareil, là, tu bouges de deux rues. Tu te retrouves dans des rues où tu as la grande porte en bois qui cache une cour privative de dinguerie. De dinguerie, de fou. Et à côté, t'as la petite porte pour aller dans les apparts sous les toits, qui était l'entrée pour euh, les domestiques. Et ouais. là, là tu vois, en fait, c'est vraiment. Attends, Paris, Canard, il a coup... dit un truc. Canard, il a dit un truc. Forceur, la fin de vidéo contredit le début, vous, a, vous, a, vous savez, sur la vie, sur Paris. Non, mais bien sûr que tu contrebalances. Mais c'est juste qu'en en fait, pour moi, c'est pas le Paris dont vous parlez. Il existe, mais c'est pas... Seul. En fait, ce qui m'énerve, canard, c'est pas grave, on s'en fout, mais ce que, ce que vous dites là, dans la vidéo, vous êtes pas au bon endroit, en fait. Et il y a des endroits où c'est ça mille fois plus, tu vois. Et moi, je, et, et là aussi, où je, je trouve que vous êtes un peu délus, c'est de penser que les prolos qui viennent à Panam, qui vont à Saint-Germain, ils ont cette réflexion-là. Non, je ne vois pas ça, je Moi, je un vois, moi, je vois mes darons. Moi, je, oui, ah bah, ça, bah moi, oui, ça c'est sûr. Moi, je vois mes darons quand ils sont à Panam, ils regardent les trucs, ils sont en mode, waouh, ça c'est beau. Non, jamais plus on à ça. Tu Paris, vois, hein. il perd le nord tout de suite. Hein, vous avez vu hein. Il est un, il peut plus décrocher. Mais non, mais hein. mais bah regarde bah, ton, ouais, train line, ton train live, Défends ton train live. Vas-y, va le ton train live. t'as qu'à le Mais c'est impossible. T'es que là ça, en mode. Pas moi, ah, bon, Paris. Bon. Vraiment Paris. Ça, vraiment, là, ça crue, cru vraiment Paris. Vous n'êtes pas en bon endroit, Paris. Est-ce que vous êtes en bon endroit deux rues plus loin Il y a un petit hôtel. Vous auriez pu rentrer dedans. Mais non, en fait, car il y a trois portes forvées. C'est bon le train live, s'il vous plaît. Merci Red Cato, pardon. Merci lire Ah, En fait tu défends tellement Paris j'ai envie d'être d'accord avec la vidéo de Canard Réfractaire maintenant. Oui finalement, un truc de bourge bizarre quoi. Mais bien sûr c'est un truc de bourge mais bref. Mais désolé Merci Massolo. Mais non mais c'est le seul moment où on demande des dons à ce moment-là et lui il a décidé de... Je sais que d'habitude ça l'obsèderait, ça aurait été ah, pendant la vidéo. Il la technique de, il... de parler vite en que ça m'énerve. Il serait arrivé pendant The Great Review, le train hype, like, il aurait parlé big que big de big ça. Big il aurait dit big Oh, big oh big les appis, donnez-nous de la pire. Ça voulait prendre la pire, et m'a donné de l'argent, la pire de Twitch. Je suis sûr il aurait dit ça. Ça m'en fout. Y'a du marbre dans le haut. ultime il c'est un truc de fou! C'est même pas Toi, du marbre, le Si le parc. <rire> <rire> bon, en fait, c'est là, que tu deviens un Cassandre mental, tu deviens méprisant. Non, mais Cassandre, attends, si vous, vous montrez cette vidéo à Cassandre, il est mille fois pire que moi. C'est genre, vous comprenez pas le level. Après, du coup, Calmar va dire, ben bah, justement, vais énerver les bourgeois avec mon tweet. Si j'énerve Cassandre avec ma vidéo, c'est que ma vidéo est bonne, car je vais énerver les bonnes personnes. Basé. Est-ce que tu fais des, des signes de main comme ça quand t'écris tes tweets euh, Les frérots de Snap. <laughs> Le monde que j'ai quitté, Saint-Germain me rappelle ce monde d'où je ne viens pas et dans lequel je ne serai jamais. Et son n'a pas réussi. En fait, t'as un sema, ressentiment Nietzsche. Allez, hop, ça dégage les gauchistes. Merci Galfredo. Bah ouais. oui. Au final, ouais. c'est ça. Mais après, moi, je comprends ta vie. Je me ouais. souviens avec euh, Wendo, on se met sur Paris avant de pouvoir y vivre. Donc moi non, je mais après, il dit qu'il mar... qu trouve ça un peu matrixant, Paris. À la fin. Donc voilà, il a quand même été matrixé par la plus belle ville du monde, bordel. Moi, la première fois que je suis arrivé à Paris, je me suis dit Ah, oh, c'est trop grand, un peu a trop de monde. Oh, bah, 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 oh, bah. oh, vraiment, je suis tellement mieux dans mon Toulouse. Oui, bon, finalement, Toulouse, il est 4 ans, quoi. Je me suis barré. <laughs> mais c'est normal, ça s'appelle le déni. C'est en mode euh, Oui, je préfère où je suis, vraiment, c'est tellement bien. À faire la révolution comme espéré, ça nous empêche pas pour autant de jouer la lutte des classes à l'extérieur, c'est-à-dire chez vous, chère bourgeoisie parisienne. Vous avez l'État, les entreprises, la police, la justice. Est-ce que tu penses qu'il a fait une voix off Parce que vu qu'il s'est pris une giga shitstorm avec sa vidéo sur le resto L'Entrecôte, là il disait des dingueries. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il parle dans le vlog, ils se sont revois offisés. Peut-être pour donner un autre sens. Non, à la bah s'il monte tout le temps, ces trucs comme ça en général. Non, ces vlogs, ils les montent tout le temps comme ça. Peut-être. Je vrai. vois ta théo. J'aime bien ta théorie du complot pour rajouter du sem sur le sem. Mais euh, rien général, pour se, dit... se protéger. C'est de nous qui vous manque de respect. C'est notre petit jeu une heure de notre vie de vous scandaliser. Et bah qu'il donne les, ru les rushs en entier <laughs> pour prouver sa bonne foi. Et que pouvez-vous y faire face à ça Rien. Au point où vous vous retournez surpris qu'on tienne ce discours chez vous, dans votre quartier, là où nous ne sommes pas censés être. Et on n'est pas là pour rendre justice. Ce oh, hein. pas dans le bon quartier, frérot. Non, mais ça, ça, que... ça ah, faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'entrecôte canard T'es dans le chat Qu'est-ce qui s'est passé avec l'entrecôte Pourquoi t'as c'est vraiment le, on dit, le plus c'est presque on dirait t'es devant courte paille et tu dis c'est un truc de bourge. Pourquoi tu dis ah du coup c'est bien la tacos Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui s'est passé canard Je je sais que c'est important non mais je sais à gauche on est tous moi c'est pour ça que j'ai de l'empathie envers la vidéo. Oui de que, fou de fou. On, à gauche on aime bien faire de la performativité c'est normal on est tous comme ça. On, même pour se donner de la légitimité politique, on veut faire du storytelling, en faire des caisses et tout, etc. Mais là, quand même, d'où tu fais les frérots de Snap, tacos. <laughs> on a fuck brain Twitter, j'adore. Après, pas très précis, mais bon. On a on Saint Germain. A Saint -Germain. Mais moi je, moment, qui... moi, je vois ce qui, moi, je vois. Dans quel mood ils étaient En mode on va dans un quartier de chérie et on se met dans un mood Edgy Troll sur tous les trucs et tout est un truc de bourge. Et je vois comment tu peux t'autogazlight dans l'humeur en vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas Merci Mao ok. Mao Oaz, le pseudo. rien écouté. Non mais pardon le pseudo, mais moi je remercie les gens. Toi tu t'en bats les couilles des gens qui te donnent de l'argent. Toi c'est devenu naturel, t'en as plus rien à foutre. Oui merci Mao Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais en fait, ce qui moi je trouve bizarre aussi, et c'est pour ça en fait, là où j'ai de l'empathie, canard, mais là où j'ai une critique aussi, et je me reconnais en ça, mais tu viens à Paris, pourquoi l'obsession sur les bourgeois, genre, enfin. Mais je pense que la vidéo c'était pour parler de, de, de ce truc-là, tu vois, de la déconnexion des gens, malgré ce qui se passe, j'imagine, tu vois, un rapport. Euh... Ça reste ultra bourge, même s'il y a du passage, oui, mais on est d'accord. C'est ce qu'on a dit. Mais je sais pas. Je sais pas, c'est gros quand tu filmes des poignées de porte. On me dit regardez, la bourgeoisie ah, <laughs> non, Ils ont tout, on n'a rien Pour moi, pour je, pour moi la... nous les bougeux <laughs> pour de moi, Rennes, nous les pecnos qui vivons à Rennes dans une ville qui est pas la poignée, pour moi, c'est le moment. Je suis désolé, c'est ça que j'arrive pas à capter. C'est les... Les... limite du génie. Le, 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 RP, le RP va trop loin. Moi, je suis en mode le, le, le gauchisme est une maladie mentale quand je vois ça. Tu vraiment ouais, du Vincent ah ouais, La Pierre de fondale, ça là, c'est tu vas pas bien frérot. <laughs> Genre... J'ai juré, j'ai juré qu'à la poignée là vous avez forcé sur la poignée. C'est une dinguerie de faire ça. <laughs> ça. on est juste l'espace d'un instant le trouble à l'ordre bourgeois au plein milieu de votre ghetto. Vous les petits propriétaires. Ça, vous, vous faites des films. Ça, j'ai juré à Paname de croire que des gens qui filment en disant ah oh, les bourgeois ça choque des Parisiens. Je vous jure vous êtes délu sur Paname sur Paname, juste... il se passe okay. mille fois plus de dingueries. Ils sont juste en mode euh, OK, chelou. Ouais. Genre, ça, vraiment, ça, je suis vraiment, vous êtes délu là-dessus. Genre, les gens, ils vous regardent bien parce que vous avez une caméra et encore, ils s'en branlent, tu vois. Oui, Genre, bah les gens s'en battent les couilles. C'est pareil, Et justement, et, et même, justement, le point de vue bourgeois sur les marginalités qui sont dans Paris, c'est d'avoir appris à ne plus les voir, tu vois. C'est un voyage initiatique, ça évolue. Normal, c'est forcément. Non, mais de fou, non, mais t'inquiète, après, tu nous connais. Il n'y a pas de galère, tu vois. Mais genre justement la enfin, vérité la, la, le RP, des bourgeois, c'est de ne plus voir ce qui se passe quoi. C'est quand même trop là le RP. Je trouve, hein, moi, je trouve qu'il faut, faut doser un peu quand même. passe d'un instant le trouble à l'ordre bourgeois au plein milieu de votre ghetto. Vous les multipropriétaires. Vous les gamins de riches en école de commerce. Vous. C'est juste des gens qui boivent Mais un café. Cette terrasse. J'aurais pu, pu y être filmer. avec. J'aurais pu. Oui, on aurait pu y être avec Cassandra et Danny. Et auriez y être avec des en dire, de snap. Pardon, désolé. Et euh, on va manger, mais c'est pas moi qui choisis le resto. Il y aurait Iliès qui serait en train de s'énerver parce qu'on lui demande de choisir un resto et il en a marre de choisir les restos et de marcher 45 minutes pour trouver un resto. En vrai, pourquoi voilà pas qu on bon, pu se je retournais quand qu'on les insultait ben, Mais même ça, moi, des offres, je trouve ça cringe de fou. C'est bizarre. Je sais pas, ok. Non, mais c'est quand même cringe, gros. Je... Allô vous les architectes pour milliardaires, vous les journalistes sans éthique, vous les banquiers véreux, vous les spéculateurs criminels, vous les grands administrateurs la la de l'État devenant une dictature, vous les sales mains. vous les chiens de garde, vous qui êtes la politesse seulement quand vous pointez sur nous vos flics et vos lois. Mais pourquoi tu filmes des gens qui boivent un perrier Non mais après Ouais. Non mais. Allo bah je sais que t'as envie non, de mais... défendre, mais t'y arrives pas. Là, ça se sent. Là, je sens. Regardez, Raz, il veut défendre Canard un peu pour être gentil. Il y arrive juste pas. Non, mais en fait, le truc, c'est que ce qu'il dit. <laughs> non, mais moi vraiment, non, mais le, la, désolé, la vraie ouais. critique à Canard. À mais bref, portal, ouais, pardon, désolé. Mais non, mais la vraie critique, c'est que ce qu'il dit, c'est gros. Là, le Baron, on était à Wagram hier. Les gens qui y étaient, c'est ça ce ressenti-là qu'il a à Canard avec les gens qui sont là. C'est juste qu'il les a pas vus, ce qu'on a vu hier. Il, tu vois, il ne voit pas la vraie différence sociologique entre les gens qu'on a vus hier, où Dani, il était en mode canard réfractaire, les gens. Ah oui, oui Je vous moi jure qu'il était en mode canard. Il, il s'est assis au bar, on était avec Cassine, il était en mode non, mais moi je veux m'en aller, je vous jure qu'il a, <laughs> a fait une crise d'angoisse. Moi, ça m'angoisse trop le... les bourges, pour de vrai. C'était vraiment... C'était là, là, les vrais bourges, par contre. Je suis pas, pas des du gens tout comme en ça. train de dire que ce dont Canard parle, ça n'existe pas et que son sentiment n'a aucun sens. C'est juste que je me... Même au niveau de la vision de la vidéo... C'est un endroit où des gens qui n'ont pas de thunes, ils vont en week-end à Paris et ils vont s'instoire à cette terrasse-là parce que c'est un peu stylé quoi. C'est pas le même curseur bourgeois. Ouais, si tu veux. Et... Ouais. En fait, moi, je suis... quand, je... Quand, je... quand je suis toi dans ce quartier-là avec Cassandre, je suis en mode, il y a trop d'étrangers. Les touristes, je n'en peux plus. Encore quelqu'un qui a parlé anglais. Encore un Allemand, encore un Hollandais bizarre, j'en peux plus. Moi, c'est les touristes que je déteste dans cet endroit-là. Moi, ce qui me manque, c'est les bourgeois parisiens. C'est que j'en peux plus des putains de ricains qui viennent à Saint-Germain-des-Prés. ras-à-dit je suis raciste. Un peu. Oh, t'es un, un fou. peu. Ouais, il veut vraiment avoir son avis de David dans la vie de la vie. Hein. Quel génial. J'ai à la fois du respect. Non, mais c'est pas possible. En fait, c'est ça. Pour quoi, aller en week-end à Paris, t'es déjà de classe moyenne. Il n'y a que des c'est n'importe quoi quoi Et pour aller à Paris il faut des lettres de classe moyenne sinon il y a des quoi. vous savez il y a des gens qui ont moins de fric que vous ils prennent le RER hein, pour euh, aller à Paris hein. non mais c'est je c'est trop bizarre en fait je vois que vous êtes déco mais après le moral des déco avec des discours comme ça là après je comprends aussi qu'ils soient déco avec des discours comme ça je suis je, comprends... je... franchement je comprends pas quoi je taffe en brasserie JPP d'Éricin je préfère les Français parisiens trop casse 100 fois les français mangent à 17 de moins à cause de la hausse des prix pas vous. L'année prochaine, Attal dit qu'il va falloir que les français se serrent la ceinture, il ne parle évidemment pas de vous. Les gens crèvent à l'hôpital public, pas vous. Pour vous, c'est les dépassements d'honoraires tranquille. et au pire des cas, les repas qui sont un peu plus chers. Pour vous, c'est quoi C'est un pauvre de plus à exploiter en louant un appartement minable ou en faisant trimer des prolos dans vos boîtes de merde. Mais, Mais il sait qu'il y a plein de gens qui sont pauvres en région parisienne et qui et subissent cette Et tu oublie que tu as plein de gens qui vivent à découvert pour avoir le plaisir d'avoir une chambre de bonne euh, en, dans Paris Nord et que leur plaisir c'est d'aller dans le sixième prendre, un, prendre une pinte avec leurs potes et qui vivent à découvert pour faire ça et qu'il y a des gens que tu es en train de filmer. Enfin, vraiment, genre, c'est Paris, c'est beaucoup plus divers que ça. Les chambres de bonne, les go, Alekhista. Genre, vraiment, genre, c'est je. En fait, c'est trop caricatural. C'est moi, merci, Raz. <laughs> Désolé, moi, ce qui me gêne le plus, c'est le RP bizarre. Le RP forceur. Antiparisien. Des, 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 des prolos parisiens qui voient cette vidéo-là, je te jure, canards, qui se disent que t'es un forceur. C'est vraiment, c'est pas méchant, mais je te jure qu'ils se disent que t'es un forceur. Vraiment, je te jure. Arrêtez, de... sais, Paris, mais on ne pas Paris. C'est arrêter de. En fait, le problème. Non, mais il, il ferait ça, ça sur un centre-ville d'une autre ville, j'aurais le même avis. En fait, Petit moi, je trouve qu'il pas C'est confondre... horrible. En plus, moi, je fais comme de Vous me mettez dedans. Vous êtes affreux. Vous êtes vraiment affreux. Oh. En fait, c'est ça la vérité. C'est que c'est juste une vidéo pour les semards de Paris. Vous êtes juste des semards de Paris dans le ressentiment. Et vous aimez trop faire les le pekno en mode Paris avec des bourges et tout, etc. Sauf que c'est faux. En fait, on vous dit c'est factuellement faux et vous restez dans votre somme. Du coup, en fait, la vidéo elle s'adresse à eux, en vrai. Mais du coup, bah, des hommes, mais c'est un peu ridicule, quoi. Parce que nous derrière, on va faire, une, on va faire une vidéo, on va dire, ah, regardez les bouzeux, les bouzeux de la campagne. Vous allez péter un plomb. Hein votre monde est une bulle qui tient sur nos épaules et les secousses que vous sentez, c'est parce que la lutte des classes reprend, que la tranquillité cesse. D'où votre fâcheuse tendance à voter pour des connards d'ailleurs. Tu aimes l'ordre qui organise tes privilèges. La violence, ça ne te dérange pas tant que c'est pour réprimer. Euh, c'est un peu là. T'as vu ce qu'ils votent les campagnes ah. Ouais. ah bah oui. Non mais. C'est ça, après... mon ref. Non mais après ça, Toute la France vote. Euh... Sur, euh, sur le vote macroniste euh, dans les quartiers les plus bourges de Paris, par exemple. C'est réel de fou. Tu le vois, les arrondissements où il euh, où y a des gens un peu plus de gauche, Nupes, qui ont été élus, et les autres où n'importe quel mec de droite ou euh, macroniste euh, a des voix, etc. Tu vois, genre, euh, genre ça, bien sûr, c'est réel. Tu vois. Genre moi, en fait, limite, c'est pas forcément ce qu'il dit. Euh, moi je trouve qu'en voix off, je suis un peu d'accord avec ce qu'il raconte, tu vois. C'est plutôt l'alliance avec le fait de filmer l'une des rues les plus touristiques de Paris où je suis en mode, ah c'est pas si précis que ça, quoi. C'est plus ça, tu vois. Après, en tant que prolo t'as un peu la haine quand tu vois des gens sont sur des sur sans des prix que si tu t'assois tu manges des pâtes. Donc, pour le Parisien... Oui, bah, bah après, moi, ça me le faisait à Toulouse. Hein. Moi, à Toulouse, j'avais aucune tune. Quand on me disait, on va boire, les pentes étaient à 8 balles. Ce que c'était trop cher. Euh, j'avais 100 balles pour vie par mois. 8 balles, je vous fais laisse faire le calcul. C'est un dixième du budget. Du coup, moi, j'avais le somme. Je semais sur les gens qui allaient manger des burgers à 10 euros. Alors, c'est tellement rien. Je, tu vois, aujourd'hui, par rapport à l'inflation et tout, je se mets sur eux. Et c'était Toulouse. C'était Toulouse. C'était pas Paris. Je Après, quand j'ai eu un peu plus les moyens, j'allais bouffer les burgers moi aussi. C'est bizarre. Les révoltes, tes indignations sont aussi sélectives que tes restos chics, et tu répéteras bêtement ce que diront tes intellectuels, car tu sais quel camp ils défendent, pas vrai? Tu marcheras au bruit des bottes quand elles seront là, et tu jetteras en pâture les Noirs et les Arabes si c'est le prix à payer. Et tu le feras toi, avec tes médias, ton État et ta police, que tu soutiens quoi qu'il arrive. Et là, on comprend petit à petit que. Tu vois, et ça, sur euh, la bourgeoisie macroniste, libérale, autoritaire, il a raison. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il a son ton. Euh... Hyper envolé, gauchiste, etc. Tu ouais, vois. mais du coup, mais ça ça convainc pas les gens. C'est un... monumental. 3 millions de personnes lui ont dit T'es une merde de gauchiste insup. De usule au plus grand bourgeois de ce pays. Ah, sur euh, l'entrecôte, ouais. Un sur l'entrecôte, c'était un les même fou. la vidéo aussi, plus moi, je vois que... pas qui va ouais. convaincre, à part des gens déjà convaincus, cette vidéo. Bah, si, moi, je pense que tu vois, les gilets jaunes anti-Paris, ils sont d'accord avec ce qu'ils disent. Oui, mais ils sont déjà d'accord avec ça, en fait. Ils sont déjà ah, « gens Macron, pas bien tu vois, enfin, ouais. je pense. Hein. Enfin, désolé, moi, je veux bien que tu te défendes la vidéo et tout, etc. Euh, moi, j'ai un peu d'empathie sur le côté, là, de ne pas aimer Paris parce que t'as un peu le seum, d'être un peu gauchiste, de se gâcher un peu la vie parce que t'es un peu un gauchiste et que t'arrives pas à voir autre chose que le capitalisme dans chaque putain de chose et que, bah, du coup, tu passes ta vie à bader, tu vois Mais... Mais à part ça, enfin... Que si on a faim, c'est pas chez vous qu'on cassera la croûte. Et ce qui est ouf, ce qui est vraiment ouf, c'est que, comme depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de se concerter pour savoir comment on va filmer, comment machin, machin. Il y a des gens qui passent, ils entendent ce qu'on dit. Il y a Yohan, tout à l'heure, ils se filment en selfie, il y a des gens ils entendent ce qu'on dit. Leur tête d'indignation, franchement, je te jure, c'est jouissif, je pourrais payer juste pour les voir dîner comme ça. Oui, sûrement, oui. Des hommes, <laughs> je trouve que ça cringe en même temps tu imagines tu vas à l'entrecôte, t'es là les bourgeois de l'entrecôte les gens ils te regardent en mode wesh c'est qui c'est débile là <laughs> c'est c'est quoi non mais après moi là où moi là où je, je te trouve dur c'est que je vois là un peu tu sais le mood ils sont mis dans ce mood là en tournage avoir des bourges partout Enfin, tu vois, je vois comment t'es dans cette manie, tu vois. Je comprends. Ouais. Ok. <laughs> ok. À quoi Oh mais oui, oui. Tu soutiens l'exploitation. Moi aussi, j'ai déjà... Euh, J'étais défoncé. Euh, J'étais là, je ah, partout. Mais bon, j'allais pas non plus aller insulter les gens. Mais pas le vol, pas vrai. L'exploitation, ça fait votre richesse. Le vol, ça nous met à égalité. Et vous détestez qu'on vous rappelle que vos règles qui régissent notre société, rien ne nous y attache réellement. Vous vraiment avez peur qu'on descende de votre petit nuage, qu'on vous ramène au réel, que votre cher Ethoven aille pointé au pôle emploi comme un sale pauvre. Mais. Je crois vraiment que chaque personne dans Paris est fan d'Ethoven. <laughs> non mais en fait en fait c'est que moi c'est ça que je pense le vrai angle mort de la vidéo c'est que tout ce qui dit est vrai sur une partie de Paris il y a des gens comme ça dans Panama Dani c'est vrai mais en fait nous on a on a aussi une surconscience de la vraie diversité de Paris même intra tu vois et de c'est pas aussi simple que ça genre ça me fume le vent enfilant les touristes avec leur sac à dos à ah, de fou à ah, de fou genre euh, c'est Tout changer pour prendre notre revanche, quelle victoire ce serait. Et vous voyez la seule chose qui empêche qu'il y ait des gens qui prennent leur truc, c'est des vitrines de merde. Genre ça, genre ça, vitrine de merde, vous voyez Sauf qu'une vitrine de merde, si tu envoies une voiture de sport très rapidement dessus, ça casse, tu vois. Donc en fait. Ouais pourquoi faire Attends, attends. D'accord. Mais pourquoi elle serait cassée la vitrine Pour quelle raison Déjà, on verrait la vitrine si tu sors des totaux anticapitalistes, etc. Parce que la vitrine, c'est le symbole du consumérisme. C'est pour raze. la C'est pour pouvoir pour critiquer mais non, les gens. Quand il y a eu les émeutes à, à, à Châtelet, quand ça a ouvert le Nike, c'était pas contre Nike. C'était pour pécho des TN. Du coup, c'est pas un rejet de la vitrine. C'est un désir, non, de ce qu'il y a pour, dedans. Euh, parce que quand ils voient les poignées en bois. Ils se disent voilà ça ça ce sont les gens qui votent Macron les femmes d'Entoven. du coup les frères de Snap je cross je suis dé je... franchement peut-être après je je suis pas bien mais moi je quand je vois ça je suis en mode c'est chaud c'est vraiment chaud je suis désolé. en fait la seule chose qui... genre c'est après je sais pas peut-être je sais pas je suis de droite peut-être je sais pas euh... qui empêche véritablement euh, nous les prolos de prendre tout ce que les bourges nous ont volé et eh ben en fait c'est quoi ah oui, c'est les flics c'est les flics et du coup c'est pour ça qu'ils adorent les flics c'est pour ça qu'ils se soutiennent mutuellement avec les flics et c'est pour ça que dès qu'il y a une toute petite remise en question de la propriété eh ben... c'est pour ça que 70% des gens ils sont contre les émeutiers et il y a des prolos là-dedans tu crois quoi <laughs> parce qu'ils sont en mode ah non on touche pas les boutiques on touche pas les, les, les jolies vitres oui je après vois, on va pas à 90 non, mais des oui. gens qui sont compte que c'est vrai. Mais oui. Bien sûr, mais attends, il y a plein de gens, qui kiffent les vitrines comme ça. En fait, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il aille aux Champs-Élysées. Parce que là, c'est toutes bah, les ils boutiques. Y ont été de après, luxe. je crois. C'est toutes les boutiques de luxe et t'as quasiment des prolos et des touristes en fait. Qui veulent aller euh, dans ces trucs-là. Pour flâner. Alors ils y vont, ils finissent par s'acheter un portefeuille Gucci ou une ceinture, parce qu'ils peuvent rien faire d'autre. Je suis pas rien. Hein. Je pas, je. Tu passes 12 fois dans le magasin, un jour t'achètes une ceinture. Hein, tu peux pas t'acheter le sac à main ou euh, les vestes euh, qui valent une fortune. Mais c'est ce qui se passe quoi. Genre ça fait aussi un peu rêver les gens. Genre euh, t'es aussi un peu en mode bon voilà quoi. C'est es pour désastreux. ça que je trouve que ce qui. C'est désastreux me... apparemment gros, je sais pas. Non mais. Non mais moi je franch... bah, franchement c'est ça. Genre moi je suis désolé. genre Sharp. Sais... Pourquoi il est Sharp Yacine Sharp. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi il est Sharp Yacine ça va, y... attends Yacine. Il va acheter une écharpe. Attends Yacine. Ah oui, attends Yacine. T'as lui c'est Daddy, et Salut, lui c'est Daddy, Eras. Salut, lui c'est Daddy, Eras. Salut, lui c'est Daddy, Eras. Salut, lui c'est Daddy, et Salut, lui c'est Daddy, et Salut c'est Daddy et Raz Salut c'est Daddy et Raz Salut c'est Daddy et Raz Salut c'est Daddy et rase. Oh mais c'est gênant Salut c'est Daddy et Quoi que flop Voilà parce que ça chez les gens Qu'on a vu Yacine hier et il nous a dit Qu'il trouvait les proutes à mourir de rire Qu'il adorait qu'on fasse ça en boucle Que c'était son contenu préféré Mais qu'il n'en avait pas assez à son goût Qu'il en avait pas assez à son goût <laughs> Juste parce qu'il a dit écharpe. <laughs> C'est ça qui me Mais il ça. disait qu'il voulait une écharpe ELV. ELV Non, L.V. Ah <laughs> Une écharpe ELV. Moi, j'imagine Yacine avec une écharpe Europe écologie Les Verts, après, une fois qu'on va aller manger de la viande avec lui. De la grosse viandasse, là. Mmh. Daniel, on dirait que tu fais exprès de ne pas comprendre que Canard jette les Parisiens sous le bus pour essayer que les Gilets jaunes aient un tout petit peu d'empathie pour la banlieue. Mais je trouve que c'est catastrophique, même si c'est ça l'intention, c'est catastrophique, ça ne marche pas. Je pense qu'il y a des gens de banlieue qui vont voir ça, ils vont exploser de rire, et qu'il y a des gens, des gilets jaunes, il y en a d'ailleurs, qui sont à Paris, qui sont en région parisienne, qui vont voir ça et qui vont trouver que c'est un avis de délu matrixé. Moi, je pense que quand tu regardes cette vidéo, si t'as un cerveau normal, tu te dis que les gauchistes sont d'éternels malheureux, qui voient le mal partout, qui sont incapables de penser autre chose que la politique. Que sa putain de brise leur vie et que ça les met dans une matrice dont ils n'arrivent pas à sortir et qu'à cause de ça, ils peuvent même pas profiter d'une putain de promenade dans Paris sans casser les couilles aux gens en les insultant de bourgeois. Et je pense que c'est ça que les gens y voient en voyant ce truc. Donc moi, ça me fait mal parce que j'ai envie de défendre les idéaux que Canard il défend dans sa vidéo. Je me sens sur une ligne proche. Mais c'est CSC, c'est tellement CSC, il a fait 3 millions de vues, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Tout le monde, tous les partis, tous les gens, tout le monde. Tout Twitter s'est foutu de sa gueule Tu peux dire que c'était une blague, mais c'est gigantesque, c'est... Pardon. <laughs> désolé. Mais bref, ouais. Ils envoient les et flics. Voilà. Entre enfin, vous et nous... Vous non mais ça m'énerve euh... pour de vrai, euh... je sais pas quoi dire de plus nous, Il y a pardon, une désolé. vitrine, une rangée de CRS, pardon, pardon, et puis c'est tout. Bah non, mais non mais les gens mais vous me foussez à bout, moi je vais être faire. peu un peu, bah plus... peu d'empathie, en mode je comprends, moi aussi j'ai été un se de Paris, blablabla, mais là c'est plus possible. Non, en plus quand Canard il fait des trucs basés, on le dit, hein. mais c'est juste que là sur ces, ces trucs-là on est vraiment pas d'accord. Je vous jure, et moi, il y a Yacine qui est là, il peut vous dire... Hier, il y avait des gros bourgeois à côté de moi. J'étais pas bien, donc je, genre, je comprends ce sentiment gauchiste. mais moi, ça me gâche la vie. Mais là, là c'est trop, là. Je suis pas allé les voir, des bourgeois J'ai bu mon Coca-Zéro comme une victime. J'étais content. Au final, ça s'est bien passé. La serveuse était sympa, en plus. Elle a compris qu'on était sympa. Ouais. Ça a un peu foutu de notre gueule, par contre. Parce qu'on a bu des Coca-Zéro, elle a capté qu'on était pauvres un peu, je pense. Oui. <laughs> Et On pas prendre deux coupes de champagne dans ce truc beaucoup trop cher. Oui. <laughs> <laughs> Dani est trop nul, de... j'étais dans l'émotion, mais vous m'avez réénervé aussi à dire, eh, pas assez Dani, je comprends pas. Oh là là. Dani était pas bien, c'est réel. Ah, de fou, hein. Bah oui. Si peu en réalité. Vous soutenez maintenant la censure et la violence parce qu'au fond, bah, il ne vous reste plus grand chose. Cela se voit, vous êtes des faux calmes. Trop d'assurance chez vous alors que vous le savez. Vous ne vivrez plus jamais en paix dans une société en guerre, de déditements écolo, d'inflation permanente et de crises qui se répètent encore, encore et encore. En vérité <laughs> C'est news ou quel réfractaire là. <laughs> mais non, mais là tu fais que je peux pas, pas comprendre là. Vous avez les émotions de votre classe. Et vous savez ah, quoi, quoi Moi aussi. D'où le fait qu'on se déteste, c'est pas vrai. On a notre caméra, notre téléphone, notre sens de la provoque. Et on a un petit message à tous les bourges de Paris et d'ailleurs. Vous vous méfiez de nous, le peuple. Et vous savez quoi Vous avez raison. Nous sommes là pour abolir vos privilèges. On Mais il se passe quoi si euh, un jour il y a la révolution et ils décident de foutre tous les YouTubeurs dans des champs ils vont peut-être te voir et se dire Ah, oui, il est du peuple, lui, on sait pas. Hein. Il a, une fois, il est allé à Paris. Et F qui va un week-end à Paris est un bourgeois, dit le chat. Donc, attention. Ça devient les pires arguments. <laughs> Mais j'ai rentré a, dans la logique devenu, de merde. C'est devenu les pires arguments d'un coup. Laisse-moi patauger. avec tout, là, dans, là, dans, dans pensée, la là. Là, je vais aller patauger dans la merde, moi aussi. Moi aussi, je vais aller dans le CSC. Tag à notre façon le mur de Saint-Germain-des-Prés. Et si tu comprends pas qu'on soit aussi insolent, c'est qu'en réalité, il manque un tout petit bout de la visite à Paris. Bon, on arrête là, non alors là, alors là, pour résumer, on l'a vu chez Wissam, là, il va être préparé en mode en vrai, les champs, je comprends le plaisir, et c'est là que les prolos, ils vont zoner sur les champs, etc. Mais en vérité, c'est la même à Saint-Germain et aux autres endroits où la vérité à Paris... Tu croises tout tout le temps, sauf dans certains endroits. Je te jure, euh, canard, le truc que tu as ressenti sur les champs, euh, je comprends de fou ce sentiment-là que tu as eu de dire, ah ouais, là, je comprends pourquoi. Ce paradoxe entre le truc inaccessible, beau, des trucs qui font envie, tout en ayant quand même envie d'être là, etc., ce que tu décris euh, plus tard. Euh, moi, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est Paris dans son entier. C'est ça la puissance de Paris. C'est que ce que tu as ressenti sur les Champs-Élysées, moi je le ressens dans presque tout Paname, tu vois. Vous prenez 20% de la vidéo, mais les gens ils iront voir la suite. C'est la moitié, par contre. Ouais, parce que t'enlèves le passage. Bah où en il fait, Paris. en fait, le truc Alain, est-ce que t'as envie que je m'énerve quand je dis, alors du coup maintenant que c'est en, en banlieue, tout est bien quoi. Il y a un mec qui un moment, il y a un mec, il prend de l'eau, ils sont là, ah, c'est vraiment bien. Vous avez vu les prolos quand ils prennent de l'eau. Non, les moi pros, je te parle pas vraiment, de ça. Je te parle non, sur mais c'est ça la vidéo aussi. Moi, ouais, c'est ce RP. Oui, oui. Genre, c'est bon, quoi. Dès que c'est quartier de Bourges, tout le monde est nul. Le moindre mec, c'est un bourgeois. Et dès que t'es la... en banlieue, alors là, incroyable, vraiment, les frérots de Snap, je les adore. Vive les tacos. C'est bon, je suis désolé. C'est un peu ridicule. Bref, moi, si je regarde la suite de la vidéo, vous n'allez pas aimer mon avis. Donc, euh, je préfère m'arrêter là. Non, mais après, là où t'es un forceur, euh, c'est qu'il faut éduquer les gens. Bah, mais oui, bah, alors, ça, tu trouves que ça réussit, ça, toi non, je parle de nous. Ah, tu veux dire bon, alors, pour rendre en accessible on fera un stream dans Paris alors pour leur rendre accessible. Moi, pour, pour moi, il faut qu'on fasse un stream dans Paris. Mais vraiment, moi, moi vraiment, je comprends de fou ce que tu as voulu dire. Dans le, contrairement à Dani, moi, je, moi, je suis d'accord avec Dani sur le côté contre son camp de la vidéo. Ça, c'est totalement réel. Je trouve que tu vous êtes un peu planté. Euh, mais là où je comprends de fou ton discours sur le truc euh, en même temps tu t'as pas su voir ce que tu as vu ailleurs enfin tu vois genre tu as eu besoin je sais pas genre par exemple tu es allé au champ tu as vu des noirs et des arabes un peu street tu t'es dit ah là il y a des gens mais ce que tu vois pas c'est que dans les autres bars tu as des étudiants précaires qui sont et d'accord c'est pas euh, des mecs en Gucci euh, avec des jogging mais ces gens là ils zonent aussi à saint-Germain-des-Prés en étudiant des, en étant des étudiants qui n'ont pas beaucoup de thunes tu vois et que c'est ça qui est très bizarre dans Paris et qui fait que cette ville a un truc qui est c'est ça qui fait sa beauté et sa magie quoi genre vrai genre enfin tu vois genre même va à Pigalle va à Pigalle la rue euh, où il y a le plus de trucs qui est vrai, c'est vraiment plein de prolos etc tu vas dans deux rues tu marches cinq minute t'es dans la haute bourgeoisie de fou Genre c'est est ça qui c'est est là que cette ville tu peux rarement sauf dans certains quartiers arriver en disant là c'est la bourgeoisie je peux pas comprendre et cet endroit-là je peux le comprendre genre fin, genre, genre même, même tu prends Montmartre plus tu montes la butte plus c'est des bourges plus tu la descends plus c'est des prolos et c'est 10 minutes de marche enfin, en fait c'est ça qu'il faut comprendre sur Paris c'est que même même dans le 20e d'une rue à l'autre tu es dans un quartier euh, Naturalia, Bobo, Vegan, et d'un coup, tu es dans la street, et après, tu es dans un quartier un peu étudiant, et après, tu es dans un mélange des deux, etc. Et en fait, je te jure que toute la ville est comme ça. Toute la ville est comme ça, vraiment. C'est vraiment le, le 20e, c'en est la définition. Le 19e, c'est comme ça. Le 18e, ça commence à l'être. Genre, pour Marthe, c'est que des touristes. C'est faux. C'est faux. Il y a un endroit de Montmartre où il n'y a que des touristes. Des endroits où il y a et des touristes et des gens qui vivent. Genre, euh, genre c'est... C'est ça qui est très étrange sur Paname. C'est pour ça que je trouve que ton discours, que sur le fond à lequel je suis d'accord, même s'il y a le côté envolé lyrique qu'on peut discuter, le lier sur ta vision territoriale de Paname, ça raconte son camp. Montmartre, il y a aussi les gens de Saint-Anne qui montent depuis Garibaldi de fou, yes. Genre, c'est vraiment, c'est. Paname, c'est un truc, c'est. Voilà quoi. Tu ne n'es pas à Paname, tu y de toute façon. Il y en a qui disent, chaud quand même, il faut quand même admettre qu'on ne peut pas aller à Paris quand on vient. Oui, mais, tu sais, moi j'ai grandi en région parisienne. Je ne pouvais pas aller dans le sud quand mes parents, ils n'avaient plus de thunes. On voulait aller en vacances dans le sud, on n'y allait pas. En fait, c'est juste, c'est normal. Le train, c'est cher, c'est dur de, de, de va... en fait, dur de partir en vacances. En fait, c'est dur de partir en vacances un week-end quand tu n'as pas d'argent. Mais quand on en région parisienne, c'est plus facile d'aller à Paris que d'aller à, Ma à Marseille ou euh... à Agde ou je sais pas où. Mais après, moi, là où je serais. Euh... Mais, mais ça, ça n'a pas de rapport avec le. C'est pour ça en fait, c'est bizarre. Mais, euh... mais -ce après, si tu vis vous... symbole enfin. de la bourgeoisie, une forme de luxe inaccessible. Mais ouais, mais, mais en fait, mais... je suis désolé, ces arguments, je les trouve pas bons parce que dans ce cas je peux vous dire. Les bourgeois à Paris le week-end, ils vont à la campagne pour faire du cheval. Et du coup à la campagne, il n'y a que des châteaux. Et... Enfin vous voyez, c'est nul en fait. Genre c'est trop bizarre. Il y, y a des symboles de la bourgeoisie. Il y en a partout en France. Et même si vous voulez vraiment qu'on aille dans ce terreau-là, on peut aller dans l'argument de mauvaise foi ultime qui est de dire la France c'est un pays riche les frérots. Vous êtes tous riches dans ce pays. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Et que j'ai du mal à avoir autre chance qu'un ressentiment bébête. Un ressentiment bébête que j'ai déjà ressenti. Je vous comprends de ouf. Je vous comprends de ouf. Il n'y a rien de plus frustrant. T'as 20 ans, t'as envie d'être sur Paname car tu sais que les choses se passent un peu là-dessus. D'ailleurs, c'est une des critiques à faire à Paname. C'est que la France est giga centralisée à Paris. Du coup, tu vois les gens qui sont à Paname, ils boivent des coups avec des gens... Un peu plus cool, ils vont voir des concerts, ils ont tout le temps des trucs à faire, machin, ils ont l'impression ils vont des études, ils ont des écoles, des machins, des trucs qui sont cool. Toi, t'es là dans ta fac de plouc, avec des tu t'as un peu le seum sur eux et tu te rassures, etc. Ça, ce ressentiment-là, je le comprends, mais c'est un ressentiment en fait. Il faut aussi l'analyser comme un ressentiment et arrêter de donner des raisons politiques éclatées au sol avec des lectures qui sont juste bêtes et binaires parce que c'est pas ça genre moi je peux pas je peux pas être proprio à Paris je ne pouvais pas, ne pouvais pas être proprio à Toulouse aussi quand j'étais étudiant les prix bah, de Toulouse c'est une dinguerie après t'as plus as... de mètres carrés quoi c'est sûr mais c'est normal y a ah, moins... puis en dehors de ces considérations là moi je pense que c'est un problème formel aussi c'est que le message que t'as voulu faire passer moi je le comprends de fou sur le truc de l'angoisse de cette bulle euh, de gens pour qui l'inflation, ce n'est pas si grave, qui vivent en vase clos dans Paname et ailleurs en France, la vérité ailleurs en France, et qui regardent d'un mauvais œil toutes les révoltes populaires, etc. Moi, je vois de fou ce que tu as voulu dire, mais formellement, la, la forme de la vidéo et ce qu'a qu montré Dany sur les côtés angle morts et les côtés euh, « tout est bourge ici » et « tout est incroyable dans ce quartier de Prolo », euh, en fait, c'est ça qui rend euh, contre son camp un peu la vidéo. C'est un problème formel, tu vois. Je pense. Vous êtes trop dans les détails pour rien. Mais non, mais les gens, soyez pas, euh, soyez pas, pas Après, désolé, moi, là, le mouvement politique je le dis, a été raté. Hein. Que je votre désolé, ressentiment, genre, je le comprends. Ce ressentiment-là, moi, franchement, je le comprends. Je vous dis, je l'ai vécu. Je comprends de ouf. Rien n'est parfait, c'est pour ça qu'on est militant. Oui, non, mais en vrai, on peut mater la conclusion. Vous êtes, Vous êtes des, des forceurs. forceurs. Non, mais attends, frérot, là, c'est le CSC par contre. Ah non, mais attends, CSC. canard, reconnais que t'as fait le turbo forceur, notamment entre -côte, le bail entrecôte. J'y allais à Toulouse. C'est bon, c'était à Toulouse. J'ai le droit, du coup, de dire que j'allais à l'entrecôte à Toulouse. J'y allais. Non, mais c'est le dream mais... étudiant. Non, mais genre, quand tu fais une vidéo, tu prends le risque d'y aller comme ça, il faut prendre le risque de la réponse aussi, tu vois, genre euh, bah oui, t'as euh, voulu faire le gars et tout, bah moi et coup, moi je comprends vraiment la strate, moi vraiment je comprends vraiment la strate, c'est juste que là, là de fait, tu t'es raté invité dans c'est côté c que des riches, oh. c'est une dinguerie. ah oh, mais on... moi j'ai fait que, que dire qu'il y a des pauvres dans toute la région parisienne et que vous voulez pas les voir, en quoi c'est le côté ça. des riches les bourgeois et pas les prolos. Oui, mais... Sauf que... ce Bref, qui sauf que... que... là, il a a mis les bourgeois. C'est d'aller filmer une rue touristique. Ah, après. Oui, qui vient en vocal s'il veut, d'accord Oui, oui, en vrai, en vrai. Pourquoi hein. pas hein. Vas-y, hein, s'il veut venir un peu expliquer... On va tout, lui hurler hein. dessus en mode Antoine Goya. Attends, On a, on, a, on a le son en plus. Tu suces Paris et tu te tais <laughs> 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 S'il est chaud, s'il est chaud, bien sûr. Hein. Comme ça, on pourra voir un peu ce qu'il a à vous dire. <laughs> Ferme ta gueule, espèce de connard Tu suis Paris et tu te tais Ferme ta putain de gueule, espèce de débile Tu suis Paris Parlez pas à deux en va... Oh, vas-y, ça, voilà. Ouais, ah non, mais à deux, c'est asymétrique À deux, c'est asymétrique oh, là, 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 Hop, allez, bam Oh, c'est une dinguerie, oh, une dinguerie. Vous, vous avez pris pour un fragile. Putain, euh... en plus, je sais pas, ça, vraiment, genre, votre arc, à chaque fois. Genre, en fait, c'est une folie, c'est que nous, on a un truc qu'on essaye de faire constamment, c'est de vous enlever des clichés de merde que vous avez et qui vous rendent illisibles auprès des autres, parce que vous... on sait que c'est du gauchisme de merde. Et on vous l'a dit, mais sur Paris, rase, il vient de la putain de Normandie. Moi, j'ai à la base, je suis un semard de Paris. Je sais même pas ce que c'est Paris. Moi, je suis né, euh, je suis né loin de Paris. J'y suis allé une fois l'an 2000 avec mes parents. Allez, il est chaud. Va dans ça salle que Paris Discord de euh, Genre, euh, c'est ça en fait. Genre, on en a déjà parlé plusieurs fois. Viens, va dans chaîne. Radio Libre. pas. Oui, oui, mais attends deux secondes. On n'est pas ouais, juste viens, des viens, suceurs viens. de Paris en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Et on connaît aussi le reste de la France. Moi, j'ai vécu longtemps à Toulouse. Euh, ma famille a vivé dans la Creuse, donc je sais aussi un peu ce que c'est, même si évidemment, moi j'ai plus un point de vue urbain. Raz, il a plus le côté d'avoir vécu réellement dans la campagne. Mais c'est ça, on sait très bien ce que c'est. C'est une folie. Et c'est juste que vous aimez trop mettre des raisons politiques nulles sur des choses qui sont des ressentiments à la con, en fait, que vous avez. Après, bien Mais sûr, go. Paris, c'est magique quand t'as du fric de téco, c'est hein, évident. Ah bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, et on voit vous moi, en parlez jamais, si on en parle tout pas le, le temps C'est une dinguerie, à un moment, c'était même tout le début de nos lives, c'était on parlait Alors, de je Paris avant de la C'est quand même une dinguerie, c'est ça que je comprends pas dans une critique. C'est fou En fait, l'horreur, c'est qu'avec Raz, on peut pas dire « Ah, oh, aujourd'hui, on a fait tel truc sans que vous pétiez un plomb ». Du coup, on est obligé de défendre. Mais en vrai, des fois, on pourrait juste s'en battre les couilles. Hein. Moi, j'ai grandi vers ma je de Paris. Et justement, on ne pouvait pas en profiter qu'à cause de Paris. Chez nous, il y avait. R. Bah ouais, bien sûr. Moi, je comprends. Je... Paris, pour moi, à la base, j'étais en mode. Ah, c'est chaud. Mais bon, on comprenait bien qu'on a passé deux ans en stream, à streamer. Euh, on était là à parler divry sur scène. Les gens disaient oh, que des bourgeois à Paris. Non mais c'était une dinguerie genre. enfin c'est vraiment c'était ça ça rendait fou. comprenez que ça nous a rendu fous aussi. Y avait des gens qui étaient bien en maison de centre-ville euh, de, de leur grande ville là et qui faisaient les DRP Pecno Ça rend fou aussi au bout d'un moment. Quoi Qu'on fait pour aller vivre à Paris quand on a un peu de thunes mais sans se faire avoir Bah tu te démerdes, on n'avait pas de logement. Il <laughs> y a ça, Squats. Aussi, hein squats. Il y a des techniques, hein. Vivre en banlieue. Attends, enfin, je nous mets dans ah. Radio Libre, ouais, ouais. On Air. Et euh, canard, si tu trouves pas notre Discord, envoie-moi un MP. Je peux te le filer. Voilà. Faire des squats. Ouais, voilà, fais des squats. ouais votre tiltage est précis. Donc pour vous, si on tilte, c'est parce qu'il nous a... C'est parce que là, il nous a trop clashé, quoi. Il a eu trop raison. C'est forcément pour Mais ça. on vit pas dans le sixième, vous foutez de notre gueule ou quoi Moi, j'ai jamais vécu un tramurose de toute ma vie. Pareil. J'ai jamais vécu pareil un de toute ma vie. Pas une seule seconde. Même quand je squattais, c'était pas un tramurose. Genre... Euh... Vous habitez où dans ton cul Donc euh, voilà quoi. Vous êtes des libertariens, ouais, ouais exactement. Mais c'est là que je vois que vous avez vraiment, je suis désolé, vous êtes déconnecté en fait. Ah ça y est, il est là. C'est vraiment, c'est chaud. Il est là, mon... il est là, Dani. Vas-y, libertarien le parce que tu dis, mais arrêtez de croire qu'à Paris il y a que des Bourges. Wesh Et... ouais, On dirait ceux qu'on dit. Euh, ça se voit que vous êtes des confus car vous avez dit que c'était Marvel va en prison par racisme. Genre, vraiment, des fois, les gauchistes, c'est une dinguerie. Hein. Vraiment, je. je... Waouh! <laughs> Vas-y, je glisse, je glisse, Yohan. Wesh! Ouais, Allô le frérot de Yo, Snap, moi, je go. Le frérot de Snap, là. Faut que tu rattrapes <laughs> le niveau, là, parce que le, le chat, ouais, c'est ouais, catastrophique. Le chat est là. désastreux, c'est horrible. C'est terrible, là. Ça va, vous m'entendez bien, il n'y a pas d'écho, tout ça? Alors, t'es un, ah ouais. un peu très Ah ouais. Je te baisse un peu. Attends, c'est peut-être parce que je t'avais monté sur Discord aussi. Non, non. Vas-y. Ouais. Là, c'est mieux? Ouais là c'est nickel. Moi yes. c'est nickel. Tu veux mettre ta cam ou quoi Sinon il va y avoir cette euh, image de merde. Si tu veux, mais je suis chez moi, du coup j'ai l'ordi de merde, donc l'image va être dégueulasse, mais je peux. Bah comme tu veux. Comme tu veux en vrai, comme tu veux. Hein. Mais je pense que les gens préfèrent avec ah, une pas. Oh ça va euh, franchement, Ah oui ça, ça va. va, ça va, ça va, ça va. T'es en mode zoom la 4K. <laughs> Ça va, ça va, ça va. T'es en mode zoom. Vas-y Dani, je te laisse le temps euh, de capturer. C'est mieux, c'est pas une cam de frérot de snap, ça. T'as vu euh, Alan Food Challenge Ça, c'était un live de frérot de snap, ça. Ça, c'était vraiment un live de frérot de snap. <laughs> un peu trop bas, ils disent dans le chat. Un peu trop bas ah bon, Ouais. Parle, s'il te plaît, Comme une moi. minute. Là, allô, bonjour. Ouais, je t'ai un peu. C'est vrai. vraiment trop bien, Paris. Oui. <laughs> voilà, enfin, il reconnaît la superbe. Euh, comment je vais faire Attends, je vais créer une autre scène, sinon ça va être casse-couille. Deux secondes, hein, je, vous, je vous le mets les gens. Alors, là, si tu peux commencer à oui, oui, parler si tu veux. Ouais ouais ouais. Attends, il est parti, il est parti chercher un truc. Bah là, il le voit. Il le voit partir justement chercher un truc. <laughs> Hop, attendez les gens, je fais ça à la zub, on s'en bat les couilles. Ouais ouais, fais ça, ça, en balle. Ah j'ai la même bouteille d'eau, voilà. Ok, Incroyable. Comme quoi, je, suis, je reste un peu euh, proche des Attends, peu petits. Attends, je sais quoi. ce que je vais faire des petits non, ah ouais, des des bourgeois. Hein. Euh, ou alors on est tous les deux des bourgeois. Ou alors on est tous les deux des bourgeois. Mais là, il y a que sa tête Dani, c'est une dinguerie ce que tu es en train de faire. De quoi Commencer avec sa tête Ah Voilà, je comprends même pas ce que tu as dit. Non mais oui, c'est bon. Ça y est, c'est bon, j'ai compris, le setup est bon, ça y est. Attends. C'est bien là, c'est ah parfait. Ouais, mais je le mets un peu plus gros après les gens, ils vous pas vraiment été honnête avec lui. <laughs> On va y arriver, on va y arriver. C'est le frérot de Facebook un peu, ouais, c'est vrai. Bon alors, euh, c'est quoi cette avis <laughs> de, 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 bon Alors, bon alors qu'est-ce qui s'est passé, passé nous, avec euh... cette vidéo Dis-nous. Non mais là, je pense que ça, ça a dû. Surtout le react, on a été méchants un peu, donc ça doit te casser les couilles. Dis-nous, euh, dis-nous, ouais. c'est quoi ton je dis juste une chose avant. Ferme ta putain de gueule, espèce de débile <rire> 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 Quel moment non, après, ça, je suis désolé. Oh, ça ça fait partie ça. des moments classiques d'internet avec Homo ouais, soft et des trucs comme ça, quoi. T'inquiète, nous aussi, ah, on, ouais. a nos on, on a le casse On s'était moqué, un Goya, pour ça. Ouais, de fou, on t'avait défendu de fou à l'époque. On avait hein. dit, ah, il aurait ça, pas fait vrai. ça avec un frérot de Snap. C'est exactement la vie qu'on a eu. C'est vrai. allez <laughs> mais vas-y, vas-y, allez, on arrête de t'interrompre. Vas-y, dis-nous. Ben non je sais pas qu'est-ce que. Alors, peut-être qu'il y a deux trucs à différencier quand même dans cette histoire. Tu as la vidéo entre côte et la vidéo que vous avez uh, vu un bout là. Ouais. la vidéo entrecôte je trouve qu'elle est forceur, moi je suis d'accord avec vous elle est forceur ah, de ouf ah, il s'est passé après, quoi avec après, cette vidéo après, alors bah, en okay. vrai déjà c'est pas l'entrecôte, c'est euh, le, le relais de l'entrecôte donc c'est pas exactement la même chose et puis c'était à Saint-Germain donc il y avait des bourges et du coup on, on a fait cette vidéo là mais à la base c'était vraiment que pour genre Snap et les petits trucs comme ça et le truc c'est qu'on l'a mis sur Twitter en mode vas-y on a un contenu on le balance tu vois <laughs> c'était un petit peu l'erreur du truc je pense oui, après, forcément, vous ne pouviez pas prévoir l'impact oui. énorme. a oui, l'impact a été. Une dingue, 3 hein. millions de vues, quand même. 3... Raphaël et Il y a même Francis Lalanne qui a pris la défense de Canard, quoi. Pour vous dire. Est-ce eh que bah... c'est vraiment une fierté, ça Je ne suis pas sûr. Suis pas mais... traque, la quoi, dernière ouais. personne qui l'a défendu, c'est Dieudonné. Hein, je dis ça comme ça. Hein. Donc, euh, voilà. Mais après, pas de Merde. problème. Il hein. n'y <laughs> a pas de galère. Mais qu'est-ce qu'il fait attends, attends, on a un problème de setup avec T'inquiète, T'inquiète, tu vas voir ce que je fais. C'est parce qu'elle apparaît en immense. En fait, c'est long, et pas si drôle. <laughs> si, si, si. Ne sois pas perturbé par, par si peu. Ah si, je ne peux pas me concentrer à cause de ça. <laughs> je te jure que je ne peux pas me concentrer à cause de ce que tu t'es en train de faire. Ah, j'avais besoin, j'avais besoin de mettre ça de mon côté. Vu que toi okay. même, toi et Canard, vous allez défendre la campagne. Ouais, ouais, ok d'accord. Vos origines. Okay. Non, mais donc, du coup, tu dis, OK, la vidéo, euh, entre côte un peu forceur, tu vois ce qu'on veut dire, etc. OK. Mais sur cette vidéo-là, tu vois, tu vois pas qu'il y a un peu une mécanique en commun sur le côté de... En fait, y a, ça, vous êtes dans l'hyperbole un peu dans le truc. Est-ce que, est que ma théorie de vous vous êtes ambiancé en tournage, elle est fausse Ou elle est un peu vraie Non, elle est vraie, surtout que la vidéo, elle a été écrite après le tournage. Tu vois, genre, on est allé un peu partout à Paris. On a mmh. tourné des plans sans savoir exactement ce qu'on allait en faire. tu vois. Donc, euh, c'est vraiment le truc authentique de... On est chez les Bourges parce qu'en vrai Saint-Germain, même si vous vous dites il y a des nuances, il y a des bourges qui sont pires que ça. En vrai, enfin moi quand je vais là-bas, que je vois des trucs en marbre et tout. En vrai de vrai, moi j'ai un truc que Bourges, tu sais, avec tous les jeunes, tu sais qui ont des pulls sur les épaules là, tu sais et qui ont des lunettes de soleil. Enfin il y, y a jamais ça à Guingamp, tu vois. Et du coup, il y a ça, donc un peu ambiance comme tu dis Après, toi à Il y a, y y coup, y a, y a quoi à Guingamp Il y a rien à Guingamp. Euh, oui, ben, d'accord. Non, mais il y a pas des gens comme non, ça. mais mais c'est les prolots les la, prolo, de, les prolo de, de Gingamp, Paris quoi. Les prolos de Paris sont plus lookés que les bourgeois de Guingamp évidemment genre il y a ça aussi c'est que à Paris il y a un truc que les gens et je jure que c'est vrai ce que je veux dire il y a un truc que les gens ils prennent il y a des gens ils croient que c'est des bourges c'est des gens ils ont moins de thunes que vous juste ils savent se saper quoi non ça je suis d'accord mais quand même Saint-Germain c'est quand même des bourges quoi tu vois alors c'est pas pas les plus gros bourges mais c'est pas mon endroit moi perso en plus c'est même pas mon endroit préféré de Paris Saint-Germain j'ai même pas envie de le défendre plus que ça tu vois mais t'aurais enfin en fait genre je je sais pas comment expliquer tu genre la, la vidéo, il y a des gens, ils vont voir ta vidéo, moi j'en suis persuadé, ils vont se dire Ah, mais moi j'aime bien ça. Euh, quand je suis allé en week-end à Paris, euh, une fois, je suis allé au café de Flore parce que j'ai vu un reportage où on m'a dit que c'était le bar où allaient Sartre et Camus. Et du coup, j'ai voulu y aller, et il s'est fait attrape-touriste par ce truc-là. Enfin, Camus, ouais, moi, je suis euh, il rentrait pas vraiment, mais oui. Oui, non, mais. Oh, ok. Oh, ah, le fact-checker Ah, bah, fact bah, bah toi, t'es le ou... fact-checker de l'extrême aussi euh, depuis tout à l'heure. Moi, en vrai je suis un peu d'accord que ça pue la merde Saint Germain des Prés oui ça, ça pue un peu la merde Saint Germain des Prés moi, je suis la à vérité à toi, câlin, sur ça c'est pas, pas le gras, moi, moi c'est pas mon défendre les coins de pas mon préféré de Paris moi moi je te pas le pas dis hier j'étais en terrasse je sais plus là lui il avait la rue exacte là. j'étais pas yambe. il y avait que des bourges bizarres j'étais pas yamb j'étais pas bien et d'ailleurs à un moment il y a des il y a des frérots de Snap qui sont passés en voiture avec du rap à fond mais la réaction de la terrasse ça m'a glacé le sang ah ouais. Genre, ils, ils, ils ont étaient tous Ils regardaient ça en mode mépris, horrible. en mode euh, ⁇ ça y est, où sont les flics ?⁇ quoi. Ouais, mais tu Alors vois canard, juste il des gars qui sont là, classés. il aurait vu ça, mais tu aurais vu la, la différence. quoi. Ah oui, c'est un attrape touriste pour les provinciaux Saint-Germain. Il y a d'autres endroits où les bourgeons, c'est ça en fait, Canard. C'est que tu es allé à un endroit attrape touriste et tu t'es fait avoir, comme un touriste, euh, tu as fait ton prolo mental, à voir des touristes et à te dire ⁇ ça c'est la bourgeoisie parisienne ⁇ et en fait, au final, presque, tu ne l'as pas montré. Tu vois ce que je veux dire ou pas Est-ce que c'est aura... grave Mais tu vois, ça Je sais pas. On aurait pu être plus précis en décrivant la, la vraie bourgeoisie parisienne, celle qui habite dans les vrais ghettos avec des vrais portails et compagnie, c'est vrai. Mais est-ce que tu, ce que tu décrivais de, euh, là, en mode ce que tu as ressenti euh, quand tu étais dans le café, là, bah, c'est exactement le même sentiment que moi j'ai ressenti là en me disant, parce que moi je n'ai pas l'habitude de voir des gens comme ça. Mais là où je vous disais forceur en forçant dans le chat. C'est que justement, après, dans la vidéo, il y a justement ce truc-là où je dis que, ouais, en fait, il y a des bourgeois, mais en fait, il y a aussi des prolos qui sont là-dedans, qui sont dans les Champs-Élysées, qui achètent des trucs de marque, qui sont là, et qui même euh, font des, des repas pour leurs darons, qui sont là en train de claquer leur fric pour des coupelles de champagne, des touristes et tout. Et c'est là où on met en place une, une dialectique, en fait, si j'utilise des mots de gauchistes de merde, tu vois. Parce qu'en fait, c'est le truc de, soit essaye de faire une synthèse qui dit tout exactement comme c'est toi, tu essayes de faire comme on a essayé de faire dans cette vidéo, tu vois. De, On balance des avis et puis après on fait la, la, le contresens, puis le contresens, puis le contresens pour essayer d'avoir une synthèse après, pour que tout le monde puisse avoir son truc à exprimer, tu vois. Comme ça, tu commences la vidéo en mode se marre de Paris, et à la fin, tu as une vidéo qui dit j'aime Paris, parce que Paris, c'est stylé. Mm, mm. C'est ça un peu l'idée après, que, au niveau de la réalisation, des mots choisis, des trucs machin. Mais c'est ça l'objectif de cette vidéo, et c'est pour ça de beaucoup de trucs que toi, t'as dit, Danny, en fait, c'est présent juste après dans la vidéo. C'est présent après dans la forme que peut-être que vous vous aimez pas. Mais en tout cas, c'est présent mot pour mot, quasiment ce que tu as dit là. Quoi. Oui, ça c'est vrai. On l'a vu tout à l'heure, Dani. C'est vrai qu'il y a ce truc, il y a ce changement, tu vois. Mais c'est... Je sais pas. Et puis tu vois, en dehors de, de la vie sur Paris, en fait, il y a plusieurs choses qui se mélangent. C'est que moi, là où tu as raison, je pense déjà il y a un côté gaslight par euh, la putain de vidéo là. La vidéo CSC absolue. Ou du coup ouais, on était ouais. dans la, ah, ouais. la vidéo, en, la vidéo, de la vidéo euh, euh, sur la queue là plus le début bizarre et après en plus bon il y a Raz <laughs> qui part dans ses délires avec Cassandre là de ah bah, c'est pas vraiment la bonne rue moi ça je suis en mode de... là moi je suis comme toi moi je vois des... mais t'aimes pas Paris mode... toi de toute façon mais, un mais fou si Paris, hein. mais qu'est-ce que mais tu vois c'est insupportable en fait donc ça moi je te Mais moi mais moi, moi la partout... Jo Lucas j'aime ah, oh, tout Paris mais le truc horrible, c'est genre, moi je trouve, c'est le RP en fait. Genre, en fait, ce que je trouve qui ne fonctionne pas dans la forme, c'est le RP, chier sur Paris. Euh, oh là là, il y a des bourges partout, into le RP. Non, mais ça va, il y a des frérots de Snap. Il y a un truc malaise là-dedans. Il y a vraiment un truc malaise. Et en fait, là où je vois que c'est malaise, c'est que je vois le chat qui veut full rentrer là-dedans. Tu vois, je vois des gens qui connaissent pas du tout, c'est la réalité parisienne, école du parisienne, c'est aussi tout ce qui est la région parisienne, etc. et qui sont en mode ah oui, c'est bon, de toute façon, vous êtes de droite si jamais vous dites ça, et c'est ça qui je trouve super énervant et qui énerve plein de monde. Et je pense que c'est ce qui fait que aussi les gens sont autant vénères sur l'extrait que tu as publié là, ouais, Où ils étaient en mode, mais ces gens-là comprennent rien, c'est des non. gauchistes aigris qui sont obligés de faire les bandeurs, euh, tu vois. C est c est la la, la fin de la vidéo, vidéo. Je... Après le, enfin, on... je comprends le raisonnement. Après, moi, je suis pas parisien, je vis pas les trucs que vous vivez avec le chat et tout. Donc, en vrai, j'en sais rien, vois, Mais je comprends le, le délire. Euh, après, il y a un truc aussi qu'il faut qu'il faut capter aussi dans notre dell C'est que en vrai de vrai, on s'en bat les couilles de Twitter. Tu vois, genre vraiment le, le, le public Twitter, on s'en bat les couilles vraiment, ouais. tu vois. Et, et du coup, c'est pas ouais, là, pour ça. nous, c'est pas un problème. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas un problème de faire des des trucs des faux dramas sur Twitter à la con. Et que justement l'important c'est les gens qui vont regarder cette vidéo là Et les gens qui vont regarder cette vidéo là C'est pas forcément des, des parisiens comme vous Bien bien comme ça Mais des personnes qui vont peut-être avoir le début du raisonnement Et qui vont prendre la vidéo de, de cette façon là Et qui vont la finir d'ailleurs avec un discours un peu Même si c'est simplifié, même si machin Un discours de solidarité avec les banlieues Et du truc de, de beau fait barbare tu vois Oui toi ton truc là on, euh, Si j'ai bien compris ton objectif, c'était un peu de montrer aux gilets jaunes, euh, aux gens un peu plus campagnards qui ne sont pas parisiens, de dire en vrai, regardez, euh, voyez le point commun que vous avez, notamment avec les Noirs et les Arabes, qui se révoltent en ce moment. Est-ce que c'est... Toute la vidéo, c'est un peu genre, il y a les bourgeois qui font chier, nous on s'est révoltés les gilets jaunes, il y a eu les révoltes dans les émeutes. vas-y on y va ensemble et on fait des trucs, tu vois. Et avec euh, plein de petites nuances ici et là qui, qui sont basées. En disant d'ailleurs, et la réconciliation d'ailleurs avec Paris, c'est le symbole de cette réconciliation entre les beaufs et les barbares, en disant qu'il n'y a pas d'opposition à Paris, mais qu'il y a des alliés structurants à Paris qui sont les gens dans les banlieues, qui sont les gars de quartier, quoi. Mmh, mmh, mmh. Mais attends, parce qu'en ouais, plus, après, déjà ta vidéo, moi je l'ai vu tourner pas que sur... Déjà, tu dis, je m'en bats les couilles de Twitter, ça fait quand même 4 millions de vues. Bah, avoue que pour faire gagner tes idées c'est pas fou. Euh... En plus c'est pas vrai, parce que si t'en battais vraiment les couilles tu posterais pas dessus. En fait je comprends pas, tu dis ouais on n'a pas fait exprès, en même temps on a cherché à provoquer, on s'en fout un peu, il y a un truc bizarre. Et ensuite ta vidéo je l'ai vue en YouTube Shorts, je l'ai vue ailleurs aussi. Et les gens ils étaient tout aussi vénères sur YouTube. Donc tu vois il y a enfin, un est truc pas fait un peu ils ont C.S.C. Pas fait sur, sur YouTube. Oui ça, ok d'accord, mais les gens ils étaient quand même des gens en mode C.S.C. Moi, je suis tu vois. Je moi, je trouve que cette, cette rhétorique, elle est fin. Pourquoi pas aller, dedans, pourquoi pas aller dans le truc du ressentiment envers Paris et de vouloir le détailler Mais je trouve que. Il ben, y a un truc vraiment cringe, en fait. Mais cringe pour après, toi aussi. Après, là où, Dani, moi, je, je fais le modérateur de ce débat. Là où je. Oh non, vas-y, ça vois... devient un débat avec moi, alors que c'est toi qui défends Paris. <laughs> c'est ça, non, la non, dinguerie rigole, aussi. Non, mais je vannes, non, mais je vannes. Non, mais je regarde les commentaires. Et il a, il a allé dans le sens de son public Gilet jaune. Parce que les gens sont en mode, euh, c'est très réel ce que tu dis, sur Paris, l'une des plus belles et plus émouvantes chroniques, histoire de la résistance à la crasse bourgeoisie nauséabonde engeance de privilégiés. En fait, tu as convaincu les Entoven gilets jaunes Ok, bah j'ai les mêmes commentaires sur les vidéos de Vincent La Pierre. Ça cache pas rien. Super. Voilà, merci Dani. Non, mais en fait, c'est en fait le truc. Très bien, que... quoi. Trop bien. Moi, je pense que cours ta cours, vidéo. Gars. Non, à non, à... non, non, la non, pierre, non, là, non. non, mais oui, bien sûr. Non, mais que... là où Dani a raison, c'est que est-ce que tu est-ce que c'est si positif que ça de de convaincre les gens avec un truc un peu faux? Moi, c'est ça qui me dérange aussi, c'est que moi, j'ai l'impression, enfin, euh, tu vois, genre c'est, je sais pas, je sais pas. Après, peut-être qu'on n'est pas du tout la sociologie visée et que c'est hyper efficace pour faire comprendre un truc euh, à ton public un peu plus. Ouais, mais est-ce que ça les et élève vraiment tu etc. vois, c'est ça aussi, c'est. Est-ce que mais... vous connaissez d'autres discours euh, gilets jaunes euh, qui a qui a ces positions-là au niveau des banlieues et au niveau de l'unité euh, des prolétaires? Et avec le discours sur les révoltes dans les banlieues et une solidarité de classe absolue avec eux. Parce qu'il y a d'autres chaînes gilets jaunes qui sont capables de faire ça. C'est <laughs> Sabrina. <rire> La triche. <laughs> tu citais Sabrina. Non, mais je rigole, je rigole. Sabrina ouais, c'est vrai en plus. Bah. Non, mais après, ouais, bah, PDH un peu. Tu vois. Non, mais après, ouais. ouais mais PDA, non, pas mais que nous, que moi, pas là plus où plus je suis d'accord avec toi, nous en plus, on a toujours défendu euh, ce que vous faisiez sur cet angle-là en plus genre ah oui, de dire canard réfractaire on il, est dit. Vraiment, euh, il est vraiment il est vraiment puissant euh, dans sa lane et il a vraiment euh, tu vois euh, un, une, un pied dans un endroit où très peu de gens dans la gauche internet pour dire ça comme ça ont un pied tu vois et ça on l'a toujours reconnu tu vois mais euh, je moi, je me méfie du côté un peu. C'est performatif, je ne sais pas si c'est vraiment le mot que je veux si c'est ah, mais... si, de la performativité oui, militante, ouais, voilà, de on est d'accord, d'avis. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est vraiment ça. ça moi, trouve... aller dire bourgeois à des gens dans la rue, si c'est pas de la performativité militante, je ne sais pas c'est quoi la performativité militante, tu vois. C'est ça. Et ça, en fait, est-ce est que toi aussi, de cette angoisse Parce qu'en en fait, tu veux vraiment viser les Gilets jaunes, mais il y a plein de Gilets jaunes qui sont dégoûtés de la politique, qui vont trouver que là, tu as dit, juste comme un gauchiste, tu vois. Et ces gens-là, ça ne te dérange pas de pas leur parler, du coup parce que de toute façon, c'est la boucle Macron, la boucle Macron, les... la boucle un peu les gens anti-Macron. Toi, finalement, c'est ça aussi un peu le fond de commerce et les limites de, de ta ligne édito. C'est que c'est ah, Macron, on chie sur Macron, on a tous les gens en colère contre Macron, il y en a plein. Et hop, euh... et on leur sert le discours qu'ils ont envie d'entendre, que Paris, c'est pas bien, que machin. Après, je vois la nuance que d'essayer de leur apporter, même pareil sur l'écologie, tu vois, c'est ce qu'on avait vu aussi sur la vidéo écolo, de, de dire ah, on est parce qu'on n'est pas un peu trop, des fois, enfermé dans notre truc. Après, ce que tu dis, Danny sur les gilets jaunes, c'était vrai, je pense, il y a deux ans, il y a trois ans, vraiment, au début de la chaîne du Canard, où tout s'articulait sur Macron, 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 de manière un peu insupportable tout le temps, tu vois. Et moi, de ce que j'ai l'impression, c'est que ça a changé depuis, tu vois, que juste le discours anti-Macron, ça suffit pas trop, et que les gilets jaunes, ça n'existe plus, et que c'est parti dans plein de branches différentes, tu vois, que ce soit des branches plus de gauche ou des branches plus de droite, et qu'en fait, l'unité gilets jaunes, en vrai de vrai, euh, ce sera plus précis de dire euh, prolo blanc que gilets jaunes, tu vois, en vrai. Donc il y a ce truc-là, et du coup, nous, on a fait ce virage-là, on a fait ce virage international marxiste il y a un an, deux ans, et qu'on n'est plus du tout juste sur la critique de Macron, et en vrai, de vrai, les vidéos, on fait juste chier sur Macron, on en fait plus trop, quoi. On n'en fait plus trop parce que justement, l'impasse que tu disais, c'est qu'on répète toujours les mêmes choses et que juste à critiquer Macron, on critique plus difficilement le système. Et puis de toute façon, même si ça va être Le Pen qui va être là, du coup, tu sais, as tout ce truc de, si tu anti-Macron, en fait, tu favorises les Le Pen. Et du coup, tu as tout une contradiction qui se met en place si tu as une vision un peu de gauche, entre guillemets, là-dessus. Mais ça, c'est un truc qu'on a quitté de, il y a quand même il y a un an, un an et demi, je pense. Hein. Mais c'est réel ce que tu dis. C'est pour ça que même quand je disais les Gilets jaunes là, en vrai, de vrai je pense qu'il ne faut pas dire ça. Les Gilets jaunes, ça n'existe plus, ça n'existera plus, ça se refait. Je, sur... ah, je vais sur ta chaîne. Paris, pourquoi nous sommes insolents. Dérive macronienne, bientôt la dictature, pire que Chiapas. On fait tomber un milliardaire. Nanterre, un pas vers la dictature avec Macron. Macron après la révolte du coup d'État. Révolte avec des Gilets jaunes. La France en feu avec Macron sur la miniature. Après... Voilà il y a quand où... même beaucoup de Macron, Le discours qui est mis là-dedans, ce n'est pas, pas le discours centré sur Macron comme il y avait sur les Gilets jaunes à l'époque, tu vois. Tu, ouais, tu ouais, regardes ouais, cette ouais. vidéo-là, ce n'est pas le même discours que ça. Il y a une évolution là-dessus, tu vois. Euh, euh, Peut-être. Après, après Macron, moi, je t'avoue que moi, je regarde aussi moins parce que, justement, je suis en mode « Ah, ça boucle sur ça. » et Donc, ça se trouve, je vois pas aussi les, les changements de discours. Tu vois, ça c'est possible hein. Après, nous on sait à qui on parle, on sait à qui on veut parler, et on sait que c'est pas, pas vous, quoi. C'est là aussi où c'est intéressant le fait que y a, ouais, genre, deux non, trucs. Ouais dit... de... oh, ouais, ça, 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 ça euh, de On l'a euh... toujours dit, hein, Donc ça. On le voit, tout on voit dans les commentaires aussi et tout, tu vois, genre, euh, bien sûr que bah, les gens, ils ont l'air ils euh, ont l'air. Il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord. Genre euh, les quartiers où tu as traîné ne pulle pas de millionnaires, ça se trouve parmi ceux que tu qualifies de bourgeois, il y en a qui sont abonnés à ton canard, ça me fait rire. Trop... Il y en a un qui a dit aussi, pourquoi t'as pas dit que Mélenchon il est numéro 2 dans le 6 sixième avec 15% des voix <laughs> Il m'a fait rire lui. Mais après ça, c'est parce que c'est les bobos du 6e qui votent Mélenchon, euh, c'est oui. euh... autre chose. Mais pas Bah c'est ça. Tu vois, puis c'est. C'est... C'est... Ouais, bon, tu vois, genre... Euh... Je... Moi en fait. Non, après, en fait, suis... à la base, moi je pense qu'en plus, il n'y a pas forcément de souci avec ça. C'est juste qu'on le, le réacte. il avait envie de défendre Paris comme en retard. Euh... Et moi, je suis. Oui, juste... ça, la vérité. Moi, je suis juste en. Non, moi, en fait, c'est le chat, le... moi, qui m'énerve plus que ta vidéo en vrai. Même si je revois comment est notre chat. Je pense qu'elle est là aussi, la ligne éditoriale. C'est que toi, tu es en mode, moi, je vais convaincre les gens qui ont du ressentiment vers Paris et leur montrer. Que, en vrai, il euh, y a des banlieusards, machin, et tout, et t'amènes un peu un discours, allez, je vais le mettre entre des gros guillemets, mais un discours un peu PDH euh, à un public qui n'est pas du tout le public, justement, et qu'en vrai, c'est malin, toi, par rapport à l'objectif que tu te fixes. Mais nous, derrière, on a un autre objectif édito qui est, euh, on voit ça, et on est obligé de dire aux gauchistes, mais vous êtes des malades mentaux. Tu comprends <laughs> du coup, ta vidéo, elle a, un, elle a une autre utilisation qui est unique pour nous. Mais en vrai, la vidéo en soi, là en plus, là tout à l'heure, j'ai vu Wissam Sam qui la regardait. Et quand il disait à la fin, en vrai, je préfère avoir ce discours-là sur les banlieues que les milliards de discours de merde qu'il y a eu sur les émeutes récemment. Il disait même, moi, je préfère le discours de Canard que celui de Bégodo sur les émeutes. Parce qu'on voit comment Bégodo, il, il, a, il a mis le truc de côté. Donc je peux comprendre, quoi. Mais nous, on est aussi en mode. Euh, ah, oh, Ce discours-là, moi, au bout d'un moment, je le trouve juste c'est et bizarre et postural et populiste. C'est vraiment populiste original quoi. Et d'ailleurs, moi, si je me méfie de ce discours, c'est parce que pour beaucoup de gens, ils vont dire qu'ils n'aiment pas Paris parce qu'ils n'aiment pas les bourgeois. La vérité, ils n'aiment pas Paris parce qu'il y a trop de Noirs et d'Arabes dans Paris. Il y a ça aussi. Il y a ça. Il y a ah. aussi un truc, tu vois. Il y a trop quoi, de touristes bizarres, de gens qui veulent leur vendre des tours Eiffel, de machins. Et c'est extrêmement le discours de l'extrême-droite aussi de diaboliser Paris. C'est pour ça que nous on a eu un contre-discours, dire c'est vous qui aimez pas la France, vous n'aimez pas Paris, machin, tout ce truc là qu'on a mis en place avec Dani Raz et qui s'est construit au, au fil du temps. C'est pas pour rien. Mais tu Parce regardes par truc, exemple un exemple politiques. quand ça prend en photo. Sandrine, ou Mélenchon Rouchot. Rouchot. <laughs> Sandrine Rousseau ou Mélenchon dans une random brasserie comme celle que tu as filmée dans ta vidéo en disant Ah bah elle est belle la gauche, en bourgeoisie parce que tu es en terrasse dans Paname Pour moi c'est un peu le même discours populiste, tu vois, que tu sers en partie. Après là où tu as raison, c'est que c'est pas le même fond. Tu vois, genre c'est pas, pas pour faire la même chose. Mais moi des fois je trouve que ça ça, ça légitime un peu ce genre de truc que je trouve qu'on, ça a pas vraiment de sens, quoi. Genre tu vois c'est le truc de enfin le truc de, de filmer des terrasses à Paname dans des rues comme ça tu prouves rien sur la bourgeoisie des gens vraiment ça j'ai juré c'est pas ça qui les, 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 les problèmes de Paris tu vois genre vraiment genre mais je te jure que c'est un misshot je te je te jure vraiment que de visiter Paris de revisiter d'autres quartiers bourgeois mais ce qui est mais intéressant ouais. ce que moi j'ai en tête aussi quand il y a des trucs comme ça c'est qu'en vrai canard ça va durer encore quelques années tu vois et que les idées ça met du temps à évoluer, et que je pense qu'on va évoluer avec ces trucs-là, c'est qu'en vrai la vidéo elle a un peu forceur sur tous les niveaux, tu vois, elle est forceur sur le côté bourge, elle est forceur aussi sur le côté banlieue etc, même si c'est pas au point que vous le dites, je pense qu'il y, y a le bon discours qui est derrière quand même, mais Que justement, ce truc forceur là, ça permet aussi de rentrer dans des réalités qui existent dans ce pays avec des gens qui pensent ça aussi et que ça va évoluer et que nous on va évoluer avec ça. On n'a pas envie d'avoir une posture justement gauchiste pour le coup qui est de savoir c'est quoi la bonne position dans l'abstrait, tu vois, et la prendre et la défendre. On a envie de suivre un peu ce mouvement là et de faire un pas en plus, tu vois, pour aller vers les banlieues, pour aller vers en fait nous on aime bien aussi les Champs-Élysées, les trucs et pas aller trop loin dans ce délai là. Et peut-être dans un an et dans deux ans, on fera des meilleures vidéos à ce sujet parce qu'il y aura les vos retours à vous. Parce parce qu'il y a les retours de Wissam, parce qu'il y a les retours de tout le monde, et que peut-être qu'on fera d'autres trucs ensemble et tout, et que c'est comme ça que ça va évoluer, et les gens vont évoluer avec nous. C'est mmh. pour ça qu'il n'y a pas genre de vidéo parfaite qui va résumer toute la situation, mais si tu prends le canard d'il y a deux ans, la situation en France d'il y a deux ans, le canard de maintenant, la situation en France est pareil pour deux ans d'après, c'est ça, c'est cette évolution-là qu'il faut voir, quoi. Et en vrai, moi, je, ce que je dis dans la vidéo, même si en vrai c'est forceur parce que c'est écrit, puis ça a été écrit très très rapidement en vrai, toute cette vidéo-là, mmh. euh, c'est que, bah oui, c'est forceur, mais c'est un peu vrai aussi, moi je le pense un peu, tu vois. Genre le truc de bourgeois à Paris, je le pense un peu, le truc de Champs-Élysées, je le pense un peu. Bandeur de cité, en vrai c'est exagéré parce que je connais plus que ce que je montre là, mais oui, c'est, ça existe aussi. Mais en même temps, il n'y a rien d'autre à offrir que ce que je pense, tu vois, dans ces trucs-là, parce que si t'es pas un peu sincère, même si tu forces un peu les traits. Bah, du coup, tu dis quoi Tu dis un discours politique un peu à la con. Donc moi, je préfère mettre genre, les contradictions, des trucs forceurs, les trucs, les machins avec les imperfections qu'il y a, et voir l'évolution de ça au fil des années, plutôt que juste balancer des textes comme ça, que je crois même pas, que je connais même pas, et comme il y a un peu partout sur, euh, à la... dans la gauche, quoi. C'est une espèce d'antide, je sais pas, de truc pour se protéger un peu de, de ce côté-là. Mmh, mmh, ah, ça va. Ouais, 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 ouais. Mais là, en fait, le problème, c'est que moi... Euh, tu vois pour tu vois genre pour moi cette réflexion là dans une vidéo comme ça il y a des trucs où je trouve ça compte son camp c'est pas réussi mais je trouve que ta réflexion elle mène à qui pour moi sont des graves erreurs stratégiques au, euh, entre de gate quoi tu vois où il y a où je trouve vraiment que là tu vois c'est euh, ce mode euh, ce que tu dis là c'est ça qui te mène des fois dans ces erreurs là et le côté euh, tu vois genre c'est ouais le côté forceur tu vois vraiment tu vois si ça si ça devait être euh, un défaut c'est euh, celui-là, tu vois. Genre euh, genre même, tu vois, par exemple, aussi un truc que personne n'a compris, c'est le truc avec pas du ring, là. Tu vois, par exemple, où je trouve, OK, là, qui est beaucoup plus fermé, qui est beaucoup plus confidentiel de trucs, tu vois, où c'est parti oui, en d'un coup. Pas grave, coup. À la non, mais ça, c'est pas... Non, mais tu vois, c'est le truc de... Euh, des fois, on, on a l'impression de l'extérieur que tu vrilles sur un truc. Et, et aussi, il faut pas oublier que... Les gens, ils ont une image de toi. Il y a les gens qui regardent toutes tes vidéos, les gens qui vous suivent que sur YouTube, etc. Mais il y a aussi une image que tu, que tu as euh, en dehors euh, de ce public-là qui est très euh, présent sur la chaîne Canard, etc. Qui existe en fait et qui a un peu un effet sur tout le monde. Et quand Daniel il expliquait par exemple le truc de la vidéo entre côtes, il y a plein de gens qui vont se dire Ouais, les gauchistes, ils savent pas être heureux quoi. Il voit des gens faire la queue pour un resto, où il pète un câble. Tu sais, il y a un côté un peu euh, repoussoir, tu vois. Genre, euh, tu sais, de, des gens qui sont pas déjà un peu politisés, tu vois. Ouais. Et est, moi, je pense c'est là aussi notre angoisse avec Dani. C'est qu'on a l'impression que ces trucs-là, c'est hyper efficace pour des gens déjà dans des idées euh, de gauche, pourquoi pas, mais que euh, les gens un peu dépolitisés, ça les aliène un peu, tu vois. Et, euh, et, euh, et c'est une critique qu'on se fait à nous-mêmes, en plus, tu vois. De, de se retrouver dans des sociolectes, dans des avis à l'emporte-pièce, à dire bourgeois toutes les phrases, à dire un truc comme ça, tu vois. Genre, euh, genre, on, on, on sait qu'on aliène des gens, tu vois. Et c'est aussi qu'on prête sur euh, toi euh, les angoisses qu'on a par rapport à nous, tu vois aussi. Genre, ça, c'est réel. Oh, Détendez-vous les carnets dans le chat. Voilà, tout est bien. <laughs> c'est une dinguerie. Je sais pas ce que tu en penses, tu vois. Genre, je sais pas si toi, ouais. Ouais. Non, tu en toi, fait, as ouais. l'angoisse de comment aller chercher ailleurs, tu vois. Je suis assez d'accord, enfin, ce que, ce que tu as dit, je suis assez d'accord là-dessus. Euh, je vais te dire un peu le, le raisonnement qui est un peu con, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudra euh, corriger à la base, tu vois. S'il y a un truc à corriger, ce sera là-dessus. C'est qu'en gros, le raisonnement, c'est que, genre, Twitter, t'as genre euh, 4-5% des gens qui tweetent en vrai de vrai, tu vois, et qui font en réalité euh, ce qui est top tweet et ce qui n'est pas top tweet, tu vois. Et que, du coup, si tu veux être euh, présent sur la plateforme ou si tu veux faire des trucs sur cette plateforme-là pour toucher les 90%, tu vois, euh, en fait, t'es obligé de cliver un maximum ces gens-là. Un maximum, un maximum. Et le truc qu'on a fait, c'est ce qui permet de cliver à la fois la gauche et à la fois la droite et tout le monde. Et c'est comme ça que ça fait monter les trucs. Oui, alors, alors pour ouais. le coup, non, là, t'as pas clivé. Tout le monde trouvait que tu disais de la merde. Eh oui, mais c'est ça. J'avais envie enfin, que je voyais Usu et Raphaël Entoven qui, qui disaient la même chose. Genre, moi, c'est... Oui, mais sur Twitter, pas, vous aussi, tout le quasiment. En vrai, tout le monde déteste tout le monde sur Twitter. Bah en non, parce que par exemple, quand nous, on fait Gloria, ça clive. Mais du coup, il y a des gens qui sont en mode c'est intéressant ce que dit Oria et qui nous défendent en mode antiraciste et t'as des gens qui vont dire ils ont parlé avec Oria et ce sont des dhimis tu vois ça c'est un clivage c'est que là il y a des gens qui sont racistes ou même pas forcément mais qui sont contre le discours d'Oria d'un côté et des gens qui découvrent le discours d'Oria ou qui sont antiracistes de l'autre là toi tout le monde était contre ta vidéo gros c'est pas pareil c'est pas du clivage c'est juste du pur bad buzz quoi Ouais, ouais je pense que attends la... mais sur ce... mais après... la vidéo de Twitter c'est réel c'est un bad buzz ça vous... pour moi vraiment je pense que vous vous êtes planté euh... c'est le... pour ça qu'on s'est méfié de la vidéo mais derrière, après moi quoi. je te parle pas de Twitter mais c en fait ce que je ne comprends pas c'est ton argument là Twitter ça compte pas alors que t'as posté toi-même le enfin c'est biz... vraiment bizarre non, en vrai en vrai juste... as raison. Et de toute façon non, mais... le problème c'est pas le tweet le le problème c'est pas Twitter le problème c'est ce qui a été dit c'est la manière de faire, c'est le fait de filmer les gens, les... en disant c'est tous des bourges, machin, alors que c'est pas précis c'est ça qui a énervé les gens et ça les a énervé sur Youtube aussi Youtube c'est ta plateforme Oui, oui, je pense qu'on n'aurait pas dû la mettre sur Youtube ça c'est une des erreurs qu'on a faites, on n'aurait pas dû la mettre sur Youtube mais après sur Twitter, pour répondre à ta question en vrai, de vrai, si on veut être bien précis c'est les, les... moi je trouve perso que les gens qui sont sur Twitter, c'est un peu des enfin, c'est vraiment le truc le malsain, le plus gros truc malsain possible, tu vois mais il y a quand même 90% des gens qui tweetent pas, qui sont là et qu'on peut toucher pour notamment pour des futurs projets qu'on a pour euh, septembre. C'est un peu ça aussi y a derrière l'idée. Mmh. Et pour euh, juste pour terminer le raisonnement de la stratégie, euh, c'est que en gros c'est pas euh, comment dire. S'il y a des gens qui nous détestent sur Twitter et qui nous voient dans les vidéos. Ils vont, ils vont capter, tu vois, la différence. Et ceux qui nous suivent sur les vidéos et qui nous connaissent, ils voient la différence, tu vois. Il n'y a, a pas grand monde qui capte en, en vrai de vrai que je dirais euh, les frérots de Snap, tu vois. Jamais je dirais ça, jamais je dis ça, tu vois. Ouais, mais le Twitter est dit... en mode malaise. Mais oui, mais justement, c'est parce que c'est es que Twitter. en disant Ah, c'est une blague, les frérots de Snap, ça les ferait rire. Mais mais jamais ils utilisent mais... les. C'est pas que ça moi, fait les... rire, c'est que ça clive et que ça fait péter des câbles Twitter et que c'est comme ça qu'on utilise la plateforme en vrai de vrai. Tu vois. Tout le monde fait genre. Moi, on a des... les, les frérots de Snap, c'est devenu mon même préféré actuel. Donc, au final, un peu réussi. Toi, mais bah oui, toi, un peu réussi. Mais jamais en vrai de vrai, j'utilise ce truc-là. Et les gens qui connaissent le canard, qui regardent les vidéos canard, qui ont vu les 400 vidéos canard, où on parle d'international, où on fait des analyses de tout, de tout, de tout en permanence. Ils capte bien que le, ce truc-là, c'est pas ce qui correspond à la réalité. Je sais pas, du moi coup, je te trouve dans le dommage contrôle. Après, ça marche bien, les gens ont l'air d'être convaincus. Moi, je trouve que c'est un peu du dommage contrôle. Vous avez mis une vidéo, vous étiez persuadé de... de viser juste. Tout le monde s'est un peu foutu de votre gueule. La première réaction, ça a été de dire Ah non, euh, les frérots Snap, ils nous comprendraient dans votre RP un peu. Et puis après, bah, maintenant, t'es dans le truc Ah c'était une blague. Euh, tranquille, en fait, euh, machin. Et vous avez un peu repensé votre vidéo différemment. Mais bon, après. Euh... Bah... Est-ce que, que c'était on... pas ça, pas du ring aussi un peu Est-ce que pas du ring, il n'y avait pas une vraie embrouille au départ et après ça s'est parlé, non. ça s'est calmé et tout. Non Juste pour répondre à Danny, moi je pense. Vas-y, vas-y, vas-y. Juste pour répondre à je pense que c'était une. En vrai, je ne euh, le referai pas de remettre les vidéos sur Twitter, tu vois. Genre, je ne dis pas, genre, c'est bénéfique et tout ça. En vrai, c'est un peu con et ah bah, un peu OZF ah bah. aussi, tu vois. Un peu aux F parce qu'en fait, on passe directement à autre chose, tu vois, et qu'après ce live-là, plus personne ne va parler dentre tu vas juste avoir 3-4 droits qui vont nous mettre ça en peu sur Twitter, sur Twitter, et puis c'est pas très grave, tu vois. Mais je referai pas, en tout cas, cette vidéo-là sur Twitter, c'est clair. Après, le, le, c'est pas du coup du domaine contrôle à 100%, tu vois. Mais après, il y a quand même d'autres trucs qui sont intéressants à dire que ça. Et sur Paduring, par contre, de c'est ouf du complot, mais de... du complot, mais genre, il m'envoie un message en mode Eh, hey, on fait un débat. Moi, je lui envoie un message Eh, hey, on fait un complot, faux drama sur Twitter. Et à chaque fois qu'on faisait des séquences de tweets, on parlait derrière sur Discord en parallèle et on parlait de, de trucs. On parlait de ce qu'on allait mettre. Moi, je lui ai envoyé ce que moi je voulais mettre parce qu'il m'apprenait à utiliser Twitter. On parlait de la NBA et tout, tu mmh. vois. Donc, c'était 100% complot, 100% complot. Et c'est peut-être là d'où ça vient aussi, genre une espèce de, de surconfiance, du contrôle de Twitter qu'on n'a pas maîtrisé aussi. Il y a peut-être ça aussi. Un peu trop excité. Bah ouais, bah bah déjà, ils pas les pas gens, ils ne comprennent pas la rêve. Du coup, je leur montre en une seconde Ouais, montre-leur. le leur fameux tweet. Donc, a été posté mais après. Qu'est-ce euh... qu'il fait avec les scènes ah oui. non, non, mais c'est juste ce gros. J'avais pas mis en petit, c'est tout. Oui. Donc, aller rager les twittos Nous, on reste avec les frérots sur Snap tranquille. Nous, on bosse le week-end pour vous prendre le pouvoir. Vous n'êtes pas prêts à notre niveau d'insolence C'est du foutage le... de gueule. Avec, ça, avec Val, mais... qu'est-ce qu'ils vont euh... faire Oui, non, mais en fait, du moi, je gueule. sais. Je le vois que c'est du foutage de gueule. Mais. Euh... Il y a quand même quand, quand oui, internet, dit Quand Wissam il dit. Canard, tu es très bon pour parler à ton public, mais est-ce que là, tu n'essayes pas d'aller convaincre des gens qui vont pas te regarder Est-ce que c'est pas un peu cringe T'en penses quoi quand il a dit ça tout à l'heure euh, Je pense que... Alors, je, je surestime pas le truc, hein, mais il y a des gens dans les quartiers qui regardent Canard. En oui, vrai, non, vrai, non, mais bien sûr, non, mais bien sûr. Euh... Attends, non, mais ça, il n'y a aucun doute. Euh, Donc, déjà, de il y a toute ça. façon, dire les quartiers, tu peux pas essentialiser le truc et tout. Euh, non, non, il n'y a pas de problème. Il y a, hein. genre, non, as il y a compris vraiment... le truc de se dire, vas-y, en disant tacos, en mettant. <laughs> Pardon, ça me fait rire. Après, ceux qui et, et me connaissent en disant euh... frérot de slap. Tu manges des tacos, toi bah Je mangeais, et maintenant, je mange plus parce que le, le keto et tout. Mais avant, je mangeais trois tacos par semaine, les gars. Hein. c'était taré de tacos. Hein. Il y avait vraiment une arme. tacos végétarien Oui, tacos végétarien. Avec plein de trucs, fruits fruit. Il dedans frères, avec, coup, il il de parle... pardon après à ah, cassandre il y a un truc intéressant vite fait pareil a... l'insolence désolé mais c'est pas le bon terme les bourges, ils voient cette vidéo ils vous méprisent votre insolence votre insolence les touche même pas oui toi cassandre tu es dans un avis de euh... Vous vous êtes ridiculisé auprès de la bourgeoisie. Je suis un peu d'accord avec toi, Casim. Mais après, ce n'est pas leur objectif de vraiment faire peur aux bourgeois. Je pense que c'est plutôt d'entraîner les gens qui devraient se battre contre Mais eux. en vrai, la, la, par contre, la vérité, là, je trouve, vu que tu as dit je défonce Alan Food, en vrai, fais une vidéo, je mange des tacos. Et là, tu vas les avoir, les frérots de Snap. Ah ouais, je mange des tacos végétariens. Mange <laughs> pas de tacos à la suite. Si tu oh, peux en manger trois à la suite, moi, je pense. En vrai, là, il y a un créneau, là. Des giga tacos 3 Non, arrête 3 d'un coup des gigas non, non, pas hein. des gigas. Quelle taille de tacos Ça, c'est une vraie question, ça. Je sais pas trop comment. Les euh... ouais, XL. Les XL. Ça, c'est les XL, ça. C'est pas les gigas tacos. C'est pas au tacos, c'est un autre truc chez nous. donc... Là, tu ah, mets ça sur, euh... <laughs> sur YouTube. et <laughs> là... Pires euh... toujours les pires idées de fou. <laughs> <laughs> Johan Food. Franchement, Johan Food Challenge. Non, mais après, non, mais en fait, genre aussi, c'est <laughs> oh, genre, enfin, non, mais après, un moi je trouve, où... ça tourne, c'est pas bref. Oui oui, 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 non, mais après, moi je trouve, faut se méfier du truc un peu performatif, tu vois, euh, de euh, sur euh, on va parler, euh, on va parler aux banlieues je euh, euh, sais pas, tu vois, genre, moi, je, je en fait, j'ai peur que, que ça vrille et que ça soit un peu ridicule. Moi, je suis obligé, tu vois, le tweet allez les rager et tout on reste avec tes frérots sur Snap tranquille. Moi, je vois que c'est du second degré, mais tu vois, genre, en fait, pour moi, il y a un exercice un peu euh, à, à mener euh, dans, dans cette utilisation. Il faut être malin, tu vois, parce que sinon, ça ça fait juste un peu bah, con. surtout, c'est pas trop C'est pas, pas tellement tes codes que ça. En vrai, c'est même pas tant le problème que tu dis ça. Genre, si c'était full tes codes, à la limite. Euh... Oui, mais si c'était full mes codes, ce ne serait pas une blague. C'est justement oui. parce que c'est pas mes codes que c'est une blague ouais ouais J'sais moi j'ai je... trouvé que c'était un peu le... de match contrôle mais peut-être je de bah bon, toute façon en vrai ça, là où ça tourne en rond c'est que plusieurs choses Un c'est pas grave du tout tout ça il y a rien. oui en vrai il y, y, y a aucun a hein. drama on s'en bat les couilles nous on voulait s'amuser en faisant du dernier raz euh, parce qu'on voyait le chat oh, pareil machin etc et c'est juste raz il est parti en mode non il y a précises vous connaissez pas machin. et moi ce qui m'a énervé c'est le c'est le ressentiment tout en disant que je comprenais exactement ce que c'était du coup, on a fait du dernier rase à la con. Toi, t'as fait du canard à la con. Voilà, Macron à Paris. Blablabla. Voilà, c'est bien. Allez, la gauche continue son business quoi. <laughs> Alors, Affen, tu en raison. Bref. <rire> <rire> Moi, j'étais outré. Moi, ça me plaît ça. ça... Ah. Ah. Les patrons de Twitch donnent leur site C'est quoi un satisfait Genre On donne les bons points quoi. Bah après nous on est des critiqueurs qui m'ont critiqué Bah après hein, c'est le réel c'est le principe de critiquer, ah, de critiquer. Vrai, ça, hein. Nous on oui, voulait juste s'amuser quoi On <laughs> peut même plus s'amuser tranquille Bah ouais les ah, frérots de ça. snap Désolé ça nous a terminé ce truc Ah les frérots de snap moi Mais du coup moi ça me fait aimer le truc Parce aucun que c'est trop drôle Aucun, aucun, aucun regret sur les frérots de snap après, moi, je trouve ça pas. beau aussi, cette candeur, de se dire, oh, Zeph, allons appuyer le truc, on va continuer et on apprend, ça, ça reste votre force. Hein. Moi, je continue de le penser, tu vois. Ouais. Après, il faut qu'on ouais, apprenne ouais, à maîtriser bien l'outil, moi, je suis d'accord. Hein. Ouais, pareil, moi, en fait, je... quand je te disais sur, euh, sur Pas du Ring m'apprenait à, tweet à tweeter, c'était il y a genre, euh, je sais pas, trois semaines, quatre semaines, quoi. Ah là, Je pense que c'est parti trop loin, trop fort d'un coup quoi. Ah oui, bah, oui c'est une dinguerie même. Hein. Ça, on a pris d'un coup là. Quoi. Je crois qu'il y a rarement ah ouais, eu là. un boss pareil en plus. Genre euh, c'est une folie. Bah, c'est hein. la vidéo la plus vue du canard. Hein. Ah ouais ouais, c'est une dinguerie. Terrible, ça. Hein. Mais une bon, dinguerie. bon après en vrai fait, ça va être oublié vite et puis on va repartir sur d'autres trucs. Il a fait trembler a... des genoux les bourges. Non non il a fait, il a énervé tout le monde. C'est pas. Moi j'ai vu moi ma TL j'ai pas que des bourges dedans. Ils... Ça, la vidéo les a juste fait mourir de rire qu'elle est complètement hors sol. C'est ça qui a fait rire les gens. Après, il y a les bourgeois. Qu'on ont profité. Fait... Mais les bourgeois, en fait, qu'est-ce qu'ils aiment Les bourgeois, l'extrême droite et les bourgeois, qu'est-ce qu'ils aiment C'est les C.S.C. de la gauche. Parce qu'ils mettent que ça en avant. Ils mettent jamais quand on est pertinent. Ils mettent quand on pue la merde. Pourquoi Parce que c'est rien de mieux. Tu prends un, un gauchiste. Et Sonic nous, et les tu premiers hein fucking white male. Et tu fais tourner ça en boucle pendant deux ans. Bon, bah, là, il y a la vidéo de canard. Tu peux la RT. Dire, voyez, les gauchistes, comment ils sont. Et on passe tous pour des cons. Mais sauf Mais que derrière, il coup... y avait tous les gens normaux qui sont pas en mode extrême droite ou bourgeois et tout. Ils ont juste dit le gars est fou. Les gens, ils vont à l'entrecôte ou ils sont juste tapés des barres en mode ah ouais, il... le gars, il s'est pris pour Che Guevara. Moi, en fait, je sais ce qui me dérange. C'est que moi, je trouve vous avez un côté provoque, un peu edgy, où vous osez en faire des tonnes, etc. qui, je trouve, est une vraie qualité. Mais faut vraiment le manier. Il euh, faut être d'autant plus euh, pertinent et faire gaffe à comment tu le manies pour que ça soit vraiment efficace, tu vois. Et, et moi, je trouve que ça, c'est un exemple qui n'est pas grave. On est d'accord de fou, ça sera oublié, etc. Mais pour moi, ça doit être une leçon pour réussir à utiliser ce côté que vous avez. Mais le truc, tu vois, d'aller dans la rue, s'en battre un peu les couilles, de filmer les gens en se moquant d'eux, tu vois. Tu vois ce truc-là qui est un peu... Qui peut être entertainant, même tu vois, genre les micro-trottoirs que vous avez fait en manif, nous on a kiffé aussi pour ça. Parce qu'il y avait ce ton un peu d'arrivée, de dire Ah, Macron il a un peu raison, enfin tu vois, ou justement je trouve que quand vous êtes dans un milieu euh, que vous comprenez, c'est-à-dire le milieu des manifs, vous arrivez à avoir le truc de et être critique en verrant » en mode C'est un peu chiant quand même, euh, là c'est un peu de la musique de merde, mais en même temps de vraiment leur parler parce que c'est des gens que vous comprenez, etc. Et tu vois, ça c'est un truc que j'ai pas retrouvé dans la vidéo sur Paris, par exemple, où je trouve que du coup. Ça sent que c'est un, un, moins maîtrisé, tu vois. Genre euh, que, que c'est moins, euh, moins un cadre euh, qui vous correspond, tu vois. Et du coup, le, la peuleuse. La, la, Après, bon, en fait, de toute façon, c'est pas quoi. grave. Les gens, en plus, là, je genre, bah, Twitter, ça parle la vous comprenez rien. Mais les gens, n'ont jamais trouvé ça grave, les frérots de Snap. Ça nous fait juste mourir de rire. Ah oui, de fou. Mais on trouve qu'en ah fait, nous, fou. en fait, en gros, pour comprendre vraiment ce que nous, on dit, c'est déjà, un, il n'y a rien de grave, c'est zéro un drama, on s'en bat les couilles. Les gens, ils ont vu ça, ils se sont dit, waouh, ouais, ils sont vraiment perchés les gauchistes et voilà quoi. C'est tout. De toute façon, on a déjà une image de perchés. Hein. C'est sûr que ça va pas l'arranger, mais euh, c'est pas ça qui va. Les gens avaient déjà envie de chier dessus, de chier sur les gauchistes pendant cette vidéo. Euh, c'est pas ça le problème. Le truc nous, ce qui nous fait mourir de rire et nous, ce qui nous angoisse aussi, c'est qu'on voit de plus en plus dans le laxe Bof barbare Et on en a parlé. C'est pas. Enfin, vous faites comme si on n'a jamais parlé de ça. C'est le premier truc qu'on a dit quand le bouquin est sorti. C'est Clax bof barbare il y allait avoir tous ces boves qui vont vouloir parler aux barbares en, en prenant des codes qui sont pas les leurs et en étant cringe. C'est le premier truc qu'on a dit, alors qu'ils devraient déjà essayer de convaincre les boves, déjà d'essayer de convaincre euh, les gens dans le public. Après, en vrai, la vidéo de canard, elle essaye de faire ça. Maladroitement peut-être, mais en vrai ça va. On se rend écoute, tu vois. Pour le coup, la, je te parle de la vidéo là, que tu as sortie, tu vois, pas, de, pas du truc ouais. de Twitter. Et nous, à la base, on est juste en rigolant, on voit le chat et on, on réagit, on pète des plombs. C'est tout quoi. Moi c'est juste j'en peux plus quoi quand un qui dit oh, « vous allez vendre Paris parce que si vous êtes des bourgeois c'est en fait c'est comme quand il y a Vincent la Pierre ça m'énerve pareil c'était pareil quand on a regardé Vincent la Pierre en fait c'est le même react où les gens ouais. ils sont non mais Paris quand même arrêtez tu vois au bout d'un ouais. moment c'est fatigant et je trouve qu'il y a un discours un peu puant les, les, les discours de là, Paris c'est plein de bobos et de racailles ah Marseille, c'est puant et c'est sale. C'est soit plein de bobos, soit plein de maghrébins, tu vois. En fait, c'est ces discours-là, moi je les connais et je les trouve euh, populo crénios pour de vrai, tu vois. Mais ouais. toi en vrai, je sais que mais tu la deuxième partie de la, la vidéo sort de, de, de ça. Je sais oui, que la deuxième partie Donc, de la vidéo on va avec contre canard, ça, il n'y a pas trop de problèmes. Mais c'est juste plus par rapport au chat moi que je me vénère aussi. Oh, de fou, de fou. Non mais je pense yeah. qu'on a bien compris et le euh, gauches, les triques, hein. quoi moi je suis d'accord avec euh, tout ce que vous avez dit tous les deux là dernièrement. Euh, sur euh, RAS, je suis d'accord sur le fait qu'il faut bien maîtriser les trucs et tout. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des retours, c'est pour ça que c'est bien que ce que vous faites et tout. Même si euh, forcer, réact et tout, c'est le métier, tu vois. Et moi, je me pose après une vraie question, mais peut-être que vous voulez terminer le truc, que vous en avez marre et tout, mais moi, je me pose une vraie question de, du coup, c'est quoi la strat à avoir, tu vois Parce que nous, on a fait genre 400 vidéos qui sont plutôt cool, tu vois Il y en a qui sont. je vais te dire, je vais prendre un exemple vraiment caricatural on a fait une vidéo sur la politique monétaire de la Banque Centrale étatsunienne et comment ça allait influencer les politiques nationales partout dans le monde, tu vois une ouais, Super vidéo, il ouais. n'y a pas cette tech-là ailleurs. Tu mets ça sur, euh, sur Twitter, ça ne marche pas, ça ne te fait rien du tout, tu vois Par contre, on dit les frérots de Snap et on se moque de bourse <laughs> qui vont à l'entrecôte, <laughs> ça fait 4 millions de vues. Mais tu vois, il y a un truc comme ça que moi je ne ah, sais bah pas quoi faire. Tu vois, est-ce que c'est vraiment, est-ce que Twitter est vraiment un terrain de jeu sur lequel on peut s'investir, ou est-ce que c'est vraiment un truc où il y a que les pires trucs qui ressortent et que du bah. coup vaut mieux laisser la coup, main à d'autres En mode est-ce que, que Bad Buzz est still Buzz un peu C'est ça la question. Ça, ah, que... un vrai calcul. Ouais. Moi, en fait, -ce ça, c'est Only Buzz surtout. Hein bah sur ça, moi, sur ça, mmh. j'ai un avis tranché. Après, c'est mon avis. Tout le monde sera pas d'accord. Moi, je trouve que Bad Buzz est still Buzz C'est la pire des conneries de tous les temps. Le bad buzz, c'est du bad buzz. Le bad buzz, c'est toujours du bad buzz. Si tu peux éviter le bad buzz, il faut l'éviter absolument parce qu'en fait, ça t'enferme. Les gens, après, se souviennent de toi. C'est un drama éternel, etc. Le bad buzz, d'ailleurs, c'est un risque que tu dois considérer et qui peut valoir le coup. Imo, voilà, c'est quand je tu suis grave, défends ce que je voulais une dire. cause de politique fou. qui est vraiment de forte fou. et que tu sens, par exemple, je peux te dire que... Il faut que pas rien faire en en ayant invité Auria <laughs> Boutelja. <rire> C'est un calcul, et pas que euh, rasez-moi, c'est des discussions avec Gouria, des discussions avec Wissam, et on sait qu'il y a le risque de l'article f de Souche, et quand l'article F2 Souche, mais... il arrive, c'est le bad buzz, c'est-à-dire que même les gens qui ont vu le contenu, même les gens qui sont convaincus, sont gaslight par le bad buzz, même notre propre communauté est gaslight par le bad buzz, et ça fait que c'est plus difficilement défendable et tout, etc. Sauf que nous, ça, on savait, on s'attendait à cliver, on s'est dit, moi, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Quand ouais, même. on aurait pu faire mieux. On a mal répondu sur des trucs. On aurait dû plus pouvoir prévoir des angoisses autour de l'homophobie, des bails comme ça, etc. Mais après, ce qui est difficile et courant, c'est que tu sais qu'ils vont prendre le moment week. C'est ça aussi qui est difficile. Donc c'est pour ça que rien que le fait de le faire, tu sais que ça va cliver. Mais là, nous, pour nous, ça va parce que derrière, il y a un message politique qu'on sait qu'on peut défendre parce qu'il est globalement super clean et qui va dans un sens, un truc qu'on a envie de Mais voir progresser. Je pense qu'ils font le même calcul à canard. Ouais la même chose sur la mais vidéo tu vois. Par contre les bails de bad buzz machin et tout, moi ça je trouve tu sais les trucs de, ouais je vais, faire, je vais faire un clash je vais rentrer dans un arc le clash je vais rentrer dans un arc drama je vais je vais faire exprès de bidule. En fait au bout d'un moment les gens ils te voient juste comme un forceur tu vois. Genre mm -hmm. euh, ils voient juste ça en mode euh, ouais non mais en fait euh, ah lui est... regarde nous par exemple on a une répute de turbo débattre avec l'extrême droite constamment parce qu'on a eu un bad buzz sur le fait de c'était quoi c'était euh, camarade Charles qui était passé sur notre chaîne ouais. en radio libre. Ouais. On ouais. a ce ça nous colle encore à la peau ce bad buzz là. Pourtant on n'est pas du tout on ne débattrait très... on débat pas en fait, tu vois. On fait pas ça quand... à la limite quand on débat c'est avec des gens de gauche globalement. Ouais, tu de vois fou de fou. Et on a encore cette image qui nous colle à la peau. Et tu vois, donc les gens qui ont buzzé avec Camarade Charles. Désolé, Camarade Charles, c'était un live à 200 viewers. C'était une radio libre. Il s'est ramené en radio libre. On se perd tout le monde sans débattu les couilles. Ça nous a amené aucun public, Camarade Charles. Ça nous a amené que des ennuis presque, tu vois. Et encore mmh, aujourd'hui, mmh, mmh. c'est ce truc de. Ils vont nous le sortir systématiquement au moindre truc. Après, il que... y a des trucs tu peux pas les contrôler, etc. Mais moi, je trouve que la take de vas-y, je vais aller sur Twitter faire des tapines, c'est exactement ce qu'Elon Musk est en train de faire de la plateforme c'est de la chiasse et ça fait juste que t'es détesté moi par exemple c'est pour ça que j'évite de trop tweeter sauf tweeter des trucs marrants parce que j'ai remarqué que tout le monde, même des gens que j'aime, ils m'énervent sur Twitter quand ils font les gauchistes, quand ils font des traites, quand tu réponds pendant des heures, au bout d'un moment les gens ils te sortent par les yeux c'est pour ça que moi, la, moi la réponse que je donnerais c'est euh, faut pas concéder à se dire vas-y bad buzz c'est déjà bien mais faut pas ne rien faire parce que tu risques de le faire c'est pour ça moi j'aime bien quand tu as dit, dit c'est pas parce qu'il y a ce risque là qu'il faut rien faire tu vois moi je pense qu'il faut que vous continuez mais qu'il faut que vous soyez sûrement plus malin qu'il faut être tu vois et qu'il faut aussi euh, peut-être euh, aller tu vois si tu veux investir Twitter il y a aussi il y a les codes Twitter tu vois Twitter il y a un truc tu sais cette plateforme elle est très euh, elle est très un peu euh, tout le temps une distance méta avec ton propre humour, un truc un peu de distinction permanente. Tu sais, c'est très un réseau petit malin, moi je trouve, tu vois. Il faut être un peu un petit malin. C'est pas un truc très. C'est pas le shitpost, post, il est précis, tu vois. Genre, c'est un truc où si tu veux y aller et pas être dans le, dans le bad buzz, il faut vraiment vouloir faire le truc. Après, est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps de vous casser les couilles, à réfléchir en particulier chaque contenu Twitter, etc. Peut-être que le calcul, il est, est pas toi, mal. avec votre vibe sensible, euh, de prendre les... Tu vois, moi, c'est ça aussi la question. C'est que. Moi, je trouve vraiment la question du tapping sur Twitter. Ça peut juste te faire passer pour un con dans la tête de trop de gens à terme. Mais après, c'est mon avis. Peut-être que, que sur ça. Alors que sur TikTok, moi, je vois vos TikTok, tu vois. Sur TikTok, le côté un peu. Euh... Si vous essayez de faire un peu du discours de gauche à partir d'anecdotes, en tout cas moi ce que j'ai vu c'est souvent des petits trucs ça genre ah, est-ce que tu savais que Macron a dit ce truc et en fait c'est tu vois genre, là tu vois pour moi sur la plateforme c'est ça a un peu plus de sens tu vois parce qu'il y a ce truc un peu où tu prends la forme presque un peu tu vois les trivia TikTok, tu vois le petit truc de ah vous connaissez ce truc là machin tu vois et du coup bah tu, le... tu vois je trouve qu'au niveau des codes TikTok ça marche un peu plus alors que sur Twitter, moi, j un... moi je me demande si Twitter vous correspond par rapport à votre personnalité, tu vois. Et bah, tu ça toi-même oui. que t'aimes pas quoi, genre. Euh... Ça. Moi, peut-être que euh, peut-être que c'est pas peut-être que c'est pas. Ou la alors plateforme faut que sur tu fasses vous... des des gilets jaunes, c'est-à-dire que tu clives, mais pour ton propre public, celui que tu veux viser. Mais je pense pas qu'il est grave sur Twitter. là où je te rejoins aussi. C'est ça. Mais bah tu vois oui, est justement, RT Rafael Raffaelen quand il dit une connerie, de se fout de sa gueule. Ça, à la limite, c'est ce que font la plupart des gauchistes sur la plateforme, si tu prends. Euh, random droitard qui dit un, ou random bourgeois qui dit de la merde et euh, tu fais un tweet où tu le termines euh, la plupart des, des, des tweets de massifs de usules ou de n'importe quel gauchiste qui a un peu de clout c'est ça c'est des gens qui vont et en vrai pourquoi pas il y en a qui le font très bien je trouve tu vois euh, mmh. pourquoi pas mais c'est ça pour moi vraiment à la limite si tu veux cliver faut que les gens ils aient envie de te... il y a quand même des gens qui aient envie de te défendre après il y aura toujours des bad buzz que tu contrôles pas oui, et ça ces ça là, là la en de match contrôle bien sûr, ça bien sûr bien ça c'est ça c'est évident mais chercher le bad buzz en fait tu vois c'est Alan food regarde Alan food littéralement c'est littéralement il a monté un bad buzz gigantesque il a ah, c'est sûr il a fait 100 mille viewers mais c'est 100 mille viewers qui viennent se foutre de sa gueule Alan food sa carrière elle est, elle est... Elle n'est pas totalement ouais. finito, il va pouvoir euh, peut-être gratter un peu des partenariats et tout, mais oh, les gens vont se foutre de sa gueule et ça va être ça son truc quoi. C'est que tu vois, c'est pas, c'est comme les candidats de télé-réalité qui font des trucs de. Mais golem. moi je pense qu'il y a un personnage un peu goofy à amener sur Twitter en mode euh, un peu bizarre. Moi je pense qu'il y a un truc dans, tu vois, dans ton personnage de ah je fais les frérots de Snap en étant un peu goofy, en étant un peu ridicule, tu vois ce que t'es un peu absurde que as Moi je pense qu'il pourrait exister. Mais là pour l'instant, il n'est pas maîtrisé ouais, et mais Twitter, je pense qu'il pourrait et puis Twitter c'est cruel. Tu vois Twitter c'est ouais. Et moi je pense que ce personnage goofy un peu sur TikTok, il pourrait avoir plus de sens mais il faut 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 aussi plus le signifier. Tu vois presque, tu vois peut-être qu'il faudrait dans la vidéo Paris, peut-être qu'il aurait fallu quelqu'un pour tu vois que toi tu sois en mode goofy anti bourge et avoir un truc qui contrebalance, peut-être un peu plus d'autodérision j'en sais rien, tu sais, je dis n'importe quoi, ça se trouve c'est mais tu vois ce que je veux dire ou pas Tu vois de de réussir presque à plus signifier que tu es dans ton truc goofy. Que ça soit sûr et certain quand tu dis frérot de snap, c'est pour golerie, tu vois. J'ai parler, genre, tu... bah les... qui parle aussi. Oui, bah, bah désolé, vas-y, interromps-nous, nous on fait que parler. Je sais pas ce que t'en oui, penses. Oui. C'est bien, moi je vous pose une question, vous la répondez, bah j'écoute moi. Bah pas... oui. Non, mais c'est le, le chat fait... là. Oui, mais surtout que c'est des rôles en plus qu'on a beaucoup avec, euh, avec Nina, tu vois. Genre là, on... on va faire et puis on va on va continuer à faire des parodies du Zul, tu sais. Enfin, de, de... Oh, Ouais, ouais c'est cool. Quoi. Bah ouais, du coup, c'est précisément vrai. les rôles qu'on a à chaque fois de Nina et Ça, un rôle, marrant, un rôle, on a kiffé. On a kiffé, nous. Angle, ouais, nous on a kiffé de fou, de fou. En vrai, moi, je pense que vous êtes des sur YouTube, vous maîtrisez les codes. Est-ce que ouais, Twitter... YouTube, eh, YouTube c'est votre ça plateforme On est, ça, est, est, des, sûr. On est oui. des, nous, on a Twitter, c'est pas notre domaine. Genre Twitter n'est ouais. pas notre domaine. Nous, on tweet pas avec Raz. Enfin, à un moment, Raz essaye de tweeter, il s'est rendu compte de ce que j'ai dit. Il faisait des tapines et que du coup, les gens se disaient, oh, lui, il est insupportable, c'est un casse-couille, qu'il était incompréhensible. En plus, il faisait aussi des tweets frérot de Snap, en peu. Avec des fautes oui. dans tous les sens. C'est l'inspiration un peu quand même. Hein. Ah, je voilà. le savais, tu vois, Raz, tu l'avais dit. Parce que je disais, c'est de ta faute. Il m'a dit, oh, pas du tout. Pourquoi tu me mets si ça sur les. Ah, N'importe quoi, j'ai jamais dit, pas du tout. J'ai dit, oui, sí, c'est oh. vrai. Et j'étais en souffrance. Ah, oh, je suis trop heureux. Il est. Que avais le même délire, toi, Raz, même expérience. Bah, un peu. Non, mais en fait. En fait, c'est ça. C'est que moi, je trouve que ce que j'ai découvert sur Twitter, en fait, c'est que ce qui m'a saoulé avec oh. Twitter c'est que tu dois être en permanence euh, dans, une, euh, dans une distance avec ce que tu dis, où faut déjà penser à tous euh, les arguments de mauvaise foi qu'on peut te sortir sur chacune de tes prises de position. C'est qu'en fait, il y a un truc, ça pardonne pas, tu vois. Alors que je trouve par exemple TikTok, tu fais un TikTok un peu éclaté, ouais, il ne va rien se passer, tu vois. Alors que Twitter, c'est le jeu de chercher à trouver un truc à redire sur le tweet de chaque personne tu vois mais après si t'es bon à ce jeu là bah t'es un tweetos, quoi mais est-ce que ça donne est-ce que ça apporte vraiment un truc tu vois c'est bah pour ouais. ça que moi je trouve non, on euh, est meilleur votre sur plateforme... TikTok par exemple on fait bah des oui, montages de TikTok ça marche beaucoup mieux sur la plateforme on a une meilleure audience on a des meilleurs commentaires des meilleures réactions et après moi maintenant euh, mon compte Twitter je l'utilise pour faire de temps en temps un bon tweet un peu gaulerie et d'essayer de faire de l'humour, pas trop dans les tapines gauchistes trop faciles, parce que je pourrais, hein. moi j'ai un compte vraiment, je prends n'importe quelle per personne du gouvernement, je fais un RT en mode, ah, Macron d'ambition, et euh, je fais des... v'là les likes, hein. ça m'arrive des fois, genre des fois je suis vraiment vénère, je fais un tweet, ça marche, mais sauf que je peux, si je fais ça toute la journée, en fait moi je trouve que c'est... Ça, ça me donne aussi cette image de gauchiste et tout, j'aime pas ça, tu vois, donc moi je suis en mode, bah, de temps en temps je mets un tweet gallery et puis ça fait, ça fait que j'ai un compte Twitter quand même un peu actif, je pense qu'on peut y publier et y tweeter les lives. Et voilà quoi, ça dégage. Je préfère être présent sur la plateforme que pas y être parce que je l'utilise beaucoup mais je suis plus un lecteur parce que en fait moi j'aime pas ce côté de faut réfléchir à faire un tweet. Moi j'aime bien Chronomusique qui disait euh, réfléchissez euh, moins, tweetez plus, tu vois. Ouais, mais genre faut que ce soit naturel. Ouais, mais il faut que ce soit naturel, faut que ce soit en toi. Ouais, mais il fait pas il sait pas il fait pas totalement. Moi je trouve que la grosse différence c'est que c'est un shit poster. Il fait pas trop de politique même si des fois il dit euh, Nicolas raciste en brochette, tu vois, genre c'est pas un nombre de plus... fous. Tu vois, c'est ça aussi, tu vois, c'est qu'il y, y a le Twitter et il y a le Twitter politique qui est pour ouais. moi Twitter Empire, quoi. En ouais, plus, de que euh... fait Twitter politique, là. Bah ouais. Bah c'est ça, ça. Et Twitter politique, c'est compliqué, c'est pas très grave, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Puis très vite, moi, je trouve Twitter politique, quand t'es un gauchiste, ça va vite tomber dans l'échange le... de ping-pong avec l'extrême droite. Et tu sais que l'un et l'autre se nourrissent. L'autre option. Et je trouve ça un peu badant. Ouais. Moi, il y a un truc dans Twitter que j'aime pas. Qui en gros, euh, t'as euh, Jean, Jean Messia qui fait une cagnette Naël, et t'as tout le monde qui code tweet Jean Messia pour dire c'est ignoble de faire une cagnotte Naël. Et donc t'as tous qui les droits les gens à tar, les gauchistes qui disent que c'est ignoble la cagnette euh, Naël en disant regardez, ils ont le seum donné sur la cagnotte de Naël. Et du coup, les gauchistes RT, les gens qui disent regardez, ils ont le seum. En fait, tu vois, genre, et hmm. moi, en fait, c'est ça qui me, parfois fait que Twitter, je trouve que c'est. Pas une super plateforme pour ça. Et par contre, il y a des twittos qui font le café quand même. Genre, moi, je suis tout le temps sur Twitter à m'informer, à regarder des trucs. C'est une super plateforme pour euh, voir un peu comment les gens y pensent, les différentes bulles, les trucs, les machins. Mais il y a un, y a un truc que dans la manière que je trouve. Euh, un peu cauchemardesque, mais je parle vraiment de moi-même, hein, tu vois. Je trouve Twitch, c'est positif. T'es là, t'es avec globalement des gens qui viennent pour voir ton contenu. Tu crées du contenu, t'avances, t'as des invités. YouTube, tu crées des vidéos, t'apportes quelque chose, même s'il y a des commentaires horribles, même s'il y a des réponses à, même s'il y a des clashs. C'est quand même, t'as une base de public, tu crées du contenu, c'était pas full drama, euh, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc un peu plus euh, qui tire un peu plus vers le haut, alors que parfois Twitter. Mais il faut de la force aussi. Il faut des militants sur le terrain. Moi, je dis pas ça. Alors, il y a des militants gauchistes qui passent leur temps à détruire Jean-Messia, heureusement qu'ils sont là. Je dis pas ça comme ça. Ah, je parle bien, juste bien, que bien. moi, perso, ça m'angoisse au bout d'un moment, quoi. Je, ouais. je suis en mode euh, ah, je vais pas faire mes tapines de, de gauchistes là. C'est bon quoi. Et pour moi, si vous devez développer des trucs que vous essayez, peut-être le faire sur des endroits où vous maîtrisez, tu vois. Genre, je pense, ouais. tu vois, parce que tu vois, par exemple, sur la vidéo YouTube. Nous on te la trouve ratée sur des parties mais de fait ton public YouTube, il a compris ton message en vérité, il a tu vois, il a vu la vidéo, il a vu la tu vois, il a compris ce que tu as voulu dire. Donc tant donc tant mieux tu vois et je pense que ça c'est parce que c'est parce que c'est sur YouTube aussi et que, es, que c'est plus dans ta laine et que tu es en maîtrise tu vois. Voilà. Je pense Le, que la strate un petit peu qu'on a là pour euh, l'avenir. Alors je vais pas tout spoiler, on va faire une vidéo d'annonce mais euh, du coup, il y a des trucs qui vu qu'on a soupé les sous et tout, on va pouvoir embaucher des gens et tout. Euh, en gros, on va pouvoir faire des contenus genre tous les jours, tu vois. Et du coup, on va pouvoir balancer sur tous les réseaux un peu un truc en mode du go cryptes, tous les jours, euh, essayer de balancer des trucs d'actualité. Donc, à mon avis, la strat, c'était un peu, mais peut-être que c'était la mauvaise strat, mais la strat, c'était on essaye de gagner des gens sur Twitter et à partir de septembre, on devient un peu un média en balançant juste le contenu et puis on arrête avec les frérots de Snap, quoi. Bah, peut-être peut que. pas plus mal parce que votre contenu, qu ça votre ça. meilleure vitrine. Quoi. Bah oui, c'est ça. C'est ça. On dirait un conseil de classe avec deux profs qui encouragent l'élève, Mais non Parce que Après, en, plus, en vrai, aussi, moi, je, je pense que c'est YouTube... une discussion de créateur de contenu. Moi, franchement, oui Sam je te jure que là, je suis par rapport à tout à l'heure. Là, je suis moi, je suis dans les mêmes angoisses de. C'est difficile Twitter à appréhender. Hein. Ah, de fou. Moi, je te jure. Et, que... et, et, et par exemple, tu dis conseil de classe avec deux profs, genre sur YouTube. Euh, nous, euh, on aurait euh, genre Dani beaucoup moins parce qu'il a beaucoup fait sur YouTube. Mais tu vois, c'est une, une maîtrise de l'outil. Euh, genre moi, j'aurais pas de leçons à donner sur euh, comment faire une vidéo à canard perso. Tu vois, Danny, toi, tu pourrais plus cette discussion-là, ça cette discussion -là, mais parce Encore. Mais encore hein, de on En fait moins, non, au mais... final. T'en as fait moins, mais je veux dire, t'es quand même. Ils ouais, fait que tu en même temps. Euh, J'ai pas fait 12 000 vidéos Macron aussi. Hein. sinon euh, Voilà, c'est ça. Non, mais tu vois facile. ce que je veux dire, c'est qu'il qu y a aussi chacun ses domaines de compétences, tu vois. Et moi, j'en euh... ai fait une vidéo Macron à Et pour Moi, tu vois, par bon. exemple, la, la strat Hugo décrypt, moi, je pense que ça, c'est vraiment votre lane. Dès ce truc-là, flux tendu d'avoir l'énergie militante de réagir sur chaque petit truc d'essayer de conscientiser sur chaque petit truc il y a un truc moi perso que je serais incapable de faire ça me ferait déprimer tu vois et ça c'est vraiment votre line tu vois bien plus que je vous vois comme shit poster et sur sur twitter tu vois genre ça tu sais j'ai la première vidéo macron oh ça recommence dans Dany 2017, une parodie de candidature, à un moment on dit la popularité étonnante d'Emmanuel Macron, machin, et c'était au tout début, c'était quand parce que tu sais, il a mis un an à arriver, à débarquer comme ça, et c'était au tout début du truc, et comme on avait écrit la vidéo avec Usul à l'époque, on avait dit Ah vas-y, c'est marrant, et tout avec se Estonie, genre à Macron, et en ce moment, il a la, la cote, mais on savait pas du tout, tu vois, que ça allait devenir euh, Macron, quoi, tu vois, à ce moment-là. Et on avait juste mis en mode Ah bah tiens, pourquoi pas Du coup Trop de sur moi, que voilà, que... j'ai la, la première vidéo qui parle de Macron. <laughs> C'est moi. Macron, Donc ceux continue. qui disent, Dani, tu parles jamais de Macron, fermez-la. <laughs> fermez-la. <un. rire> ça recommence. Ça fait une fois en 2016. Voilà. <laughs> une fois ah, hein. Et après, j'ai fait une grosse vidéo. Attends, la combien de vues, ma vidéo Macron J'ai envie de savoir. Oh non, ça recommence. Ah si, si, si. 225 000 vues il y a 6 ans. Alors. Vous connaissez -vous. Alors. Alors. <rire> 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 Non, Mais bah j'en ai vrai... fait une Et après, c'est bon, on va pas boucler sur Macron. Mais après, en, en fait, vrai, moi, là moi, la je vérité... comprends la logique de production aussi, derrière, en fait, c'est ça, moi, je pense, votre défaut et votre qualité, c'est la surproduction. Mais nous, c'est pareil pour les lives. Hein. Moi, là où je te fais une... Je te... je te dis ça en disant dans la même sauce où, bah, en vrai, des fois, on fait des lives en se disant bah... <laughs> on doit faire un live parce que sinon, on n'existe plus et qu'on a besoin de cette régularité, on a besoin de l'argent, on a besoin de la... Tu vois Il y a une logique. La vidéo que vous avez vue là, enfin que vous avez vue juste à un bout là, euh, la moitié quand même, euh, Elle a été euh, réécrite intégralement, euh, tournée sauf la partie à Paris évidemment, euh, montée et diffusée en une seule journée quoi. Uh, uh, uh. Et, et dans la semaine on va publier quatre vidéos en plus de ce truc court métrage. Ah ouais. machin, uh, de fou, de fou. C'est pour, ce pour ça hein. qu'il y aura forcément du CSC Et d'ailleurs nous on s'attend tous les jours avec Raz un jour ça va nous prendre un de nos TikTok, ça va le publier ah oui, sur sur Twitter. Twitter et ça va et on, faire on va un CSC, hein ah de fou, c'est sûr et certain, ça va arriver Tu oui, vois, de genre c'est aussi le défaut de la surproduction, c'est que mmh. des fois t'as la tête dans l'eau et puis tu poses mais tout, après, tout, tout, tout. Et à un moment donné, a que qui perce, parce la que la vérité des... aussi. Sauf que quand t'as un bad buzz, la surproduction fait que tu reproduis un truc. Donc c'est ça qui est bien, c'est que t'es pas absent six mois après ton bad buzz quoi. Donc c'est aussi ouais. une qualité, mais ouais. Moi je pense qu'il y a une, une heure du ouais, match. Ouais, ai bon, moi je Je pense qu'on a fait le tour de fou. Et puis on verra de débat en plus. Mais oui, finalement tout va bien, c'est le plaisir. Non mais c'est bien, il fallait qu'on discute. T es, t es, sinon t es, t es, les gens ils croire qu'on le déteste, c'est horrible en fait. Oui, oui. de fou. C'est bien, merci des conseils. Voilà. Et mais après bon, de toute façon, de, et, et puis de toute façon vous, moi ce que j'ai toujours vu c'est que les gens ils disent ils ont beau dire, vous, vous faites vos bails et c'est en taffant, vous prouvez que ça marche, que votre public vous l'avez et que vous faites vos trucs à votre façon et que voilà quoi. Donc tu vois c'est aussi ça. Tu vois moi j'ai pas l'impression que vous soyez en insécurité de production quoi. En fait moi je pense vraiment l'angle c'est de leur amener le discours, les banlieues. C'est pas ce que vous croyez. Paris, c'est pas que des bourgeois. Et je pense qu'il est là l'angle et c'est déjà ce que vous avez voulu faire. Et il est là l'axe, la, le grand, le grand travail y a à faire, tu vois. Voilà. Et de toute façon, enfin, les frérots euh... de Snap, c'est des frérots sur Snap qui leur parlent. C'est ça la vérité aussi. Bah ouais. il faut Savoir d'où on parle quoi. Tu vois, c'est comme nous, on parle à des, on parle à des gens comme nous. Vous verrez d'ailleurs quand on parle de notre public dans la vidéo d'à gauche, vous verrez ce qu'on en dit. Vous verrez comment on vous analyse le chat. Qui on croit que vous êtes Est-ce qu'on se trompe Est-ce qu'on a raison mais voilà. Mais ouais, bon on, avoue, a, canard. on est bien non Ça le fait ou quoi Attends non, j'ai un une dernière chose à lui dire. Oula. Ah si c'est important. Oula. Je sais ce qu'il va faire. Bon. Ferme ta putain de gueule espèce de débile. Ce même est légendaire. <laughs> ce même est légendaire. <laughs> J'adore sa tête, il en peut plus. -P -P, il est quoi. déjà épuisé. On il dirait le chat de Yokuno quoi, Denis. <laughs> Après à, à vous. Que ça à mourir de rire comme moment d'internet quand même. Oui. Voilà. J'ai bien aimé tout le débat. Enfin, j'ai bien aimé tout le débat. En plus, ça a vraiment une évolution dans tout le débat et tout. C'est intéressant. Mais ouais, bah ouais. <laughs> j'aime bien. Maintenant, je fais alliance avec Padu. Du coup, j'ai un peu. C'est bon. J'ai pris ma revanche. t'es infiltré, pour... c'est ça, c'est ça, c'est ah. ça. ça. <rire> Mais <rire> bon, va avec... te vacciner comme tout le monde. <laughs> ah quelle dinguerie <laughs> c'était une dinguerie ce moment <laughs> d'internet. Un même arc anti-vax, hein anti-vax du canard. <laughs> bon, ça le bon, fait allez. ou quoi Ouais, okay. moi j'en ai marre. Force à toi, canard réfractaire. C'est le live le plus Lou, long des histoires. Force à vous tous, à l'équipe en oh. vrai. Force à toi, Johan, et à l'équipe. Salut les gars, bisous. De ciao, à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao, ciao. Et voilà, les frérots de Snap. Ah là là, vous avez vu qu'on a des connexions avec les frérots <laughs> de Snap Vous voyez, nous aussi on est le sur le Snap. Temps, hein. Le public des derniers Ra, c'est beaucoup des blancs. Bah ben, vous voyez. Vous voyez, on, on est sur quand Snap On a des frérots aussi. de Snap aussi un peu voilà après l'expression frérot de snap je crois on va, on va la garder c'est ça qui est bien ah ouais l'expression frérot de snap des hommes il a inventé un vrai truc oh, pff... moi je suis allez coupe cette merde épuisé ouais je vais mettre juste un, un pen ouais, hein un petit p un petit p un pay. petit pay. salut c'est et raz.